Bien-aimé, que la grâce de notre Seigneur surabonde dans ta vie. Qu'il t'accorde les délices de ton cœur. Qu'il bénisse ta jeunesse. Et qu'il bénisse ta vieillesse. Qu'il bénisse tes allées. Et qu'il bénisse ton retour. Que l'huile qui descend depuis la tête d'Aaron jusque sur sa barbe demeure dans tous les aspects financiers de ta vie. Que ta vie soit un témoignage pour la multitude. Comme Adonai a promis au patriarche Abraham de rendre son nom grand. Je prie que le Seigneur rende ton nom grand. Qu'il te multiplie. Qu'il te donne d'assujettir tous les environnements. Et tous les lieux que tes pieds fouleront. C'est lui qui a dit en Josué 11 verset 3 que tout lieu que tes pieds fouleront, je te le donne en possession. Que rien ne te résiste. Que le monde des ténèbres qui règne dans les cieux. Que le monde des ténèbres qui règne sur la terre. Que le monde des ténèbres qui règne dans les cieux soit effrayé devant ta présence. Soit terrorisé par ta présence. Que le Seigneur fasse de toi un soldat pour son œuvre. Un guerrier pour son œuvre. Une guerrière pour son œuvre. Que le Seigneur Jésus fasse de toi un gagneur d'âme. Une gagneuse d'âme. Par toi. By you, les membres de ta famille qui étaient dans la captivité, dans la religiosité, qui étaient dans l'ignorance, que les membres de ta famille sortent de l'Égypte, sortent de Babylone, sortent de la mer, sortent des prisons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de notre témoignage. À cause de la parole de notre témoignage. Et nous n'avons pas aimé nos vies. Jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, beloved. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord God bless you. Reçois mon shalom de là où tu es. Receive our greeting from wherever you are. 6 mois d'absence. 6 months of absence. 6 mois de croisade. 6 months of crusade. 6 mois de combat. 6 months of battle. 6 mois de vérité contre le mensonge. 6 months of truth against lies. 6 mois de lumière contre les ténèbres. 6 months of light against darkness. 6 mois de prédication. 6 months of preaching. 6 mois de puissance. 6 months of power. 6 mois d'autorité. 6 months of authority. 6 mois de coalition. 6 months of coalition. 6 mois de fatigue. 6 months of tire. 6 mois d'attaque. 6 months of attack. 6 mois dans la présence du Seigneur. 6 months in the presence of our Lord Jesus. Bien-aimé, beloved, pendant 6 mois. During 6 months. Depuis le 16 mai 2023. Since 16 May 2023. Jusqu'au 6 novembre 2023. Since November 2023. Le Seigneur nous a inspiré. The Lord has inspired. D'organiser. Sur plusieurs villes et villages de la Côte d'Ivoire. Many villages and towns in Ivory Coast. Alléluia. Amen. Mais avant tout propos. Before everything, j'aimerais vous say thanks. En premier lieu, in the first place, à celui dont le nom est Yeshua Mashiach. He that his name is Joshua Mashiach. Celui dont le nom est Israël. He that his name is. Bien-aimé, j'étais en train de te dire et je vais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui a permis l'aboutissement de cette croisade. Alléluia. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire merci à certaines personnes. Je vais citer des noms aujourd'hui. C'est possible que je cite des noms. Alléluia. Pendant ces 6 mois, je vais dire merci en premier lieu in the first place, à toutes les églises du réveil international de Jésus. All the church of Jesus comes soon. Pendant ces six
mois, vous nous avez démontré. Vous avez démontré votre amour au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez démontré que vous avez véritablement le Christ. Je veux dire merci à toutes les intercesseurs. Des jours comme de nuit. Day as night, on élevait la voix pour la réussite de cette giga croisade. For the success of this mega crusade. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à la jeunesse du réveil international. I want to say to the youth of the Seigneur Jésus. That the Lord is part of you. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à toutes les églises du réveil. I want to say thanks to the other church of the revival. Je ne veux pas lésiner sur les moyens. Without not their Je ne veux pas lésiner sur les moyens. Quasiment toutes les églises de Côte d'Ivoire. Même les églises de l'extérieur. Even the church of the outside. They have sent out the disciples. They have sent out the members. So that they will be associated to us. During this 6 months of crusade. Alléluia. Amen. J'ai une pensée pour l'église d'André. I have a thought for the church. Que tu acclames l'église d'André. I want you to give a clap of the church of André. La Bible dit de rendre l'honneur à qui est qui. Mais on sait que qui en a toujours la Bible. Pendant ces 6 mois de croisade. L'église de Benjerville. The church of Benjerville. Nous a exceptionnellement. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a marqué. But one thing marked me. Le bien-aimé Israël. Our beloved Israel. De l'église de Benjerville. Of the church of Israel. La Bible nous rend l'honneur à qui est dit. Je t'explique pourquoi. Alléluia. Je t'annonce à l'homme de Joseph. De l'église d'Abobo. L'église d'Abobo a été présente. A été fortement présente. Pendant ces 6 mois. Alléluia. Amen. Salut à l'homme de Dieu, Benjamin. And I'm talking of the man of God. Salut à la servante de Dieu, Anne-Esther. The servant of God, Anne-Esther. La servante qui sont plusieurs, mon bien-aimé Matthieu. And the man of God, Matthieu. Sont plusieurs. L'église même. Toute l'église voulait venir. The whole church wanted to come. On leur a dit que c'était pas possible. But we told them that it wasn't possible. Gloire à Jésus. Amen. Je vais dire ici merci. I want to say thanks. À toutes les autres églises. To all the other churches. Alléluia. Amen. Qui ont contribué. That I contributed. À l'avancement. To the moving forward. À l'aboutissement. To the moving à l'achèvement. To the accomplishment. De cette croisade. Of this crusade. Je veux dire merci. I want to say thanks. Aux hommes de Dieu de Bassam. To the men of God of Bassam. À l'église de Bassam. To the church of Bassam. Et de façon personnelle. That personally. Et de façon globale. And globally. En soutenir. En supporter. En soutenir. En supporter. Cette croisade. This crusade. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. Que le Seigneur vous le rende au sein. May the Lord God pay you back in what you do. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi qui nous as soutenu spirituellement. You that has supported us spiritually. Toi qui nous as soutenu physiquement. You that has supported us physically. Toi qui nous as soutenu financièrement. You also that has supported us financially. Toi qui nous as soutenu psychologiquement. You that has supported us psychologically. Toi aussi qui nous as soutenu médicalement. You that has supported us in medicine. Parce que nous avons reçu des médicaments de partout. I received the love. We received a lot of medicine. Le Seigneur m'a dit de te partager. The Lord want me to share with you. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 40 à 42. Verse 40 to 42. Matthieu 10, verset 40 à 42. Matthieu chapitre 10. Voici la promesse. This is the promises. Le don gratuit.
Seigneur me charge de te donner aujourd'hui. That the Lord charged me to give you today. Amen. Matthieu 10, verset 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Anyone who welcomes you welcomes me. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Anyone who welcomes me welcomes who that sent me. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Whoever welcomes a prophet as a prophet recevra une récompense de prophète. Will receive a prophet reward. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste. Whoever welcomes a righteous person as a righteous recevra une récompense de juste. Will receive a righteous person reward. Et quiconque donnera seulement un seul verre. And if anyone gives even a cup of gold, d'eau froide. Cold water. À l'un de ses plus petits. To one of these little ones. Parce qu'il est mon disciple. Who is my disciple? Je vous le dis en vérité. Truly, I tell you. Il ne perdra point sa récompense. That person will certainly not lose his reward. Amen. Amen. Glory be to Jesus. Bien-aimé, j'ai été fortement. Beloved, I was strongly surprised. Dans toutes les églises. To see all the churches. Non pas seulement de Côte d'Ivoire, not only of Africa, mais du monde entier, of the whole world, dépêcher les bien-aimés, coming, les jeunes serviteurs de Dieu, the young les jeunes servants de Dieu, les jeunes servants de Dieu, les aider dans la tâche, coming to help us, et les gagner des âmes pour Christ, coming to win souls for Christ, venir annoncer la bonne nouvelle, coming to proclaim the good news. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le livre de Matthieu 10, verset 40 à 42, s'attache à ton esprit, s'attache à ton âme, s'attache à ton corps, s'attache à tes finances, s'attache à ta carrière, s'attache à tes champs, s'attache à ta maison, s'attache à tous les domaines de ta vie. All the domains of your life. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved. En début d'année gréco-romaine. Since the beginning of the year. Le Seigneur va me dire. The Lord will tell me. On va reprendre les choses où on l'avait commencé. We are going to retake things where we have left it. Le Seigneur va me dire. The Lord will tell me. On va reprendre les choses. We are going to retake. Où on les avait commencé. Yes, where we begin them from. Alléluia. Amen. Je dis comment, Seigneur. I say how the Lord. Va me dire tu vas pacifier toute la Côte d'Ivoire pour moi. And you tell me that you're going to pacify the whole Africa. Comme Moïse et Israël. As Moses and Israel. Aller en guerre. They went to war. Les autres nations. Against the other nations. Je vais en guerre. You are going to go contre to war. Les autres nations. Against the other nations. Mais si les autres nations. But if the other nations. Ce ne sont pas les nations physiques. They are not the physical nations. C'est Satan. It's Satan. Et tout son royaume. And the whole kingdom. Tu vas libérer toutes mes brebis. You are going to free all my sheep. Le royaume de Satan. Ceux qui sont dans le nord. Alléluia. Amen. D'accord, donc c'est ta grâce alors. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur va me dire. The Lord will tell me. Tu vas aller dans les quatre points de la Côte d'Ivoire. You are going to go to the four corners of Africa. Mener guerre contre Satan. Warring war against Satan. Tout son royaume. And against his whole kingdom. Tu vas libérer de la captivité. You are going to free from captivity. Mes brebis. All my sheep. Qui sont dans la religiosité. That are in religion. Qui sont dans l'islam. That is Islam. Qui sont dans le catholicisme. That is Catholicism. Qui sont dans le fétichisme. Qui sont dans les adorations des bois. Adoration. Qui sont dans les adorations des talons. Qui sont dans l'athéisme. Qui sont dans l'ignorance. That is ignorance. Qui sont dans la philosophie. That is the philosophy. Qui sont dans les faux raisonnements. That is the false reason. Tu vas mener guerre contre Satan. You are going to war. Guerre contre son royaume. Against his royaume. To take back my sheep. De sa prison. From his prison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à la base. Beloved, at the base. Nous avions un objectif. We had an objective. 3 à 4 mois d'évangélisation. 3 to 4 months of the evangelization. En principe, dans la ville de Korogo. In principle, in the town of Korogo. Ensuite, Zemula. And following Zemula. Touba. Et Jacquesville. And Jacquesville. Sur notre feuille de route. In our ending. C'est ce qui avait été planifié. That was what was planned. Mais pendant que nous étions en train de faire le programme. The moment we were doing the program. Le Seigneur Jésus va ajouter d'autres villes. The Lord God went to add another village, town, another village. D'autres campements. Another camp. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Nous avons quitté ici le 16. We left here the 16th. Le 16 mai. The 16th. Nous sommes arrivés à Korogo. And we came to Korogo. Mais peut-être que tu ne le sais pas. Maybe you don't know. Ou peut-être que tu le sais. Or maybe you know. Mais ici en Côte d'Ivoire, but here in la ville de Korogo, the town of Korogo, est champion en termes d'idolatrie. It is a champion in terms of champion en termes de satanisme. They are champion in the time of satanism. La ville de Korogo, the town of Korogo, est champion en termes d'occultisme. In the time of occultism. Et les jeunes de Korogo, and the youth of Korogo, sont des tabarets de séduction. Ne s'en cache pas. They do not hide. Si tu viens à Korogo, when you come to Korogo, tu n'as pas un gringuit dans ton magasin. If you don't have a fetish, si tu viens à Korogo, when you come to Korogo, que tu n'as pas les prédits de protection sur toi. Et tu n'as pas de protection. Attends, tu n'es pas de Korogo. It means that you are not from Korogo. Je veux passage à Korogo. You are just passing by. Bien-aimé, c'est fort de tout ça. Beloved, because of all these things, que le Seigneur nous a amené à la montagne de Korogo. That the Lord has sent us to the mountain of Korogo. Cette montagne s'appelle le mont Korogo. This mountain is called the Mount of Korogo. Vous avez monté, je vais vous parler. And the Lord has had to climb. Je vais vous montrer les choses au niveau de Korogo. I'm going to show you things at the level of Korogo. Bien-aimé, lorsque le mont Korogo, when we went to the mountain of Korogo, on était scandalisé par tout ce qu'on a vu. Plusieurs hôtels ont été bâtis sur cette montagne. Et des noms ont été livrés aux esprits de Poro, de Wambele, de Nankrocha, de Kondro, et de Kondro. Are you surprised? C'était les démons qui régnaient en maître dans cette ville. These are the demons that are reigning in this world. L'esprit de Poro, l'esprit de Poro, l'esprit de Kondro, l'esprit de Kondro, l'esprit de Nankrocha. Alléluia. Amen. 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 Et évidemment, on va monter à la montagne. And surely we are afin de renverser cet hôtel là. Throw back this one. Alléluia. Amen. Vous aimez la Bible dit. Beloved, the Bible ne peut rentrer dans la maison de l'enfant. Without attaching him. Il faut d'abord lier l'enfant. Ensuite, tu pourras plier ses pieds. If we, then you can. C'est pour ça que nous sommes allés dans des lieux. That's why we went to the place. Afin de plusieurs hôtels. To reverse many hôtels. Et l'effet de cette expulsion d'hôtel. Effect of this reversing of this hôtel. A été quoi? Have you what? Le fait de relâcher les âmes. The effect of releasing les âmes. To live free soul. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous sommes allés au Mont Korogo. We went to the mountain of Korogo. Nous sommes allés aussi à Cinématiali. We also went to Cinématiali. Before the lake Bandama. Before the lake of Bandama. Et ce lac là est adoré. And this river is being worshipped. Par les habitants de Cinématiali. By the leaves, they live. Et les gens viennent de partout. And the people come from every place. Afin d'adorer ce lac là. To come and worship this river. Bien-aimé. Amen. L'eau avec laquelle on se lave. The water with which we wash. And the water we love to. L'eau on prend pour faire la cuisine. The water we use to cook. Les gens sur leur tube. The people, other people, they are God. L'eau on prend pour boire. The water that we drink. Les gens sur la terre, c'est leur tube. Others on earth is their God. Bien-aimé. Beloved. On ne sait pas faire prier. We know comment. Nous allons saccager tous ces hôtels. We have revived all this. Afin de libérer toutes les âmes. We have freed all the souls that we have captured this. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Beloved, la semaine dernière, Deborah. The servant of God, Deborah. Madame Siloué. Our a fait venir son oncle. He has sent his uncle. Un des plus grands besoins de Korogo. One of the biggest spiritual. Quand il est venu me voir. When he came to see. Regarde à ses doigts. Look at on the finger. On devient la part américaine. It's like an American. Il a tous les gringuits de Côte d'Ivoire. Oh, the fat is the ring. Le besoin est malade depuis 5 ans. Oh, the old man Dozo is. Regarde sur son front. Look out on his. Regarde à sa hanche. Look out on his. Il a tous les antibas de Côte d'Ivoire. Non, depuis pratiquement 5 ans. But for 5 le years, vieux Dozo est malade. The old man is. Il allait d'hôpital en hôpital. De médecin en médecin. De charlatan en charlatan. De marabout en marabout. Pas de guérison. No, sa nièce va lui dire. Yes. Les hommes de Dieu sont arrivés à Korogo. On va les voir. Go and see them. Et évidemment. And surely, le vieux Dozo arrive nous rencontrer. The old man Dozo, accompagné de son assistant. Following his assistant. Dès qu'il arrivait, when he arrived, les jeunes serviteurs, the young servant, les intercesseurs vont lui dire, citoyen, bon arrivé. Old man, you are welcome. Tout est cuit là. But all this thing that avant qu'on t'annonce Christ, before we announce Christ, faut les enlever d'abord. You must remove them before. Dieu. He said, yeah. Et il va commencer à donner la généalogie. He begin to give to de chacun de ses cuits. À quoi sert chaque cuit? What is serving? Oh. Alléluia. Amen. Ils vont lui dire le vieux. Yes, you are strong. Tu as les vrais babaji. Yeah, you have all kind of powers. Mais n'est-ce pas que tu es malade? But are you not sick? Le vieux dit, The old man say yes. Sir. Alléluia. Amen. Et donc malgré lui, so beside, et malgré son neveu, and beside his nephew, ils vont enlever tous les gringuits. They are going to remove all his. Bien aimé, on a eu l'impression que c'était Rambo. Beloved, we are feeling like it was Rambo 13.
Il n'arrêtait pas d'enlever les gris-gris sur lui. Il n'arrêtait pas d'enlever les gris-gris sur lui. Quand il a fini d'enlever les gris-gris, je l'ai reçu. Il m'a regardé. Dans son cœur, il s'est dit, aïe. Mais l'homme de Dieu là, il dit, c'est moi. Yes, I think you old man is me. Il dit de Dieu, faut pas regarder ma taille. You don't look at my height. Faut pas regarder mon âge. Don't look at my mais moi, il y a quelque chose d'extraordinaire. In me, there's something extraordinary. Plus fort que tout est plus. That is stronger than all. Moi, il y a quelque chose de plus fort. In me, there's something plus fort que tout est plus. That is more powerful than all. Moi, il y a quelque chose de fort. In me, there's something strong. Plus fort que tout est plus. That is more powerful than all your faith. Si tu crois en cette puissance. If you believe in this power. Si tu te soumets à cette vérité. If you submit to this truth. Tu vois ta guérison instantanément. You see your healing instantly. Le vieux déjà commence à parler en tabana. The young, the old man begin to to his nephew. Sur la table sur laquelle j'étais assis. On the table on which I was sitting. Il y avait un verre d'eau, un petit peu d'eau. They were having a bottle of water. Amen. Amen. Je dis le vieux. I said, est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Do you know that Jesus is God? Je dis le vieux. I said, old man. Tu as combien de femmes? How many women do you have? Lui me dit la quatre femmes. The old man said, he has four wives. I said, prier pour toi. I'll pray for you. Mais le Jésus que je vais t'annoncer. For the Jesus I'm going to announce to you. Comme lui est marié à une seule église. Because he's married to one church. Et que toi tu sois marié à la première. He wants you to be married to the first one. Les trois autres. The third one. Quand tu vas confesser Christ. When you confess Christ, tu vas te défaire d'elle. You are going to separate yourself. Mais Dieu lui ask a full life. The young man said, ask a full life. Alléluia. Amen. Bien-aimé, beloved, je l'ai dit à celle. D'accord, je vais te présenter quelques rudiments de la sainte doctrine. I'm going to present some basics of the sound doctrine. You are going to understand that Jesus. C'est ok. C'est ok. Je commence à l'expliquer. I begin to explain. Je l'explique. Explain. Je l'amène à poser des questions. I begin to allow him to ask questions. Quel est le plan parfait de Dieu pour lui? What is the perfect plan for God for you? Je lui demande maintenant. I ask him now. Est-ce que tu es prêt à confesser Jésus? Are you ready to confess Jesus? Il dit, homme de Dieu. He's a man of God. Je vais confesser Jésus. I'll confess Jesus. Dans une condition. But in one condition. Afin des femmes là. But the matter of attendre un peu d'abord. For the woman, wait a little. Et il dit, tu aimes la chair. I say, woman, you love the flesh. Alléluia. Amen. J'ai dit, ok. I said, ok. D'accord. Ok. Regarde, tu vois la bouteille qui est sur la table. And you see the bottle that is on the table. Je vais prier là-dessus. I'm going to pray on it. Et le Seigneur va te guérir. And the Lord God will heal. Le vieux depuis quasiment 5 ans. The old man for 5 years. Il avait un ok. He was having an le ok qu'il a. An ok that il ne survient que lorsqu'il mange. It comes when quand il mange. When he eats, il peut oketer pendant des heures et des heures. Go to this place for et hours. Il finit par tomber dans l'évanouissement. And he finished by falling. Et c'est après quelques heures. And for an hour. Qu'il revient à lui. That you come back on him. Et donc ça faisait qu'il mangeait à peine. And it's making it difficult for him to. Je vais dire le vieux. I say you're old. Moi, je dis que tu vas manger, tu vas dormir. Today you are going to be. Rien ne va t'arriver. You are going to wake up. Nothing is going to happen. Tu as la foi. You have faith. Je vais faire tout. The old man said, je prie sur la bouteille. I pray on the bottle. Je lui donne de boire. I give it to him. Le vieux boit toute la bouteille. The old man drink the whole water. Il faut faire doucement, c'est pas gris. I said, take it easy. It's not practice. Il boit toute la bouteille. He drink the whole water. Regarde la bouteille. He look at the bottle. J'appelle maman Christiane. I call mama Christiane. Je lui fais plus rapidement à manger. I said, make it eat. Et donne-lui. And give it to him. Je lui dis non. Il ne mange pas pour vous là. I'm not going to eat for d'aller manger chez moi à la maison. I'm going to eat my house. Et puis je vais te rappeler. And I'll call you back. Je dis ok, je suis là. I say okay, I'm here. Je vais chez lui à la maison. The old man went to his place. Il mange. He eats. À 15h, il appelle le pasteur Paul de Porogo. He called the man of God of Porogo. Il dit prie de ton pasteur là. He said the practice of the pastor. Je suis fort. Hey, he's strong. Je mange. Je suis fort. I said, moi-même je sais ta maladie. I was giving you the sickness. I was giving you the sickness. Hey. Hey, there's nothing. And he said, this one. I'll come and see him. I'm going to send out the doctors. I will say that there's a power. That is not Jesus. That is not Jesus. All the corona. All the corona. It's not power. Hallelujah. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On était allé à la mairie. We went to the mayor. Alors, on avait des difficultés pour avoir l'autorisation. We were having difficulty to have authorization. Je t'ai couché là. I was lying. Mais sans autorisation. I said, without authorization. On ne peut pas annoncer Christ. Parce que là-bas, ils sont animistes. Because there, they are mostly. Ils sont fermés à l'évangile. And they are close to the good. Là-bas, il est bon d'être serve tozo. There, it is good to be a master of tozo than to be a pastor. Alléluia. Amen. C'est à Korogo. It is in Korogo. Il fait bon d'être serve tozo. That it is good to be a chief. Et quand tu es serve tozo. When you are a chief tozo. On est fier de toi. Everyone is proud. Un jeune Korogo veut te ressembler. A young Korogo. J'ai eu l'impression qu'on était dans un autre état. I was having a feeling that we were in another state. Et pendant qu'on réfléchissait, and the time we were taking,
mairie traînait à nous donner la l'autorisation. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, I had a voice of the Lord that told me, allez rencontrer le maire. Go and meet the mayor. La voix du Seigneur qui me dit, allez rencontrer le maire. The voice of the Lord told me to go and meet the mayor. Do it now. J'appelle l'homme de Dieu Eli. I call the man of God. J'appelle maman Christiane. I call my mother Christiane. J'appelle Jacques Michel. I call the man of God Jacques Michel. J'appelle Élisée. I call Élisée. Mettez-vous sur votre 14. I said, put yourself on your front. Mettez-vous sur votre 14 avril. Put yourself on your front. Puisque maintenant depuis 31 décembre. Je dis, frappez-vous comme jamais. I said, grâce à ce va rencontrer l'autorité principale. We are going to meet the authority, the principal authority. J'ai vesti là. I was having an old vest. Moi j'ai porté ma vieille veste. And I put on my old vest. The man of God aussi. The man of God also. Il avait son truc aussi. He was having his feet. Il sur son 14 avril. He put on his seven. Je regarde les éléments. Regarde Élisée. Il a porté son pantalon. Il a fourré là-dedans. Il a professeur de maths. Like a professor on allait voir le maire. We went to see the mayor. Dès qu'on arrive au secrétariat. When we went to the secretary. On nous a demandé. They asked us. Vous avez un rendez-vous avec le maire. You have a meeting. You have an appointment. Il a dit non, on n'a pas de. I said no, we don't have a meeting. Mais dites-lui que. Le Seigneur Jésus. The Lord Jesus. A venu ses serviteurs. Ils veulent le voir. He wanted to see him. Elle nous a regardé. The young woman look at us. Look at us. Elle nous a regardé. Look at us. Elle même avait un crépit sur ses doigts. Was having even a et puis il y a comme une force qui l'a mené dans le bureau. There's du maire. Power that sent it to the... Automatiquement le maire lui-même est sorti. Automatiquement le maire est sorti. Mais le man of God. Le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. Le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. C'est bon pour Dieu. Le Seigneur vous bénisse. May the Lord God bless you. Alléluia. Amen. Il nous a fait asseoir. Comme si on avait un rendez-vous. As we have a rendez-vous. C'est lui maintenant qui va être attentif. He said that will be attentive à notre visite. To our visit. On n'a même pas fini de parler. We haven't even finished speaking. Il prend son téléphone. He took his phone. On appelle qui? Le directeur chargé de la gestion. He called the director of Korogo. He is in charge of the place of dit, all the parties in Korogo. Il appelle lui qui? He said. Il y a des hommes de qui sont venus. There's a man of God that came. La salle là. That hall. Ça fait tel prix. This is this amount. Moi-même, je donne la moitié du prix. I'll give the half of the amount. On se charge de la moitié. Et après, tu dis pas take charge of the half of the amount. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on a eu la salle. And this is how we. Pendant un mois. You have paid the half. Pendant un mois. For one month. Tous les vendredis. Every Friday. Tous les dimanches pratiquement. And every Sunday. C'est là-bas qu'on faisait les veillées, les cultes. There that we are doing all the services. Alléluia. Amen. Une seconde fois, on va aller voir le maire. And the second time, we went to see the mayor. Pendant qu'on était chez le maire. The moment we were in, at the mayor. Pendant qu'ils avaient sorti. The man of God came out. Son véhicule ne marche plus. His car was no longer working. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Le véhicule n'avance pas. His car, the car is not starting. Fait venir un mécanicien. He may come a mechanic. Le mécanicien va nous avouer ceci. The mechanic will let us know this. Homme de Dieu. Man of God. Si vous étiez sorti avec votre véhicule. If you would have went out with your vehicle. Vous avez décidé de faire, d'accélérer un peu. You have decided to. Le véhicule allait faire un tonneau. The vehicle had been. Il va nous expliquer qu'il avait une peste. Je ne sais pas si c'est le Seigneur. Pourquoi? Tu avais été fracturé. It comme si quelqu'un était venu casser ça. There's something a bit broken. Alléluia. Amen. In the car. Bien aimé, la Bible dit heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. The Bible says glad is they put their faith in the Lord. Ils ne sont point dans la confusion. They are not in confusion. Alléluia. Amen. Et Psaume 33 verset 12 dit. And Psalm 33 verse 11 says. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Glad is the nation who the Lord. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Glad is the nation that he chose for his heritage. Bien aimé, maintenant qu'on a eu la salle. When we have obtained the house. Notre combat. Battle against battle. Font se lever contre nous. And a battle will rise against us. Vers 1h, 2h du matin. Around 1 to 3 p.m. Les intercesseurs étaient en train de prier pour l'œuvre. Intercesseurs were praying for the crusade. Je crois qu'on a eu le temps de mettre la photo sur mon page. Then we have time to. Un serpent. A snake. Un serpent. A snake. Va se faufiler au milieu des intercesseurs. L'entour moi comme ça. Among the intercesseurs. Alléluia. Very dark night. Je ne sais plus qui donc elle a vu le serpent. I don't know who among them saw the snake. Dès qu'elle a crié. But when he shouted. La personne qui était en train de prier dehors. And God, that was after they came out. Et comme un seul homme. As a man. Ils ont tué le serpent. They killed the snake. Alléluia. Amen. On a eu le temps de présenter, de faire la photo du serpent. To et de le présenter à toute l'assemblée. To present it to the whole assembly. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Alléluia. Homme de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quand on trouve un serpent, well, says, on n'habitait pas dans l'herbe.
Si on était dans l'herbe, l'homme pouvait dire que non, c'est normal. Et la maison où on était logé était carrelée. La cour était carrelée. La cour était carrelée. Et le mur était bien élevé. Mais il s'est trouvé que c'est où elle priait là, il s'est trouvé le serpent. Le serpent était là-bas. The snake went there. Et il y a encore un autre frère. Maman Christiane avait chassé bleu. Nous avons même vu du plat de qualité. Put on the... Et le jour où elle partait chercher le plat de qualité, un scorpion était dans le chassé. Donc si elle mettait sa main sans voir, le scorpion allait la piquer. The scorpion will mais le maître a dit d'abord, regarde d'abord dans le chassé. Le chasseur noir dehors, le chasseur bleu, et on a tué le serpent, et après aussi, on a tué le scorpion. Bien-aimé, beloved, je ne sais pas comment t'expliquer. I don't know how to explain to you. C'est un peu comme it was like quand on dit qu'il y a une star qui arrive quelque part. When we say there's a star that is coming somewhere. Le premier baptême, on était subi. The first baptism we were par la foultitude d'âmes. Ils sont venus même dans les villages les plus reculés de Korobo afin de se faire baptiser au nom de Jésus, afin de recevoir le pardon de leurs péchés, afin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Les Korobo sont quittés de toute la région de Korobo. Ils sont à des centaines de kilomètres de Korobo. Alléluia. À chaque baptême, c'était une foultitude d'âmes qui venait. It was a multitude of souls that came. Alléluia. Amen. Et à un moment, vous savez, Satan n'a pas changé sa façon de faire les choses. Le quartier où on habitait, the neighborhood where we were living, le terrain sur lequel on priait, the place where we were praying, ça appartenait à un militaire, un musulman. It was belonging to a military. Il était en mission. He was in a mission. Rapidement, les voisins l'ont appelé. Quickly, the neighbors would call Joe. They say, hey, man. Les chrétiens là, they are Christians. Ils sont arrivés ici. They came here. À cause d'un dormait plus. Because of them. Matin on prie. Every day they are praying. À midi on prie. In the le soir on prie. In the evening they are praying. Si tu ne pas les chasser là, you don't come and sit there. Ah, même ta famille sera chrétienne. Maybe your family will be Christian. Rapidement il est venu. Quickly he came. Quand il est venu, on nous a signifié qu'il est venu. When he came, they signified that he came. Nous sommes allés le saluer. And we went to greet him. Lorsqu'on est arrivé, when we came, c'était quelqu'un de sympathique qu'on avait rencontré. It was someone that was sympathetic. Puisque les voisins nous ont dit, because they never told us. Le militaire est arrivé. The military has. Vous allez voir. Un militaire bon de cœur. The military. Lui-même il va nous dire. Tant que vous voulez prier, ask you to pray encore. Pray. J'ai un proverbe de Dieu, verset 1. Il a le proverbe de Dieu, verset 1, c'est que le cœur des rois est comme un heart of God's sinners. Et il retourne là où il veut. Vraiment, on n'est pas venu pour faire la promotion d'un homme. On est venu pour annoncer la bonne nouvelle. We are yet to et nous avons dit que nous sommes venus pour annoncer la bonne nouvelle. Christ, Jésus-Christ, que nous sommes venus annoncer, a pris la peine de préparer le cœur. Personne n'a même été des terreurs en le faisant. Mais la terreur du papier qui était une terre. Va nous dire, vous tellez, autant que vous voulez prier, as you want to pray, priez. Vous ne me dérangez même pas. You are not worrying me at all. I don't look at the man of God and say, Jesus. Is it Jesus? Jesus there? Huh? Jesus there? Hallelujah. Amen. Bien aimé, beloved. Et c'est comme ça que l'église de Korobo a été établie. It is like that the church of Korobo has been established. Hallelujah. Amen. Nous avons même rencontré l'ex-femme du maire de Korobo. We have met the ex-wife of the mayor of Korobo. Une dame qui était musulmane à la base. A woman that was a Muslim at the base. Et qui nous suivait sur les réseaux sociaux. That was following us on social media. Et dont le Saint-Esprit a convaincu. Now the Spirit of God has convinced. De sortir de l'islam. To come up from Muslim. De donner sa vie à Jésus. Give his life to Jesus. Pendant des années, elle était très malade. For some years, she was sick. Et lorsqu'elle est venue nous rencontrer, when he came to meet us. Le Seigneur l'a visité. Il a eu compassion d'elle. Et il a guéri de toutes ses maladies. Alléluia. Amen. Elle est directrice de la graine de Korobo. She was a director of the training. Par elle, plusieurs enseignants. Many teachers. Plusieurs enseignants. Many teachers. Ont donné leur vie à Jésus. Are giving their life to Jesus. Alléluia. Nous sommes better than that.
On était le matin. We were there one morning. Et j'ai senti des douleurs dans la hanche. And I feel the pain at my waist. Alléluia. Amen. Pour ceux qui le savent. For they that know. À l'époque, lorsque j'étais gros et je pratiquais les armes à feu. At the time when I was a gym instructor. Je l'étais à ma propre honte. I was saying it at my own. Pendant que j'étais en train de faire des trapèzes. When I was lifting. Lifting the weight, you have an iron bar at your head. Et tu descends et tu remontes. You climb and you c'est comme ça que j'ai eu déchiré dans les lombaires. And that's when I have a pain at my waist. Et on était là un matin. And we were there one morning. J'ai senti des douleurs dans les lombaires. And I felt a pain at my waist. J'ai prié après. Je me suis dit que c'est quelque chose de banal. And I thought to myself, just les heures ont suivi. The hours that followed, j'arrivais pas à me redresser. I was not able to redress myself. Pour trois jours. For 3 days. J'étais alité. I was down. Et le troisième jour, and the third day, vers 4 heures du matin, at 4 a.m. in the morning, j'ai l'homme de Dieu. I wake up the man of God. Je lui ai dit de venir maman ça, maman Christian. I asked to wake up man of God. On a réveillé aussi l'homme de Dieu Jacques Michel. We also wake up man of God Jacques Michel. And Apostle Elise. Je leur ai dit ça va pas. And I told them that John ne va pas. And they said John, priez pour moi. The pain for me. La douleur était là. But the pain was still persistent. Il va falloir qu'on aille dans une autre. Je risque d'être comme ça pendant la croisade. Alors ça ne m'a pas amené si pour que je sois malade. Je suis en pleine santé. For me to be je suis en pleine forme. Mais que je gagne des sangs pour lui. Will for him. C'est comme ça qu'on allait à l'hôpital. And then we went to the hospital. Je suis à l'hôpital. On the bed, on est en train d'évangéliser. I was evangelizing the nurses. Et les médecins. And the men. Et quand on est rentré au début dans la clinique. When we went in the beginning, j'ai dit c'est l'une des infirmières. I sent one to the nurses. C'était un agent de Satan. He was an angel of Satan. C'était un moment cristal. I said to Madame Christian. Regarde la dame qui est dans le bureau. Look at the young lady that was in the office. À la fin de mon traitement. At the end of my treatment. Elle risque de venir m'annoncer une mauvaise nouvelle. She will come and send me a bad news. À la base, elle est catholique. At the base, she was a Catholic. Amen. Mais le langage qu'elle avait. But the language that she had. C'était un langage de diable. It's a language of a devil. Et à la fin. At the end. Effectivement. Effectivement. Elle m'a amené ma radio. She was the one who sent me the radio. Because we went to the present radio. Regardé, just look at me in the face. Je lui ai dit, fais-moi venir votre le médecin chef. Let me bring me your me lise ce qui est là. And may he vous, je ne peux pas vous écouter. I cannot listen to you. Et c'est comme ça qu'ils ont fait venir le médecin chef. Let come the doctor. Il va prendre la radio. He's going to take the radio. Monsieur, man, la colonne vertébrale est un peu fatiguée. Your vertebrae. Les disques qui sont un peu. Yes, yes. Ça passe rien de grave. But about that, after that, posez-vous. Prenez des médicaments. Don't take a rest. Mangez. Et d'ici quelques jours, allez voir dans les rues. That is what I'm expecting. On est rentré à la maison vers 14h. We went to the house around 2 p.m. Les hommes de Dieu, the men of God, un pasteur, one pastor, au lycée modèle de Corogo, qui nous a invités. Un pasteur qui nous a invités. Un pasteur a eu le malheur de nous inviter au lycée modèle de Corogo. Je dis bien le malheur. Oui. Un pasteur, bien aimé, connaisse pas. Parce que là-bas, il y a une servante de Dieu, son nom m'échappe un peu, elle est professeure là-bas. Mais elle a dit qu'il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés d'Abidjan. Donc, le pasteur dit, d'accord, donc, invite les hommes de Dieu à venir participer à ce grand séminaire. Mais à la base, voilà, à la base, il y avait un moment de prière. Dans l'amphithéâtre du lycée modèle de Corogo. C'est un amphithéâtre qui regorge au moins 2000 âmes. It's a place that they can host tout le monde. Comme on était en fin d'année scolaire. After at the end of the school. Yeah. Le lycée a invité le plus grand pasteur de Corogo. The senior pastor pour les lycéens. To come and pray for the students. Et donc à eux. But for them, on leur a dit. We told them. Vous avez à peine 10 minutes. You have at least 10 minutes. Après les 10 minutes là. After the 10 minutes. You are going to bring back the pour vous descendez. And you are going to bring back. Vous avez on a compris. On sait que oui on a fait. C'est pourquoi j'ai dit ils ont eu le malheur. That is why I said that they have invité à l'amphithéâtre. To invite her to be. Modèle de Corogo. To the senior high of Corogo. Donc nous c'est pas nous qui étions en guest star. We it is not we that was in the star. Celui qui était en guest star. He that was the star. Le grand pasteur de Corogo. He the grand pastor of Corogo. Donc il est venu avec ses gars du peuple. He came with his body.
Maligas, avec ses supporters, oh, ils sont pas avec son fan club, oh, ils fan club. Et donc ils sont assis là. For the city, et les hommes de Dieu, and the men of God, ont commencé à prêcher la suite. They begin to preach the sound of it. Quand ils ont commencé à prêcher, when they begin to preach the sound of it, eux dans leur dos. Dès qu'ils commencent à se parler, they begin to speak. Yes, and begin to laugh at them. Un moment. Sometimes, I that was lying in a sea, l'homme de the man of God called me. Il dit, le père, he said, hey, c'est that is here. It's a strong man. Individual, you saw me from the other day, and I was working like a grown man. I said, where is the senior high? They said, it's here. I said, where is the senior high? They said, it's here, it's here. Voilà. Moi, je ne pas ça. Alléluia. Amen. Beloved, l'apôtre Jacques Michel, l'apôtre Jacques Michel, the man of God, l'apôtre Élie, l'apôtre Élie, and he started the beginning. The Lord invoke the blood of Jesus. What did you do for the blood of Jesus? It was like a bouton. Everyone began to call. Les pastors commençaient à lever les bâtons. They began to remove their ring. Ils restaient Très fatigué. Alléluia. Amen.
Quand on est arrivé à Touba, when we came to Touba, on était dans le village de Fala. We were in the village of Fala. Amen. Amen. Là-bas aussi, nous avons commencé les hostilités. Then we begin our work over there. Amen. Amen. Dès qu'on est arrivé là-bas, when we arrived there, là, on a combien d'églises à Fala? On a l'église des Baoulis. How many churches? Sema, Baoulis. Là-bas, Sema est beaucoup, et puis Baptiste. Voilà. Baptiste. Mais Sema est beaucoup là-bas. On a trois églises dans un village de 2000 âmes. We have three churches of the village of 2000. Ces trois églises se sont liguées contre nous. These three churches form against us. One old man of the church. Il vit avec sa concubine depuis plus de 25 ans. That was living with his side chick for 20 years. Va nous convoquer chez lui à la maison. Going to call up in his house. Pourquoi? Parce que l'apôtre Élie, de Fala, lui avait dit que lui en tant que diable, I told him that as a deacon, il vit en concubinage pendant plus de 25 ans. Living in fornication for 20 years. Quel est l'exemple qu'il prend pour les autres? But what kind of example is giving to the others? Et donc, quand ce diable a pris pour la vie, il nous a convoqué chez lui. Il convoquait les gens à des on nous dit de s'emmener l'apôtre Élie. De terre à tout. Parce qu'il lui a manqué de respect. Apôtre Élie, parce que c'est un like of. Bien aimé. On lui a demandé de s'expliquer. We asked him to explain why. Il était avec un prophète. He was with a prophet. Avec un soi-disant prophète. With, we were the so-called prophet. Il commence à parler. They begin to speak. À parler. They begin to speak. Et le diable va dire. And the deacon will say. Selon lui, un jeune serviteur. A young servant of God. Il dit d'aller payer la dot de sa concubine. I'm telling him to go and pay the tax. Et que ses parents même ne savent pas que les jeunes vivent dans le concubinage. And the parents don't know that they are living. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que quand on vit ensemble, on va payer la dot? What is it written in the Bible that when we get together, we will pay? Ça fait comme ça. Je n'étais plus moi-même. I was not myself. Le sentiment que j'ai eu, the feeling I was having, c'est que l'esprit de Dieu t'a pris corps en moi. It was the spirit of God that took flesh in me. Qui a commencé à leur parler. That began to speak to them. Le vieux sa tête était baissée. The old man, le vieux prophète sa tête était baissée. The old prophet, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu va le dire. The spirit of God will tell them it. Naturellement, c'est aux anciens de donner des conseils aux plus jeunes. Naturally, it is for you. Et si, à votre folie. If you are not through the devotion and publicity, and your life of vous promettez à un serviteur, you have come as servant. Et vous plaignez de lui parce qu'il vous a dit de doter. You are making celle avec laquelle vous vivez par la foi. Because he asked you to do the right thing. Les deux sont devenus tout petits. The two have become ils sont devenus tout petits. They have become small. Et le prophète dit. And the prophet says. Moi-même aussi j'ai des visions. I myself I have visions. Moi je suis prophète. I also have a prophet. L'homme de Dieu Élie va lui dire. The man of God Élie will say. Moi j'ai des visions. You have visions. You are a prophet. Que te dit la Bible? What does the Bible say? As the Genesis chapter 4 says. Il va lui dire. He will say to him. Depuis qu'ils sont chez moi. J'ai jamais su qu'il n'était pas doté. They have never knew that he was not. They have not paid the right price. Ils sont chez toi. They are chez toi. Depuis plusieurs années. For some years. Il est chez toi. He is a deacon. Tu n'as jamais su que ton diable. You have never knew. Il n'a pas payé la dot. That the seul avec laquelle il vit. Have not paid the right price. Ils sont rentrés dans une confusion. They went in the confusion. Ils savaient pas comment ça demander pardon. And they began to ask for forgiveness. Lorsque sa femme s'est levée. And the woman wake up. Elle va nous dire. And she will tell us. J'avais déjà pris ma décision. Man of God, I take my non, tu ne payes pas ma dot. If you have not paid my dot, il ne rentre plus chez moi à la maison. He's not going to enter my place. Qu'est-ce que ça veut dire, non? You know what it means? Elle va lui dire devant nous tous. He's going to say. J'ai pris ma décision. I'll take my decision. Moi, je vais aller au ciel. Me, I want to go to heaven. Si tu veux rester le prophète. If you want to be a prophet, it's only me. It's only moi. But me. Je vais marcher selon ce que vous enseignez. I'm going to work as you. Tant que tu ne payes pas la dot, if you have not paid my dot, plus chez moi. He's no longer going to enter my place. Amen. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé. It is how we left. Nous avons commencé à gagner des âmes dans tout le village. We begin to win souls in the whole village environnant. In the whole village, dans la ville de Touba. Even in the town of Touba. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le village où on était à Fala. The village where we were in Fala. À quelques kilomètres de la Guinée. At some kilometers of Guinée. Alléluia. Amen. Et donc, pour aller faire les baptêmes. And to go and do baptism. On devait se déplacer jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire Guinée. We had to move to the border of Côte d'Ivoire. Il y avait des cascades. We're having the puissant cascade. The powerful cascade. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur était avec powerful river fall. Depuis le début jusqu'à la fin de ce crusade. From the beginning to the end of this crusade. Au sorti de Touba.
coming out from Touba, l'église de Touba a été établie. The church of Touba has been established. Et une cellule est établie dans la ville de Touba. And a fellowship has been established also in Touba. Alléluia. Amen. Mais le truc là-bas. And the trouble there. On habite à Sala. Where we were living in Sala. On vivait dans des petites cases. We were living in a small cave. Des petites cases comme ça, avec des petites fenêtres. A small cave that was having a small. La chaleur. Des moustiques. La chaleur. The mosquitoes. Heat. La chaleur. Heat. Les moustiques. Un mosquito. Quelqu'un dit papa, papa. Pa, 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 pa. Alléluia. It was easy. Amen. Amen. Et là-bas, il n'y a pas de toilette. There was no washroom. Comment on dit, on va au 911. Voilà, je vais le coach. Je vais au 911. I'm going to 911. Donc là-bas, c'est dans la bouche qu'il faut faire tout ça. That is in the bush that you have to do all things. Et quand tu vois quelqu'un avec une daba, when you see someone with avec une machette, or with a cutlass, la poche, you're not going to 911. He's going to 911. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a vécu. It is in conditions that we live. Nous sortons de Touba. We came out of Touba. Le jour où on sortait de Touba. Le jour où on est coming out from Touba. Le même vieux. The same old man. On a dit qu'il faut doter ta femme. C'est des personnes âgées, c'est pas des jeunes filles. On dit qu'il faut doter ta femme. Ce même Dieu. Alors, lorsqu'il a vu la prédication, tout ce qui s'est passé, le jour avant de partir, c'est le même Dieu encore qui vient dire, je veux que ma fille parte avec vous. Ah oui, 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 oui. Je veux que ma fille parte avec vous. Sa fille qui s'appelle Sarah de Fala. Alléluia. Maintenant, on précise que Fala, c'est le avant-dernier village avant de trouver la Guinée. C'est-à-dire que quand tu as Fala, après ça, il y a un village qu'on appelle Tosso. Après Tosso, il y a une rivière. Il y a une île où il faut traverser puis continuer. Donc, quand on partait au baptême, on voyait déjà là-bas. Alors, le vieux, lui-même, avant notre départ, il appelle pour dire, je veux que ma fille parte avec vous. Si elle s'en va avec vous, si elle revient, elle va changer. Alléluia. Et le même vieux, lorsque sa fille est revenue à Elchot, comment on l'appelle? À Fala. C'est le même Dieu qui a prié pour être reconnaissant. Ah. Au départ, lui était hostile à la sainte doctrine. Lui ne voulait pas. Mais il ne voulait même pas que sa femme se baptise. Alléluia. Je me rappelle pendant qu'on échangeait avec lui. Il dit avec votre enseignement là, tu viens mélanger les gens. Pour diviser les foyers. Sa fille, Sarah, se prostitue avant qu'elle rencontre Christ. Et elle avait un jeune homme très impoli avec lequel elle sortait. Et ce jeune homme-là, à chaque fois, venait dans le village, il habite à Touba, mais il arrive dans le village pour menacer le peuple, le père, pour l'insulter, pour le mépriser. Et sa fille acceptait cela. Mais quand elle nous a suivis pendant la croisade, et que le Saint-Esprit l'a transformé, quand Sarah est retourné à Sarah, son père nous a appelé pour dire, Dieu, le Jésus que vous prêchez là, il a changé radicalement ma fille. Elle est devenue pousse. Elle prie. Elle respecte son père, elle respecte sa mère. Il m'a dit, en vacances, là, sa petite se va venir aussi. Hein. Et il va, oh, le bien, tu te jettes pas. Il est là, venir en vacances à quoi? Grand vacances, je vais bien. Il y a sa petite aussi qui est un peu partie de façon. Elle va venir, on dit le vieux, fais la venir. Lui qui obstruait, lui qui ne voulait pas entendre parler de la sainte doctrine, aujourd'hui, il est attaché à l'église de Fala. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé. C'est ça, je suis là. Bien-aimé. Pendant la croisade d'évangélisation, during the crusade of evangelization, l'homme de Dieu a dit qu'on était en Fala. The man of God said that we were in Fala. Pendant le moment d'évangélisation, during the time of evangelization, il y a des souvenirs qui me sont revenus à l'esprit. There were things that came back to my spirit. Quand on était avec le pasteur Jacques ici, when we were with the man of God Jacques here, quand il revenait à minuit pour prier qu'à 6h, when he woke up to pray from 6, on était fâché, we were angry. Tu veux pas sortir même. You know, you can't even come out. Quand on tape la main pour dire il est là, when you clap the hand to say it's time, tu veux pas sortir. You don't even want to come out. Mais en réalité, on travaille de ça, c'était une formation. But in reality, tout la vie soit une formation pour nous. Nous sommes le roi des rois. C'est une formation pour nous. Nous sommes. Donc toi tu es ici. Quand on te dit lève-toi 3 heures pour prier. Et puis tu sais ton visage. Si tu n'es pas formé, tes mains, ça va te créer des problèmes. Bien aimé. Bien-aimé. Quand nous sommes arrivés à Fala. When we came to Fala, je vous dis le lieu où on se lavait là. I'm telling you, when we were passing, quand tu t'arrêtes là, when you stand, on te voit. They can see you.
On te voit de là-dedans. They can see you about that. Mais quand nous sommes venus pour Jésus, when we came for Jesus, on a accepté tout ça. We have accepted all these things. Venez, on faisait le midi veillé. You know, when we were doing the midnight. Midi veillé commence à 22h. It begins from 10 p.m. Ça finit à 3h du matin. It finishes at 3 a.m. Après 3h05, 5h de réveil. After 5 a.m. they wake up. On prie qu'à 7h. We pray to 7 a.m. Habite les 6 pieds. After 8 a.m. On n'a pas encore dormi. We have no yet slept. On va à Tosso. We went to Tosso. 1 kilometer. To go and do baptism. 5 kilometers. 5 kilometers. To go and do baptism. Pendant une semaine. For 1 week. Tu dors pas. You don't sleep. Quand nous étions en train de dormir dans la petite case. When we were sleeping in the small case. On a la visite de deux hommes de Dieu. We have the visiting of 2 men of God. Le pasteur Marc de France. The pastor Mark of France. Et puis l'homme de Samson du Canada. And the man of God Samson from Canada. Quand ils sont arrivés la première fois. When they came for the first time. Quand ils ont déposé leurs valises. When they put down their ils pensaient qu'ils étaient venus comme des touristes. They were carrying the tent that they came as a tourist. The first day. Dans la chambre là. In the room. Il n'y a pas de place. There was not a place. Nous sommes 8. We were 8. Alors quand tu sois là. When you sleep. Ton pied. Your hand is on another person. Le matin, le pasteur Marc m'a réveillé. The morning, the pastor Marc woke me up. He's a man of God. La moustique là. This mosquito. Il vous pique aussi. I don't know biting you. Est-ce qu'il pique les gens vous piquer? Are there too many people to bite? Avec les gens ne sont pas vrais. Even at the love of the first love. Regarde tout mon corps. Look at my whole body. Ils ont piqué jusqu'à. They are biting so. Ça fait partie de la vie. They say yes, it's a part of the mission. Ça fait partie de la formation. It's part of the formation. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. It's part of the work of God. Peut-être il va commencer à se plaindre. The first they begin to. Peut-être il va commencer à se plaindre. It begins to. Et Dieu, au fur et à mesure, ça s'est arrêté. Dis-moi maintenant même là. What do you mean now? Les moustiques là. The mosquito. Ils aiment le sang de blanc. They love the blood of donc the white. Ils se peignent plus haut. So they are not. Ils sont déjà avec nous. They are dead in now. On va à l'évangélisme avec nous. We went to the evangelism. On dit deliverance avec nous. They said deliverance avec nous. On dit prière de commande avec nous. It's the prayer of baptism. On partait nous, on partait de travail. You mean going to the baptism? Expliquez-moi tout ce moment. Pasteur Jacques. Et Marc, c'est ça non? Pasteur Marc. Un jour on était en train de délivrer. Alléluia. We were doing vous savez, là-bas, à l'autre côté. In that place, that was lorsqu'on dit, when on appelle la bien aimée pour dire feu, on commence. We call the man the same fire. Même, comment vous êtes un de maman christiane? Un de maman christiane. Là-bas, là, tu as bébé au dos. Then you have a child in your bébé. Il n'y a pas de non, quand tu as bébé au dos, then je suis plus grand. You have a child by your bébé. Il y a bébé au dos. You have a child in your back. Il y a soir, man. You have a bad day. Et puis, tu fais feu, feu, feu. Fire. Non, non, mais Dieu m'a so the man of God must say, oh, mais Dieu fait feu, feu, là, combien de fois? How many times did you do the fire? On dit tout le temps. Il fait la gare, c'est l'esprit, ça. Je suis fatigué, il dit oui. C'est mon sort, mais l'un de Dieu ici. Et pendant ce temps, after that time, pendant la une semaine, for 1 week, c'était comme des soldats. It was like a soldier. Sans repos. Without rest. Tu es fatigué. You are tired. Il y a piqûre. There's a bite. The bête là. Of all kind of insects. Mais tu ne peux pas dormir. But you can't sleep. Pendant une semaine, for 1 week, on ne dormait pas. We're not sleeping. On quitte le bâton. When we left bâton. Nous sommes arrivés là. Okay, il est déjà 16h. It's already 6. Tu dors 2 heures de temps. You sleep 2 hours. À 10h, tu te réveilles. At 8 a.m. you are waking. La fin mise en place. You are going to put on place. À 13h. At 10 a.m. On dit minuit d'ailleurs. They say you. Quand j'ai fini d'aller là, when we sleep short all night, après les minuit, on a fini. From 8 p.m. Mais c'est mal qu'on ait le Saint-Esprit. But you don't know yet. Quand on commence à minuit, when we begin at 12 p.m. Il est fatigué. He said you are tired. Mais quand on commence là, but when we begin, fatigue est parti. The tired, you need fatigue à disparu. The pain of the pain. À 3 heures du matin. To 3 a.m. in the morning. Tu es 6 pieds. You are on your feet. 5 heures du matin. 5 a.m. on your feet. Even in the prayer of the morning. Money devotion, you are saying. It was following by baptism. People were coming with their problems. People were well sick. But the Lord Jesus Christ were healing these people. As time goes on, le monde croissait. The people were increasing. As time goes on, le monde augmentait. The people were increasing. Beloved, when we say in the Acts of the Apostles, the apostles, they were preaching them, they were healing sick. Et le Seigneur and the Lord ajoutait ce qui était sur les people. Bien, it is there and I've seen that. C'est là-bas
Beloved, acclame le Seigneur pour les servants de l'Éternel. Qui the servant of the Lord. Parce que they were doing the deliverance. They were not sleeping. Et le matin, in the morning, il y avait encore le sommeil en elle encore. They were still having sleep. Mais elle devait aller à la cuisine. But they had to go to the kitchen. Elle devait aller puiser de l'eau. They had to go and fetch water. Elle devait charger le bassin. They had to put on the bassin. Pour remplir les seaux. To fill the bassin. Et préparer encore. And to prepare again. Pour pas manger peur. So that we are going to eat. Et Et ils ont commencé. Bien aimé. Beloved. C'était pas facile.
It was not easy. Parce qu'il y avait l'eau. Because there was not much. C'était pas facile. It was not easy. Parce qu'il y avait le climat. Because they were having a climate. C'était pas facile. It was not easy. Parce qu'il y avait aussi l'habitude. Il y a la condition de vie aussi. The condition of life also. You that are sleeping in Abidjan. You sleep in your house. Where we were sleeping. C'était en terre. It was in the field. Nous sommes plus de 9 personnes. We are more than 9 people. Dans chaque chambre. Dans chaque chambre. Quand on met le matériel comme ça. When we put on the mat. Y a pas place. The mat is like there's no place. L'évangéliste. Jérémie. Jeremiah. Il est à côté de moi. He was at my side. Y a pas place. There's no place. When you close your eyes. Il est parti. He went. When you wake up. Tu vois le pasteur Mat. You see the pastor Mat. Il a écouté Jérémie. He's on Jérémie. Jérémie was. Jérémie was. In the man of God. Il a mis son père sur Matthieu. And he's in Matthew. Matthieu a mis son père sur lui. And that's the way we met. Parce qu'il y a pas place. Because there was no place. Et au fur et à mesure. And as time goes on. Quand nous sommes sortis de là. When we come out from this place. Nous sommes arrivés maintenant à Zané. We came to Zané. Nous sommes arrivés à Tigou. We came to Tigou. Tigou n'était pas prévu dans la mission. Zané n'était pas prévu dans la mission. Zané was not part of the mission. Donc on a pensé que Tigou, Zané là, Zané. C'est quitter ici, aller à Popoué. It is to live here to Popoué. Ce n'est pas quitter ici, aller à Popoué. It's not living here to Popoué. Zané, après Zané, il y a quelques villages et puis on trouve Taïs. And we find Taïs. Et après Taïs, c'est là où on trouve Libéria. Et la voie n'est pas praticable. And that way is not used. 46 kilomètres. Depuis Diglo. From Diglo. Jusqu'à Azagne. To Zagne. Ça fait 46 kilomètres. It can make 46 kilomètres. Et tu vas rouler doucement, rentrer dans l'eau et sortir. Quand on a beaucoup fait là. On fait comme des militaires français là. On descend du véhicule. On prend un bois. On veut voir le niveau de l'eau d'abord. On veut voir le véhicule peut passer. Quand c'est la porte qui garde. Quand il est clignotant, j'avais dit qu'on va dévier. Parce qu'il faut passer l'autre voie. Donc il met clignotant et il y a tout. Il y a même plusieurs véhicules et camions qui sont. Même quand on est sur la voie, on est tombé dans un gros trou. Le trou là, à le niveau de la main comme ça. On n'a pas vu le trou. Maman Christiane était dedans, Élisée en était derrière, et le véhicule roulait. Donc il y avait un gros trou, on n'a pas vu le trou. Lorsqu'on est tombé dans le trou, en plein moment, si on tombait, soit la chose comment on appelle, le cadran, non, il y a un truc là, comment on appelle, c'est vous qui vont les vendeurs de pièces là. Et il y a un fer là, qui est dedans, dès qu'on est tombé dedans, le fer là s'est plié, comme ça. Mais on n'a pas su ça, on ne savait pas que c'était plié. C'est lorsqu'on est arrivé à Toubaville. On est arrivé à Toubaville qu'on a vu que le fer était plié. Et on est allé chez un mécanicien et il a redressé cela. Pendant cela, la roue arrière, là, ce qui sert, il y a un boulon qui est dedans qui sert le véhicule, là, qui sert le pneu. Ça, là, c'est déjà dévissé puis c'est posé. Donc, ça veut dire que si on roule à un moment, la roue, là, lui, c'est lui sort. Et puis, il s'en va, lui, c'est là-bas. Et puis, nous, on va comme ça. Mais on ne savait pas toutes ces choses. Mais le Seigneur nous a épargné. Les accidents et les incidents. Il nous a épargné, il nous a gardé, il a pris soin de nous. Il n'a pas permis que on ait honte. Et quand on vient ici, avec parmi nous, quelqu'un de mort, ou quelqu'un de blessé, ou quelqu'un de touché. Le Seigneur a pris soin de nous. Alléluia. Et nous sommes arrivés à Zagné. On est arrivé à Zagné à 3h du matin. 2h30, 45 km, en 2h30. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et nous avons comme les hommes de Dieu l'ont signifié tout à l'heure. As the man of God signified just now. Quand on nous a dit. When they told us. Quand on était à Mans, puisqu'on a fait un coup à Mans. When we were Mans. Évidemment, la cellule de Mans était établie. The fellowship of Mans was avec established. Avec l'homme de Dieu Emmanuel. With the man of God Emmanuel. Un jeune serviteur. And a young servant of God. Alléluia. Amen. Voilà, ils nous ont rejoints à Touba. Et en partant, en quittant Touba. When we were leaving Touba. On a fait un tour à Mans. On a eu plusieurs heures d'échange avec eux. Et la cellule de Mans est maintenant établie officiellement. Alléluia. Amen. Quand on arrivait à Mans, when we came to Mans, comme dans l'armée, because in the army, un détachement a amené l'homme de Dieu à l'hôpital. There's one that sent un autre détachement est resté avec les jeunes appelés. Another also we met the young et sur place. And on the plane, on a commencé à faire des exercices pratiques. We began to have practical
exercise. J'étais avec moi, non? Moi, j'étais à l'hôpital. Donc, eux, ils sont au garage, et le détachement est à l'hôpital. The other detachment et moi, avec l'équipe, on est resté. And one, me and other team, on a fait les exercices pratiques. We have some on lui a présenté la sainte doctrine. Question-réponse. Question and answer. Manifestation du Saint-Esprit. Discernement des esprits. Discernment of spirit. Prière de guérison des prayer of healing and deliverance. Dès qu'il est revenu, when he came back, on est parti à Kigo. We went to Kigo. Chemin faisant. On a demandé quelle était la distance entre Kigo et Sangé. We asked what is the distance between Kigo and Sangé. Pas loin. They said that it's not far. 5 kilometers. We have just 5 kilometers. Non. Where we are? Oh, c'est pas loin. No, it's not far. 5 kilometers seulement. Just 5 kilometers we are going to be. Quand on a pris le chemin, when we take a road de Kigo à Sangé, from Kigo to Sangé, on avait l'impression que c'était un film de vol. We were having like a sur la road. Voie. On the way, you have many cars that was there. Comme l'homme de Dieu, il a dit, one man of God, and he said, je m'accale. I have a cane. Et je t'ai fait comme l'éclaireur. And I was like a brighter. Quand on arrive dans des endroits où il y a des gros trous, when we went to a place where we have snow, because we were in the rainy season, on n'arrive pas à mesurer the water. Donc je prends ma canne. So I was taking my cane. Je rentre tout doucement dans l'eau. And I went slowly in the water. Je mesure la dimension de l'eau. I measure the dimension of the water. Et quand c'est pas profond, and it's not deep, je démarre. Je fais des signes. And I make signs. And everyone was following. It is how 2 hours to have. We went from Kigo to Zaini. Alleluia. Amen. Beloved, the Lord was with us. From the beginning to the end. On arrive à Zaini. We arrive to Zaini. Là-bas, vous avez l'église Yosos. There we have the church of Yososi. We have the church Yososi. There is l'église de Gouro. That was the church of Gouro. Un peu comme l'église Sema. Like the church of Sema. Avec les Baoulés. With the Baoulés. Rapidement, vous approchez la membre. Quickly, we are going to come. Vous leur dites la même chose. We say the same thing. Comme à Touba. Like à Touba. Et à Korogo. And Korogo. Il y a des personnes dangereuses qui sont arrivées. We are dangerous people that came. Ne les approchez pas. Don't come close to them. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Le Seigneur va nous inspirer de voir plusieurs stratégies. Afin de pouvoir gagner les âmes. Alléluia. Amen. Et l'un des moyens qu'on utilisait one of them pour attirer les gens, to attract people, on met d'abord le film de Yaté. We put on the sur la sorcellerie. On et quand les gens sont friands des films de sorcellerie, because people went, on met d'abord le film de Yaté. And we put on the film de Yaté. Et on regarde. And we are not freaking weird. Les gens viennent. Les gens viennent. People come. Les gens viennent. Et puis s'applaudit. And il y a des actions extraordinaires dans le film. Tout le monde applaudit. Everyone was clapping. Quand on finit de regarder le film, when we finish watching, on rentre dans un moment de louange. We went to the time of worship. Le moment de louange. The powerful moment of worship. Tous les gens se mettent à danser. Everyone begin to adorer le Seigneur. Worshiping the Lord. Quand ils sont fatigués, when they are tired, on rentre maintenant dans la doctrine. We enter in the doctrine. Alléluia. Ah, lorsqu'on finit de présenter les rudiments de la sainte doctrine, when we finish with it, on rentre maintenant dans les prières de guérison. We enter in the prayer. The prayer. Alléluia. Amen. Je me rappelle. I just, dans le village de où on était. The, tous les jeunes du village sont venus nous voir. Every young man of the village. Ils ont dit, they say, ah, les hommes de Dieu. Men of God. Le Jésus que vous nous présentez là. The Jesus that you present. Ce n'est pas le Jésus que nous on a l'habitude de nous présenter. It's not the same Jesus that you present to us every day. On est confus. We are confused. En ce que vous dites. From what you are saying, nous, and what we have the use of le fossé est grand comme ça. The thing is, on ne sait plus où se trouve le frère Jésus. We don't even know where the truth is. On est venu avec des questions. We came with your questions. Si vous arrivez, if we have been able, au travers de la parole de Dieu, through the word of God, à nous convaincre de son entendu, to convince us to where we are, when we are going to baptize, et à l'homme de Béli, à cet élément de l'homme, voici Sogo là. This is Sogo. The meat. Rapidement, c'est nous autour d'eux. Quickly, we went around them. On les a laissés présenter leurs questions. We let them, we allowed them to present their questions. Maintenant, we entered the temple. Il y avait un jeune musulman. Among them, there's a young man. That came to the ministry. Rapidement, l'esprit de Dieu nous a convaincus. Quickly, the spirit of God convinced them. Demandez ces faux raisons. Demandez ces faux raisons. Pour démontrer ces faux raisons. Chacun posait ses questions. Everyone was asking his questions. Quand on a fini de répondre à leurs questions, when we finished answering their questions, celui qui était le chef de banque, he that was the man. Regardez tout le monde. Quand vous dites ils sont d'accord, ils vont nous dire, on peut se faire baptiser. We are going to be baptized. That is how many of us are baptized. That is how many of us are baptized. Comprenez que la stratégie de Korogo n'a rien à voir avec la stratégie de Touba. En attendant, la stratégie de Korogo n'a rien à voir avec la stratégie de Touba. Je ne viens ici à part ça. Il ne faut pas transporter ça à Tmakori. Don't transporter ça. Parce que le diable, lui, il va chercher à te saboter. Le diable, Dieu, tu sais. Parce que tu as une
quelque chose de plus fort. Parce que lui, ça passe. Même si je suis ben oui, les gens qui sont mélangés. Le Seigneur nous a inspiré. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit n'aime pas être statique. Le Saint-Esprit aime que vous bougez. Le Saint-Esprit veut que l'autre ajoute. C'est pourquoi vous, les hommes de Jésus, vous qui êtes ici, vous qui êtes dans les quartiers, ne restez pas avec les mêmes stratégies. Changez les stratégies. Quand vous allez changer les stratégies, vous allez changer les stratégies. On les appelle, on va les voir. Ah, tu as promis à l'Éternel que tu allais te faire baptiser. Alors, allons-y du baptême. Et c'est comme ça qu'on arrivait à gagner plusieurs dans les villages. Plusieurs pour Christ, plusieurs pour le Seigneur Jésus. Les gens nous disaient, j'ai jamais vu. Les gens nous disaient, ah, vous êtes nerveux. Pourquoi vous faites vite comme ça? J'ai dit, la Bible ne t'a pas dit à Éphésiens 5 de racheter le temps. C'est ça qu'on est en train de faire. Alléluia. Alors, quand nous sommes arrivés à Zagné, il y a la semence de Dieu. Comment ça s'appelle? Capita. Elle habite juste 20 parfums là-bas.
Et les jeunes là, c'est pourquoi j'ai demandé aux jeunes caméramans là. Le chargé qui l'a porté là. Le chargé qui l'a porté là. Alors qu'on est à tout bas, comme on montait sur la montagne, on avait payé le chargé pour mettre le téléphone dedans. Mmh. Donc quand on arrivait à un corridor, papa Isaac a trop souffert dedans. Quand on arrive à un corridor, le gendarme dit, monsieur, mais la voiture ne porte pas votre nom. On dit oui, oui, on est en mission. Alors, il dit non, je vais échanger avec le propriétaire de la voiture. Donc on prend le téléphone. On a parlé, papa Isaac, il y a un collègue qui est là, il y a un gars qui est là, il dit il veut entendre ta voix. Alors quand le gars il change les chaînes avec papa Isaac maintenant, le gendarme dit, allez, vous pouvez partir maintenant. Alléluia. Et on arrive maintenant à Zaïre. Et la servante de Dieu. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Tabitha. Oui. Arrivé à Zaïre, Tabitha. On allait nous rendre visite. On allait rendre visite à Tabitha. Écoutez bien. Et là maintenant, on a porté nos choisis comme le bien-aimé a porté ces choses-là. Amen. Et on a mis nos téléphones dedans. Parce qu'on cherche à repérer les quartiers où on va aller faire l'évangélisation. Alors, on est arrivé. J'ai Tabitha. Dans cette parfum, des années. Des années. Et l'ange de Dieu. Oui. Vous l'avez au 911. Yes, je voulais aller au 911. La servante de Dieu veut me mettre à l'aise. Je vais à la maison. Il veut pas. Non. Chez toi, à la maison, c'est pas bien. Mais là-bas, là, là, j'ai le temps. Oui, écoutez, ça, je parle avec les grandes personnes. Tu as le temps de produire les 20 sons. Mais ici, là, je sais là, tu es obligé de te concentrer et puis ne pas sans choco. Je fais sans choco. Mais là-bas, là, tu es libre. Alléluia. Ah, il dit le vent des bras. Il connaît ça. Il connaît. Alléluia. Alors, elle me donne un papier génie. Je mets dans ma poche et j'arrive. C'est ça, compagnie, pas. Par l'homme de génie. Pas Elie Stéphane. Mais Elie Stéphane est juste derrière moi, au moins à 2 ou 3 mètres. Et moi, ici devant, avec la machette. Elie Stéphane aussi en machette. J'ai porté casquette. Et quand on est venu ici pour le mariage, tu bien-aimé Paul Adaï. Quand on est venu, à 13 jours, il y a un gars là-bas qui vend des trucs, des accessoires Bluetooth là. Donc dedans, je suis tombé sur des lunettes, en même temps avec, combiné avec le couteur. Il a porté ça. Donc j'ai porté ça et puis je joue ma musique. Donc j'ai porté et puis je suis rentré dans la brousse là. Dès que je suis rentré dans la brousse, on a vu des jeunes. Là, c'était un fumoir, il ne savait pas. On ne savait pas. Nous mettons la tête pour mes besoins. Du bâton 911. Donc, dès que je suis rentré avec ma chèque en main, et que ces choses. L'apparat de commando. Oh. Le chargé, la casquette. Un autre chargé sur le côté. Oui. Et puis Elie derrière. Elie derrière. Quand les tueurs ont vu ça, ils les ont vus encore à pied. Au détroit. C'est là que j'ai vu la débâcle. Et ils ont laissé la drogue. Ils ont laissé tout, téléphone, une forte somme d'argent et beaucoup d'autres choses. Et beaucoup d'autres choses. Les membres de leurs clients. Et la drogue là, il y a des petits tubes. Il y avait de la cocaïne. Je ne sais pas comment faire. Des amphétamines. On met ça, puis on fait ça comme la pipe. Comment on appelle ça, du zombie. Oui, je ne sais pas le nom là, Mambou. Je mets pas ça. Avec de vente. Et puis les trucs blancs, on dirait c'est avec seringue. Toutes ces choses là étaient dedans, avec petite cuillère. Et la liste de tous leurs clients dans la zone de Diplo. Et la liste, tout ça était là. Et on a vu que c'était grand sur moi. Un grand sur moi. On a vu que c'était grand. Donc, moi, j'ai essayé d'appeler le père pour dire, ah, les gens ont pensé qu'on était gendarmes. Donc, ils ont laissé leur drogue là. Et puis, ils sont partis. Alléluia. Et le père aussi est venu faire le constat. Donc, on dit, ah, comment? On ne peut pas laisser comme ça garder ces choses-là. Sinon, la gendarmerie risque de dire que c'est pour nous. Oui. Donc, on va faire quoi? On va à la gendarmerie. On va aller à la gendarmerie. Donc, arrivé à la gendarmerie, qu'on a donné là, les gendarmes eux-mêmes aussi ont porté leur. Il est là, puis calage, et puis nous tous on s'est suivi. Donc nous on est sans même pas aux gens de la pêche. Maintenant on est venu les gens de la pêche. C'est évident, c'est le temps. Oui, d'abord quand on est merci. Quand on arrivait à la gendarmerie avec tous nos appareils de soldats, quand ils sont arrivés, qu'ils nous ont vus, ils ont tous claqué. Donc le père lui dit, mais frère, comment tu vas dire que tu vas bien la belle fille de. Alléluia, ils ont tous claqué. Parce qu'on est venu avec les vannes noires, gants noirs, un pantalon treillis, chargé, casquette et tout ça. Et puis, ils sont les attentes maintenant. J'ai dit non, shalom. Ah, ils sont restés figés. Shalom. Ils ne savent pas ce qu'ils m'ont dit. Alléluia. Les gens qui se sont repris. Vous n'êtes pas l'école à pied. En tout cas, si nous sommes l'école à pied du ciel. Ah. Et puis, je me suis présenté,
l'homme de Dieu lui s'est présenté, et lui Benjamin, et lui Sébat s'est présenté, et on leur a expliqué tout ce que le Seigneur a fait dans ce film-là. Rapidement, ils ont appelé le CD. Le CD dit, c'est les pasteurs qui les ont arrêtés. C'est les pasteurs qui ont découvert que nous ici, il y a 6 mois, on lui dit oui. Il dit vrai pasteur ou bien c'est quoi? On dit vrai pasteur. Et il prenait la numéro et tout, c'est bien, allez, vous-même vous en guérir. Et c'est comme ça qu'on nous a donné un détachement. Ils peuvent arriver dans le 6 mois. Et devant eux, pendant qu'ils étaient en train de tout le 6 mois, on a filmé tout ce que le Seigneur avait fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, oui. C'est maintenant le Seigneur a pacifié le côté des drogués. Parce que s'ils n'ont plus de 6 mois, quand même, ils peuvent venir maintenant à l'évangile. Ils vont venir maintenant à l'évangile. Alors, on a changé de stratégie. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, ici, là, je ne maîtrise pas bien le quartier. On est au Carrefour contre Orange. On va, on dépose des chaises. On loue les chaises, la sono, tout. On installe tout, tout propre. Et maintenant, on demande au servant de l'Éternel de s'habiller, de porter les 14. Le 14 avril. Et puis maintenant, elles vont dans les maisons. Alléluia. Pour inviter les bien-aimés à venir participer. On leur a dit de ne pas prêcher la doctrine. Non, ne dites pas. Parce que si elles annoncent la doctrine. Si tu commences à dire, mais je n'ai pas bon là-bas, on ne va pas venir. Mais comment tu vas faire? Donc il faut l'inviter. Alléluia. C'est sur le terrain, on va l'attraper. Alléluia. Et dans ça, alléluia. Dans ça, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, ça va partout où nous allons là. On utilise la même stratégie. Donc j'étais dans la voiture avec Élie Stéphane, avec la sœur Richon. Pendant que nous partions là, nous regardons à gauche, à droite, là, c'était le point de poser notre sorcière, parce qu'on voulait manger pain. Donc pendant que c'était à manger pain, le lieu là, où il y avait la plaine de pain là, il y avait un maquis à côté. Donc, Élie Stéphane et moi, avec la sœur Richon, tout ça, on est venu manger. Quand on est venu manger pain, on est rentré. Le lendemain, on dit bon, sortez. Faites un peu du porte à porte, toucher, parler de Jésus aux gens. C'est comme ça, on est revenu sur les lieux où on vend la grande du port. On a posé la sœur, parce qu'elle a dit, moi, comme non, hein. On a mangé pas première fois là. C'était pour gagner son cœur. Pour faire plus de contact. Voilà. Quand on vient demain là, de parler de Jésus. Elle est plus ouverte, elle est en clair. Là, c'est comme ça, on a commencé à parler avec elle. On a commencé à parler, moi, je n'écoutais même pas. Elle est là, non? Non, elle n'écoutait pas d'abord. On est rentré dans un maquis maintenant. Élie, Stéphane, Ruth et moi, on est assis dans le maquis. Donc parmi les serviteurs, il est venu vert. Est-ce que vous faites le vert? Ah, vous le voyez. Quand je vois mon Seigneur, comme ça arrive. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie d'évangéliser. Donc pendant qu'elle était assise, il y avait une qui était assise à côté de nous. Et elle a commencé à lui parler de Jésus. Parler de Jésus. Et pendant qu'elle parlait de Jésus, il y a une qui est venue avec son verre. Elle avait plusieurs verres à se poser. Ah, vous prenez quoi? On dit non, il faut attendre d'abord quoi. Donc pendant qu'on parlait, la soeur réalité, elle avait soif du Seigneur. Alléluia. Elle avait porté ses mini-pieds. Elle était bien. Ah, elle s'est mise sexy. C'est un menton, c'est un dessin. Elle est venue net. Ah. Elle s'est assise. Il faut t'asseoir. Elle est contente de parler de Jésus. Au fur et à mesure qu'on parlait, les autres même n'étaient pas intéressés sur les vies. Elle a essayé de faire ce qu'on disait. Et c'est en cela que dans la soirée, il y avait un autre veillé là. Et comme son allait la veiller, elle est venue, mais comment elle s'est étonnée? Ah! Fille de joie, de maquis. C'est un. Mais comme le Seigneur connaît cet enfant, amen. Il a tiré la seule vie. Qu'elle est venue, c'est là que le Seigneur lui-même a fait son travail. Amen. Pendant que le Père était en train de prêcher, qu'il a fait de prêcher, démonstration de puissance maintenant. Voilà même que l'histoire va se manifester. Sur celui qui m'a commencé à faire feu. Au moins, j'ai rêvé là. Toi, Bible, elle est portée là, elle est venue rouge. Elle s'est nettoyée. Ah, il y a quoi ici? Non, c'est que tu as pris un test. Et on vient t'expliquer après.
Donc, il dit, c'est pas du bon, on a pris. On allait connaître chez eux. Et c'est en cela que la soeur aujourd'hui, elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Est-ce que tu te dis à toi que c'est bien, c'est bon? Mesdames, je veux que tu te lèves pour acclamer le Seigneur Jésus, pour la servante de Dieu Pierre. Mesdames, je veux que tu te tiennes debout pour acclamer le Seigneur Jésus, pour sa vie. Elle est serveuse, quand on m'a dit, à Saint-Louis, dans la localité de l'Ottawa, dans le petit servante de l'Éternel. Alléluia. Mesdames, je veux que tu ailles souhaiter la bonne arrivée. Je veux que tu ailles la prendre à tes bras et lui qui veut te montrer comment nous on prouve, on démontre à nous ici. Alléluia. Elle n'a qu'à venir ici, elle n'a qu'à venir. Viens ici, Péniel. Soyez les bienvenus. Viens ici, Péniel. Attrapez Péniel et envoyez Péniel ici. Soyez les bienvenus. Il y a plusieurs personnes comme ça. Dans toutes les villes, les villages, les parties. Les prostituées, les serveuses, les salariés, pour tous les chefs, évangélisation, tu dois changer de stratégie. Même quand tu es à la maison, le Saint-Esprit plusieurs fois t'a dit, va parler à un tel, va parler à telle soeur, va parler à ce frère. N'attends pas au moment, bien-aimé, laisse-moi te dire, au même instant, à l'instant, quand tu vas t'approcher, le Seigneur va t'inspirer. Le Seigneur va te mettre les paroles dans ta bouche. Faut pas avoir peur, faut pas douter de quoi que ce soit. Regarde, c'est porte à porte. Alors quand l'homme sait, nous sommes allés. Bien-aimé, elle n'est pas la seule. On ne peut pas venir avec tout le monde ici. Si on doit venir avec tout le monde ici, il faut payer leur transport encore et puis retourner. D'autres se sont limités à Jacques-Ville. Vrai. D'autres se sont limités à Jacques-Ville. Elle désirait venir ici même. Mais comme vu, et comme on appelle, la situation et le transport et tous ces détails, on a demandé à ce qu'elle rentre dans sa ville. Et bien aimé, je prie pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a cette bien-aimée là, Bintou, baptisée de Naomi. Que l'homme de Dieu y a rencontré une prostituée de nuit. Et le jour, elle vend des produits cosmétiques. Amen. Et ce matin, elle est en train de vendre ses produits cosmétiques. Oui. Quand l'homme de Dieu va l'appeler, il va commencer à l'évangéliser. Le problème avec la bien-aimée Bintou, c'est qu'elle est libérienne. Amen. Elle ne comprend pas l'anglais. Amen. L'homme de Dieu est venu me voir. Il dit, c'est le père. Voilà, c'est le dossier là. C'est avec les délais. Va gagner cette âme en anglais. Il y a. J'ai dit d'accord, j'arrive, laisse-moi affûter mes dons. Amen. Et puis je suis sorti. J'étais avec qui? J'étais avec qui ce jour-là? Avec l'homme de Dieu de genoux-là. Le bien-aimé. Paul les aussi. Voilà. Non, mais pas Paul les aussi. Celui de Jésus. Jean, le bien-aimé Jean. Alléluia. Donc je présente. Puis on commence à la gagner. Allez-y. Alléluia. Amen. Je commence à la gagner en anglais. Oui. Amen. Elle est touchée. Si on se rend devant nous, elle commence à enlever ses bijoux. C'est ça. Donc vous avez vu la photo avec des mèches rouges au sang. Et qui a commencé à tout enlever. Et qui a demandé à ce qu'on la rase et qu'on lui enlève les mèches. Bien aimé, elle avait un panier de produits cosmétiques à hauteur de plus de 80 000. Oui. On a demandé si elle était prête à abandonner la prostitution. Abandonner le monde de la cosmétologie pour Christ, elle a dit elle est prise. Moi-même, j'étais étonné. Je lui ai demandé une seconde fois, est-ce que tu es prêt à abandonner toutes ces choses-là pour Christ? Elle a dit une deuxième fois, elle est prête. Une troisième fois. Et c'est là qu'on a fait venir les servants de Dieu pour enlever la résine qu'elle avait mis à ses doigts, ses cheveux. Elle avait des piercings, un au nez et un autre piercing quelque part. Si en tenant devant nous, elle a enlevé ça. Si en tenant, le Seigneur nous a demandé de prier pour elle. Elle a reçu sa délivrance. Juste après la délivrance, on l'a amenée au jour du matin. Alléluia. Et elle a commencé. Le lendemain, elle est partie au Libéria. Elle allait voir sa mère qui était malade. Quand elle est revenue, elle nous a rejoint. Elle vivait avec son copain qui était proxénète à Soubré. Un jeune libéré qui est proxénète. Il fait venir des filles en leur promettant de leur donner non pas ça dans le Côte d'Ivoire. Et ce jeune homme qui est musulman l'a battu à mort. Et lui a demandé de faire un choix entre Jésus-Christ et Allah. Elle lui a dit,
je préfère mourir pour Jésus que de mourir en me prostituant pour Allah. La jeune fille pour baptiser Naomi. Oui. Alléluia. Elle a été baptisée Naomi. Mais quand elle était à Zané, le Seigneur aussi va établir l'église de Zané. Mais avant, il y a eu un drame. Oui. La jeune fille que tu évangélisais. Oui, il y a eu un drame. On était allé faire du porte à porte. Et lorsque nous sommes arrivés dans une maison, je pense que maman Triomphe, et puis quelques soeurs, elles l'ont appelé pour qu'on rentre dans une maison. Parce qu'il y avait une jeune fille qui était gravement malade. Et on avait désiré prier pour elle. Elle a refusé à ce qu'on amène ses mères sont prises pour elle. Et que non, on devait attendre l'autorisation de son nom ou bien de son parent. Donc, on ne pouvait pas faire parce qu'il y avait un garde-fou. Donc, on devait respecter ce qu'elle disait. Donc, nous sommes sortis. On est sortis, il était 14h. On a attendu qu'à 19h, ils l'ont évacué à l'hôpital. Et elle n'est plus revenue à la maison. Elle a rendu là. Elle a rendu là. Ce qu'elle avait dit aux hommes de Dieu. Elle leur a dit, je suis trop jeune pour me déplier de mes mèches. Je l'ai venir devant moi. Alléluia. Il était 14h, je crois. À 17h, on va la transférer au CHR de Guiglo. À 19h, on les a annoncés la rendue là. Oh, le Seigneur avait fait venir les hommes de Dieu, les servants de Dieu. 10 jours là, pour qu'elle renonce à ses mèches. C'est pour prier pour elle. Qu'elle accepte Christ. Au moins, même si elle perdait l'âme. Au moins, même si elle mourait, au moins son âme serait sauvée. Amen. Elle n'a pas compris ce que le Seigneur est en train de planifier pour elle. Elle a refusé la dernière grâce. Amen. Comme le prière à la croix qui s'était moquée du Seigneur Jésus, elle s'est comportée de la même chose. En disant qu'elle n'était pas prête pour accepter d'enlever ses faux cheveux. Oh, elle était malade, elle était sur la voie de la mort. Amen. 17h, transférée au CHR de Guiglo à 19h en l'âme. Oh, à 14h, elle avait l'occasion là de confesser Christ. 14h, lors de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Elle a craché sur cette grâce-là en disant qu'elle avait la vie devant elle, qu'elle ne se voyait pas en train d'enlever ses mains, de porter les grandes robes. Elle leur a dit qu'elle avait le temps devant elle. Sûrement quand elle sera vieille, elle n'a pas eu le temps de vieillir. Amen. Alors, étant à Zané, il y a un servant de Dieu qui habite à Taï. Elle a entendu parler que Jésus revient. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand on balance les vidéos sur Internet, publiez-les. Ne sabotez pas l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Publiez les visions qu'on balance. Et à travers ces visions, des filles ne peuvent pas gagner. Ils sont gagnés. Et ils sont gagnés. Alléluia. Cette jeune fille, elle suivait la vidéo. À chaque fois que la vidéo qui sort de l'œil, elle suivait. Elle est partageable. Et quand elle suivait cette vidéo, elle a entendu que. Et même aux gens, à ses voisins. À ses voisins. Alors, étant à Taï, ils ont annoncé qu'on vient à Zané. Alléluia. Son mari, qui refuse qu'elle regarde la vidéo, il lui a dit qu'on était sataniste. Lui faisait des histoires. Que lui, il allait sur les réseaux sociaux, il écoutait Jacques Naman, il écoutait des gens, et ils ont dit que Jésus revient, que nous sommes des satanistes, que nous ne sommes pas les serviteurs de Dieu, nous sommes des agents du diable. Donc, lui, se base là-dessus, et puis, bien aimé, il commence à frapper sa femme. Alléluia. Maintenant, malgré ça, elle se cache pour regarder. Même il a même bloqué son téléphone. Oui. Alors, un jour, quand on a annoncé qu'on venait à Zané, elle appelle son mari pour demander est-ce que Zané, il y en a plusieurs. Et son mari lui a dit non, qu'il y a un seul Zané à Guiglo ici. Elle dit ah, c'est que les hommes de Dieu que je t'avais dit depuis qu'ils venaient, ils venaient là. Maintenant, ils sont là. Son mari dit ah, ils sont là. D'accord. Elle dit oui. Ils sont là. Donc son mari dit, bon d'accord, il ne peut pas. Parce qu'il est gêné, il ne peut pas refuser, il ne peut rien dire. Il dit, bon, il faut partir alors. Non, mais il lui a dit que je vais venir les trouver à Zané. Oui. Et puis ce qui prêche là, on va voir clair dedans. Amen. Alors, l'homme, la femme, elle a quitté Taï, elle est venue à la gare. L'homme, il a quitté à Guiglo, il est venu trouver sa femme à la gare à Guiglo, à Zané. Et elle est montée sur la moto. Ils sont venus au quartier général. Parce qu'on s'était scindé en deux. L'homme de Dieu qui nous a reçus, chez lui à la maison, il avait partagé sa maison avec nous. Donc on avait laissé un groupe de personnes et puis on avait pris une petite maison de l'autre côté là-bas. Oui. Donc on veut manger, on descend, on vient à la base, on finit de se restaurer et puis on va. Alors, quand elle est venue d'entretien là, c'est Paul Abraham, où il est, l'homme de Dieu. Man of God, où il est? Paul Abraham, acclame le Seigneur. Si vous voyez la vidéo, bien aimé, c'est pourquoi. Quand le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre, il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et traiter l'œuvre du Seigneur de télé-réalité. Moi, le jeune Paul Abraham,
Ne jette pas la bras. Viens qu'on te voit. La jeune sœur, elle est venue. Alors, la jeune sœur, nous, on ne savait pas qu'elle était malade. Elle avait plein de sang. Eh bien, j'ai dit l'accompagner, l'accompagner. Accompagne-le. Après tout, c'est pas n'importe qui, hein. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour la vie. Je viens aider Paul Abraham. La jeune femme, Déborah, qui était à Taïk, qui est venue, on ne savait pas qu'elle avait une maladie de femme. On ne savait pas. On n'a jamais su ça. Elle n'a rien dit. Elle avait peur de sang, peur de blanche, pendant près de combien de 4 ans bien ou 5 ans. Son témoignage est sur les réseaux sociaux. Et on ne savait pas ça. Et quand même, il est venu avec sa moto rouge. On était tellement fatigué que c'est Abraham. Paul Abraham. On a dit prie pour elle. Et Paul Abraham est en train de prier pour elle. Et le Saint-Esprit a commencé à faire le travail pour elle. Alléluia. Paul Abraham dessinait à terre. Il dessinait à terre. Il dit, j'ai creusé le tombeau. Tu tombes dedans. Et l'esprit bougeait comme ça. Tu tombes dedans. Oh. Et on a commencé. Alléluia. Bien aimé. Faut faire très attention avec le Saint-Esprit. Faut faire très attention. Les sentiments, Dieu dit que vos pensées ne sont pas ses pensées. Alléluia. Vos voix ne sont pas ses voix. Tel le ciel et la terre sont éloignés, c'est comme ça aussi Dieu. Il est éloigné de ses pensées. Alors, le jeune Paul Abraham commence à faire la délivrance de la femme. Et nous aussi, on vient l'aider dedans et la délivrance s'opère, elle revient à elle. Son mari, il est là. On ne sait toujours pas que. Elle est malade. Mmh. On n'est pas au courant de cela. Alors, elle demande la permission si elle peut rester dans notre quartier. Elle peut rester dans notre quartier. Comme aussi on ne la maîtrise pas bien, donc on ne sait pas s'il faut la laisser rentrer ou bien déjà même on a déjà des difficultés, on ne va pas laisser quelqu'un rentrer dans notre quartier. Mais on laisse. Et elle revient, elle vient dedans. 2 jours, 3 jours. C'est elle-même qui appelle son mari pour dire que les plaies sont en train de sécher. Au nom de Jésus. La délivrance qu'elle peut faire. Celle qui avait les plaies, les démangeaisons pendant des ans, des jours, elle allait chez son beau-père lui-même aussi, coucher avec elle spirituellement. C'est pourquoi, bien aimé, dans la vision, vous allez voir, qu'on a fait la délivrance, elle nous a suivi jusqu'à ce jour-là. Oui. La dernière délivrance qu'on a fait, il y a un musulman qui s'est manifesté. Oui. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui sortez avec des musulmans, les musulmans ne travaillent pas en fait. Avant de sortir avec vous, ils prennent votre nom. Vos cheveux, toutes vos informations, ils vont sur la barabou et ils vont consulter. Et ils vous disent, celle-là, elle a des grâces. Elle a des faut grâces. La bannir, faut elle la prendre. Elle a des sors avec elle. Mais elle ne voulait pas sortir avec ce dernier. Et tout est passé comme ça. Ce gars, il s'appelait Madou. Oui. Et la maladie a séché. Et en 2 jours, 3 jours, elle a été guérie. Guérie totalement. Des pertes blanches. Jusqu'à maintenant, elle était guérie. On ne savait pas que c'est parce qu'elle avait perte blanche. C'est elle-même qui va venir témoigner ce jour-là, quand l'homme de Dieu a prié pour elle. C'est comme ça que les esprits sont sortis de lui. Comme le temps que le jeune Paul Abraham a prié pour elle, c'est comme ça qu'elle a reçu non seulement sa délivrance, mais aussi sa guérison. Vous voyez, bien aimé, quand nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes tous au service d'un seul, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il est mieux d'aider tes frères dans la mission que de les saboter. Alléluia. Alors, Paul Abraham, il a prié pour cette dernière. Et quand il a fini de prier pour cette dernière, son époux, le bien-aimé, qui ne voulait rien entendre de la sainte doctrine, qui était venu pour contester avec nous. Elle a rendu le témoignage. On enseignait la sainte doctrine. Il vit en concubinage. Alors quand ils vivent en concubinage, nous on les demande de se séparer. Alléluia. Que si aujourd'hui elle se baptise, elle n'a plus le droit d'avoir des rapports avec lui. Donc il n'a pas payé sa dot. Le monsieur, il n'est pas d'accord. Le jour du baptême de samedi, il a refusé qu'elle rentre dans les autres baptêmes. Alors il fait une pression psychologique comme vous le parlez. Il fait une pression pour qu'elle aussi se refuse. Il prend sa moto, il se retourne. Alors elle est seule, elle est coincée. Elle a réfléchi entre son mari et puis le Seigneur. Elle dit, je vais choisir le Seigneur Jésus. Alléluia. Elle a accepté de se faire baptiser. Dans les eaux du baptême, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a reçu la puissance. Alléluia. Elle a reçu le Saint-Esprit. Et de ce coup, elle est la prophétesse. Elle est intercesseuse. Le Seigneur t'a
Alors, quand ça s'est passé comme ça, le dimanche, où on devait maintenant demander au Saint-Esprit de choisir ses serviteurs, son mari il est venu. Lui qui avait refusé de se baptiser. Lui qui était venu nous contester. Lui qui est venu nous contester avec Dieu. Lui qui est venu contester avec Dieu. Son mari, il est venu. Il est assis dans la salle. Regardez bien. Il est assis dans la salle. Alors, après la prédication, on dit Seigneur Jésus, comme il est écrit dans le livre de Ephésiens 4, verset 11, que tu établis dans l'église des serviteurs, des apôtres. Alors, Seigneur Jésus, si il y a ton apôtre dans l'assemblée, Jésus le ramène. Le monsieur, la piété, réfléchit à ce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et l'enfer ici, depuis le fond de la salle, jusqu'à devant nous. Alléluia. Alléluia. C'est extraordinaire tout ce qu'on a vécu en 6 mois. Alléluia. Le Saint-Esprit l'envoie ici. C'est le dimanche là où le Saint-Esprit l'envoie là. Que le dimanche là, il a été passé. Le premier baptême, lors du premier baptême, on a vécu quelque chose de surnaturel. On avait parmi nous une jeune bien-aimée qui était mariée. Et son mari était le pire des alcooliques du village, de Zagué. Il n'arrêtait pas de la battre et de l'humilier. Donc le samedi, on a fait la veillée. Et j'ai dit cette fois-ci, on ne va pas rentrer à la maison et puis revenir. On va prolonger la veillée jusqu'à 6h, on va les baptiser. Et c'est ce qu'on a fait. 5h36, on les a amenés aux autres du baptême. Le monsieur peut-être venir à la veille, il n'est pas venu. Dans son sommeil, le Seigneur Jésus le visite. Amen. Le Seigneur Jésus le visite. Et le grand gagnant, un grand garçon, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Au son du baptême. Il commence à pleurer. Il est venu en catastrophe au son du baptême. Votre Dieu s'est révélé à moi. Votre Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit, si je n'arrive pas de battre ta fille, et si je ne me donne pas, il va me tuer. Baptisez-moi. Comment faire? Baptisez-moi. Comment ça se passe? On a le témoignage dans le foie. Alléluia. Il dit, lui pour lui là, c'est-à-dire on devait le baptiser de force. On veut lui prêcher la paix. Il dit non, ma femme a déjà dit qu'on est. Baptisez-moi seulement. Il n'y a pas envie de mourir. Et il a été baptisé. Alléluia. Le même jour, le dimanche là, c'était prévu qu'après le dimanche là, on ne devait plus faire de baptême parce qu'on était fatigué. Oui. Mais on devait retourner dans une autre vie. Et c'est le dimanche même encore. Il y a eu des bien-aimés. Nous sommes venus et on a baptisé. Donc, ça fiole partout. Élie Stéphane. Et puis, comment Élie? Et ils vont faire. Le baptême, nous, on est occulte. Alors que quelqu'un arrive, on prend la moto, on dit prends la moto, accompagne la personne, envoie aux autres baptêmes, allez avoir aux autres baptêmes. Et voilà comment le Saint-Esprit a travaillé. Alléluia. Et comment on appelle le livre de Luc 15, verset 16. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Et c'est comme ça que, dans la foulée, on est en train de faire du porte-à-porte. Et je vais tomber sur une jeune bien-aimée. Elle était en train de vendre des fruits devant son magasin. Il y avait deux jeunes hommes autour d'elle. Je ne sais plus avec qui j'étais, mais je sais que j'étais avec ma fille. C'est ça, on était ensemble. Alléluia, la fille de l'homme de Dieu, Jean-Jacques. Et puis je vois qu'on avait une troisième personne avec nous. Et puis on a commencé à les évangéliser. On a commencé à les prêcher. Le dépouillement du corps, la sanctification du cœur. Et on est revenu sur les fêtes. La jeune bien-aimée qui était là, à un moment, j'ai vu la manifestation de Jézabel. Et je me suis calmé. Et pendant qu'on prêchait, à un moment, l'esprit de Jézabel a commencé à se manifester fortement. Et on a pris autorité. Et quand, dans ma voiture, j'ai, comment on appelle ça même, un salon de coiffure mobile dans ma voiture, je l'ai dit rapidement, prends la clé, va dans le coffre à gants. Il y a du coton, du dissolvé, beaucoup de choses, un ciseau. Amène ça. Parce qu'elle n'arrêtait pas de plier ses cheveux. Et elle et une autre vont commencer à lui raser les cheveux. En tout cas, enlever les faux cheveux, mais laisser le gras, afin qu'elle-même, elle les coiffe. Et elle, il y a quelque chose qui me brûle ici. Rapidement, je leur ai dit, couvrez-la, nous on va se retourner, enlever le courant. Et c'est comme ça que vont prendre les ciseaux. Elles vont découper le ciseau. Et juste à la fin de sa délivrance, le Seigneur me dit, partie là du Saint-Esprit, bien aimé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle est prophétesse et elle chante. Dès qu'elle a reçu le Saint-Esprit, elle a commencé à chanter quand il a touché tout le monde. On était tous en l'air. Elle a commencé à prophétiser devant nous. Et quelques minutes plus tard, sa mère est venue pendant qu'elle prophétisait et après elle est rentrée dans une adoration.
Sa mère est libérienne, son papa ivoirien, il est bourreau. Sa mère, touchée par la puissance de Dieu, va d'abord nous offrir de l'eau à boire à nous tous. Et ensuite, elle va nous dire, elle-même au Libéria, était dans une église où on lui prêchait la sainteté. Et c'est quand elle arriva à Biglo, qu'elle est tombée dans l'église, Yosso. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prier. Selon l'évangile de la sainteté, elle le connaît. Regardez ce qui va se passer. Elle nous bénit, elle rend témoignage et tout ça. On rentre à la maison. L'après-midi, vers 17h, son mari m'appelle pour dire que nous, on a brutalisé sa fille. Et selon lui, c'est ce que sa femme lui a dit. Or, sa femme a suivi de bout en bout tout ce que le Seigneur a fait. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je vais me déplacer avec témoin et vous aurez le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, j'arrive, je lui explique les choses clairement. Le monsieur tombe des nues. Alléluia. Il dit d'accord, il va aller voir sa femme pour lui poser quelques questions. Et c'est là que sa femme va lui avouer qu'effectivement, on n'a pas brutalisé sa fille. Tout s'est passé conformément à la parole de Dieu. Mais elle, les mèches, elle a mises, puisque c'est elle qui a acheté les mèches pour mettre dans les cheveux de sa fille. Elle n'a pas supporté qu'on enlève les mèches. Donc on aurait dû d'abord lui rembourser son argent, lui demander la permission. Or, elle n'était pas là. Alléluia. Donc elle a menti sur le compte de Dieu, elle a menti sur notre compte. Amen. Et c'est comme ça que la petite brute. À l'église Yosso, quand elle arrivait le premier dimanche, le Saint-Esprit va commencer à exposer tous les péchés cachés des gens, depuis l'autel jusqu'à l'assemblée. Ils vont tenter de la fusionner, le Saint-Esprit va les menacer. Ils vont dire, ah, les prophétesses, amen. À un moment, ne supporte pas. Un des pasteurs de Yosso, le Saint-Esprit, je le dis, qui était un agent de Satan, est venu lui imposer la main. C'est comme ça qu'il a volé ses dons. Et maman, elle vous dit, papa, je ne sais plus, j'ai plus mes visions, j'ai plus mes songes, je ne sens plus la présence de Dieu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ton assemblée? Elle y a un pasteur, elle venait m'imposer les mains. Je lui ai dit, mais je t'avais dit, après ton baptême, qu'il ne fallait plus accepter que ces personnes-là te posent les mains. Alléluia. On avait prié, quand on a prié que le Seigneur s'est manifesté, il va lui dire, je veux que ma servante n'aille plus là-bas. J'aurais le temps de préparer le cœur de ses parents, mais je ne veux plus qu'elle aille dans cette assemblée, puisque je lui avais déjà dit que je n'étais pas là-bas. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu de Sagné vont aller voir les parents de la jeune fille pour leur dire, le Seigneur nous envoie ici pour dire que les gens qui vont être sortent de votre communauté. Le Père a compris, la mère s'est plainte, mais elle a fini par céder. Alléluia. Alléluia. Alors, étant à Sagné, le Saint-Esprit a établi l'église de Sagné avec les serviteurs et les servantes. Amen. Alléluia. Le Seigneur a établi l'église de Sagné. Alors, l'homme qui ne voulait pas que sa femme se fasse baptiser lui aussi, bien aimé, la bonne nouvelle c'est qu'en décembre il va doter sa femme, lui qui refusait de doter sa femme. Maintenant elle demande que nous les hommes de Dieu de Bassam, on parte là-bas assister à la dot que en décembre il va faire, parce que l'homme il avait une entreprise de poissonnerie, il avait un grand magasin où il vendait le poisson, toutes ses activités étaient touchées et tout était à plat parce que mort spirituellement, c'est-à-dire que son père même avait affecté à travers sa femme, avait attaqué ses finances. Et le Seigneur maintenant a commencé à ouvrir les portes maintenant, à restaurer ses finances et toutes ces choses. Mais ils ont prévu faire la dot dans le, comment on appelle, en décembre. Et elle a demandé, la bien-aimée sœur Déborah de Taï a demandé à ce que les bien-aimés viennent là-bas pour assister à sa dot. Alléluia. Si elle avait le temps, elle allait venir ici. Et c'est quand elle est arrivée à Zienoula maintenant qu'elle a dit, homme de Dieu, je vais dire que j'étais malade et je suis venu à Chosom, on appelle, à Zienoula pour vous croiser. Mais je vous dis que lorsque je suis retourné, même mon mari, lui-même là, c'est lui qui rend témoignage, et maintenant là, c'est moi je prie. Et à travers elle, à Taï, elle a envoyé plusieurs personnes venues nous trouver à Zienoula. Et aujourd'hui, il y a la cellule de Taï qui est. Et il y a la cellule de Taï. Le Seigneur a commencé à les utiliser puissamment à Taï. Alléluia. Jusqu'à ce que son mari nous appelle pour nous dire, puissance que vous avez mis en moi là. J'ai jamais vu ça. Amen. Lui a dit, c'est le Seigneur qui l'a mis en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, l'église de Zienoula était calée. Et l'église de Taï. Donc, de Taï et de Don. De Zanye est installé. Donc on a fini Zanye, on retourne maintenant sur Taloa. Non, Zienoula. Taloa d'abord, après Zienoula. Alléluia. Alors arrivé à Taloa maintenant. Changement de stratégie. La stratégie doit changer. D'abord, on doit aller prendre l'autorisation à la prophétie. Au niveau de la mairie. Bien aimé.
Vous qui voulez faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean 5, que le monde entier sur Christ, la puissance du malin. Alléluia. Si tu veux faire le travail du Seigneur, le Seigneur n'aime pas qu'on travaille dans l'illégalité. Il faut travailler dans l'ordre. Alléluia. Amen. Allez-y, prenez les autorisations. Allez-y voir et prenez les documents, mettez ça sur vous. Ouais. Si vous n'avez pas les documents sur vous, ils vont saisir la sono. Ils vont saisir le matériel. Ils vont prendre tout sur vous. Et vous n'avez rien, vous ne pouvez rien faire. Ouais. Alors, pour ne pas subir les humiliations et ne pas qu'on nous expose ou on perd le matériel, alors qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller aller maintenant à la mairie. Arrivé à la mairie ce jour-là, on a fait journée spéciale pour aller là-bas. Maman Christiane, c'est elle qui s'est chargée de rédiger le courrier. Alléluia. Donc elle, le courrier là, elle, quand on fait des erreurs, c'est elle qui dit non, c'est pas français, ça l'on dit, on dit bon. Faut dire français qu'on dit là, on va mettre là-dessus, on va aller déposer le papier là. Alléluia. 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 Et nous sommes arrivés maintenant à la police. Le Seigneur a fait grâce, comment on appelle à la mairie. Le Seigneur a fait grâce, le monsieur qui est chargé de nous donner l'autorisation, il est des assemblées de Dieu. Alors le prix qu'il avait dit, il a juste réduit un peu pour qu'on puisse être à l'aise. Alléluia. Et on nous a donné l'autorisation pour sillonner la ville de Kadoa. Maintenant. Attends. Bien aimé, je veux te dire quelque chose qui peut-être va plus surprendre. Quand on était à Zaïe, un des officiers de justice nous a dit ceci. Est-ce que vous savez que l'armée de Côte d'Ivoire vous suit? L'armée de Côte d'Ivoire, une autorité va vous dire, est-ce que vous savez que l'armée de Côte d'Ivoire vous suit? J'ai dit comment? Il me dit, parce que vous êtes dans la vérité. Parce que vous êtes dans la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Évidemment, comme l'homme de Dieu l'a dit. Alors, arrivé à Daloa, il faut changer de stratégie. Et le Seigneur a inspiré. On va dans tel quartier. On a commencé par les hôpitaux à Daloa. Oui, on allait d'abord à l'hôpital. On allait d'abord à l'hôpital. À l'hôpital, là-bas, il faut avoir autorisation. Donc, entre midi et deux, là, il y a une heure où on fait heure de visite. Donc, à cette 5h02, les femmes de deux, les hommes de deux, on rentre dans la salle. Et la stratégie, là, je crois que c'est au Maroc même que ça là s'est passé aussi. On rentre dans la salle et puis on prie pour les gens. On finit de prier pour les gens, on sort. Alléluia. Donc, on a utilisé la stratégie qu'on a utilisée au Maroc et on a envoyé ça à Daloa. Alors à Daloa, on rentre deux. Parce que si on va en troupe, ils ne vont pas nous laisser rentrer. Donc on rentre deux, non, ils vont penser que nous l'on fait partie des personnes, des visiteurs. Amen. Et on rentre, on demande si tu te dis qu'on prie pour toi. Et bien aimé, il y a un monsieur. Hein? C'est parce que Jacques qui maîtrise ces choses-là. Alléluia. Vous savez, dans comment on appelle dans l'armée. Dans l'armée là, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes. Et parce que Jacques a expliqué comment le monde des ténèbres fonctionne. Donc il y a un monsieur, j'ai vu coucher sur le lit de l'hôpital. Bien aimé, quand on met une chaîne ici à ton pied, arrive un moment, la chaîne commence à te ronger. Ça te laisse une trace au milieu. Ça te laisse une trace. Mais j'ai vu le monsieur, c'est comme si spirituellement son âme là, ils ont mis une chaîne ici. Oui. Maintenant physiquement, la chair est ici là. C'est-à-dire c'est en train d'être rongé. C'est rongé. Maintenant on dit on veut prier pour lui. Il dit lui les musulmans, il ne veut pas qu'on prie pour lui. Et ses parents sont là. Ceux qui ont accepté qu'on prie pour eux, le Seigneur a fait grâce. Le lendemain matin, on a vu des gens sortir. Sortis des hôpitaux. Et il y a, ça c'est, il y a eu aussi un malheur, mais je vais faire. Il y a une bien-aimée qui a perdu son fils. Et lorsque nous sommes allés à l'hôpital prier, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je crois que maman Triomphe, elle était partie là-bas aussi. Et puis, quand c'est fini, nous sommes allés à Sénégal pour aller faire Yako. À Yako, un autre frère qui a perdu son fils. Plus de 400 km de Danois. Et quand on est arrivé à Sénégal pour faire Yako, on était prêts à retourner. Et la camarade de la bien-aimée qui a perdu son fils est venue saluer aussi sa camarade. Maintenant, elle pose la question à sa camarade. Est-ce que il y a des gens de votre église là, qui sont partis à l'hôpital là-bas prier pour les gens? Aussi à chef de Danois. Elle a dit, c'est qui est sur la Daloa, il y a mes parents là-bas. Voilà comment le terme qu'elle a utilisé. Mes parents sont là-bas. Alors, la bien-aimée s'approche de nous et puis elle nous pose la question. Est-ce que tel jour, vous êtes parti à l'hôpital
Et on a répondu oui. Elle a dit, la bien-aimée maintenant, celle qui s'approche maintenant, elle dit, mon papa dit, il ne veut pas de numéro. Et on a fait sortir le numéro de téléphone, et on a écrit le numéro de maman, Triomphe, la suite, parce qu'elle disait que l'affaire, je ne maîtrisais pas l'affaire. Donc ma carte, plus le numéro de téléphone. Et c'est la jeune fille qui m'a dit, que quand vous êtes parti prier pour mon papa est sorti de l'hôpital, et il a été guéri. Alléluia. Alors c'est lui-là, qui dit que je vais faire le numéro. Alors bien aimé, quand vous allez à l'hôpital, ne restez pas, ne doutez pas. Le Saint-Esprit a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru en Jésus ici? Alléluia. Alléluia. Alors la même puissance que le Seigneur dit t'accompagne. Alors n'aie pas peur. Ne te cache pas. Ne t'assois pas sur tes talents. Ne t'assois pas sur tes dons. Mais va et exerce cela. Va fructifier cela. Va gagner les âmes. Va prier pour les malades. Parce que le Seigneur t'a donné cela pour gagner les âmes. Ne reste pas assis là-dessus. Alors, voici ce qui s'est passé à Taloa. Et maintenant, nous sommes rentrés dans les quartiers. Voici l'homme de Dieu, Joseph, le caméraman. Oui. Que le Seigneur bénisse son papa. Amen. Parce que l'homme de Dieu, il est venu avec son véhicule. Bien aimé. On vous dit, ce n'est pas rose. Vous voyez à la télé, on fait des petites coupures de vidéo. Et vous voyez cela. Mais vous ne voyez pas ce qui est derrière. En off. Alors quand vous voyez les vidéos, vous pensez que non, c'est luxe. Hmm. Bien aimé, il y a des difficultés. Extrême. Il y a des problèmes. Beaucoup. Il y a des pleurs. Il y a des douleurs. Mais on est obligé de garder cela. Alléluia. On n'a pas besoin de crier sur partout pour dire ces choses. Mais on est obligé de garder cela. Alléluia. Et l'homme de Dieu aussi est venu à sa voiture. Alors, Avec son fils et sa voiture. L'homme de Dieu a été d'une grande utilité. Alléluia. Et son fils aussi nous a beaucoup aidé jusqu'à on arrive à soubrer. Oui. C'est de soubrer maintenant, comme c'est la rentrée, et puis les rentrées. Acclame le roi des rois. L'homme de Dieu prie de Benjamin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu prie de Benjamin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu prie de Benjamin. L'homme de Dieu prie de Benjamin est venu. Il a pris son véhicule. Même à Zangue, on a battu son véhicule et on tourne dans les quartiers. Avec on fait son carburant. Avec son propre carburant, on rentre dans les camps, dans les quartiers, dans les lieux où on n'est plus même pas assez. Difficile d'accès. Difficile d'accès. On rentre là-bas. On va vite évangéliser. On va venir juste pour quelques minutes, pour mettre quelque chose dans la bouche. C'est rincer un peu, changer de vêtements, aller sur le champ de bataille. On va finir. Les champs de bataille, on va finir à 3h ou à 4h du matin. On va venir se reposer. À 8h, 9h, on doit aller dans les zones du bataille. Tous les jours, non-stop. Bien-aimé, Jérémie 23, verset 3, 4 dit. Et je rassemblerai le reste de mes prédits de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paieront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Alléluia. Et lorsqu'on a fini la mission sur ta loi, amen. Nous avons le Seigneur établi ses serviteurs. Alléluia. L'église de ta loi a été établie. Amen. Je me rappelle que homme de Dieu, le samedi, excuse-moi. Bien-aimé, chaque ville que nous avons effectuée, chaque lieu où nous sommes arrivés, le Seigneur a établi son église. Nous ne sommes pas allés là-bas en touriste. Nous sommes allés et le Seigneur a établi l'église. Oui, le Seigneur a établi l'église des serviteurs et des servants de Dieu qu'il a laissé établir là-bas. Alléluia. Mais ces serviteurs-là, ils sont encore jeunes dans la foi. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le Seigneur suscite encore des ouvriers qui vont venir. Et les anciens vont de temps en temps sillonner ces villes-là. Alléluia. Sillonner ces villes-là. Et c'est l'image de l'apôtre Paul. Quand il finissait, il va envoyer Timothée. Il va envoyer tel. Ou bien lui-même, il va envoyer une lettre. Pour lui, moi-même, je viens dans telle année. Si vous ne me voyez pas, je viens. Ou il va envoyer des serviteurs. Amen. Bien aimé. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Et le Seigneur, chaque vie, le Seigneur établit
C'est pourquoi aujourd'hui, là, on a décidé de faire le bilan d'aujourd'hui. Amen. Pour que tu comprennes que cette mission-là, ce n'était pas en vain. Mais dans chaque localité, dans chaque ville où nous sommes allés, le Seigneur établit des serviteurs, des ministres, et il établit des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, c'est ainsi que le Seigneur va ajouter à notre feuille de route le village de Kouezara et de Sikipoua. Alléluia. Amen. Il était question que nous allons mission pour 2 semaines dans cette zone-là. Le Seigneur a fait que nous avons fait 1 mois, 1 semaine là-bas. Alléluia. Lorsque nous sommes arrivés à Kouezara, le Seigneur par le canal du primeur s'est propagé. Le nom est dit que nous, on était chrétiens. Donc, ce qui a fait que le premier baptême, il n'y a pas eu beaucoup d'âmes. Il y a eu peut-être 10 d'âmes. Et le jour où on a loué le car pour les baptiser, les autres douées disaient, regardez. Et parmi elles, celle qui va nous envoyer la chose, elle va nous dire que même quand on arrivait à ce nous-là, au son du baptême, elle regardait pour voir qui allait faire sortir la machette parmi les hommes chrétiens. Et dans son cœur, je disais, mais qui m'a demandé de suivre ces épaules-là? Alléluia. C'est quand on va la plonger qu'elle va ressortir, qu'elle va sentir la présence de Dieu en elle, qu'elle va découvrir la vérité. C'est comme si on lui avait levé les écailles des yeux. Et quand elle est sortie, elle va nous avouer que voici mes appréhensions. Et dans le village, voici ce qu'on disait. Et dès qu'on est revenu avec le cas, tout le village, wow, le surlendemain. Pour la seconde vague, c'est-à-dire la deuxième vague de baptême, on a eu quoi? Plus de 30 ans, plus de 30 à 40 personnes ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus. Évidemment, au sorti de Kouezara, le Seigneur établit son église. Et de là, nous sommes allés à Sikipoua, à 25 km de Kouezara. Sikipoua, c'est d'abord une entreprise de sucrerie. Ils font de la canne à sucre. Alléluia, qui manufacture en sucre et en des jus de fruits. Alléluia. Et c'est une très grande ville, bon, un très grand village, on va dire même, à la limite, ça ressemble à une préfecture. Et donc, on a Sikipoua et on a Konfla. Amen. Et donc, on faisait la navette entre ces deux grands villages, Konfla et Sikipoua. Donc, aujourd'hui, on fait 2 jours d'évangélisation à Konfla. Après demain, on fait 2 jours d'évangélisation à Sikipoua. Et c'est comme ça qu'on va rencontrer les bien-aimés, l'homme de Dieu, Jean. Alléluia. L'homme de Dieu, Ézéchiel et leur famille. L'homme de Dieu, Ézéchiel avec sa famille. J'avais déjà reçu les intercesseurs qui allaient faire un moment de jeûne là-bas. Oui. On va rencontrer le bien-aimé Abel. Abel. Son épouse Marie. Son épouse Marie qui est là. Sa même soeur Esther. Alléluia. Et le bien-aimé Abel et sa famille vont être touchés par la sainte doctrine. Sa femme est chante. Il va nous approcher pour nous dire, homme de Dieu, je veux que ma femme et ma belle-sœur viennent apprendre les femmes vertueuses, viennent apprendre de vous. Parce qu'elles sont venues vivre avec nous. On a vécu, nous qui sommes dans les églises de la Voie Large, on a vu la différence entre les femmes qui sont venues prendre le moment chez nous et les femmes qui sont dans nos églises. On vient apprendre de vous. Et on veut que nos femmes, nos filles, soient comme les femmes vertueuses. Et c'est comme ça depuis pratiquement 3 mois. Voilà, c'est mon Dieu Marie. Et sa sœur et sœurs sont restées avec nous. Alléluia. Je veux que ça plante. Amen. Je t'ai dit, si on devait faire venir tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 6 mois, je vous assure, l'église même ne suffirait pas à les accueillir. Tellement on a reçu du monde qui était touché par l'évangile de Christ. Et voici Marie chante de l'Éternel. Et sa sœur aussi, qui a reçu le don de chant. Et depuis plus de 3 mois, ont quitté Marie enfant et sont avec nous jour et nuit. Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Même quelquefois, quand on rentre à la délivrance, elles laissent la micro. Elles sont en train de combattre avec nous les démons. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, son mari a établi toute l'église de Gonfla. Et le Seigneur a permis qu'on ait 2 églises. Celle de Gonfla et celle de Sikipoua. De Sikipoua, oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, si tu es à Sikipoua, si tu es à Gonfla, si tu es à Kouezara, sache que nous avons une famille dans ces églises-là. Amen.
Que le Seigneur te bénisse. Alors, quand le Seigneur a fini d'établir l'église de Gopla, alors, direction souper. Alléluia. Alléluia. Direction. Un autre défi nous attendait là-bas. Alors, souper, nous on était venus ici, je pense que pour le mariage, pour un événement, nous sommes venus ici, et les bien-aimés ont emprunté une voiture. Tiens, prends le micro, la l'heure à laquelle vous êtes arrivés là-bas. Ils sont allés. Oui, bien aimé. Alléluia. Vraiment, à ce moment-là, c'était chaud. Alléluia. Parce qu'il y avait toutes sortes d'attaques, toutes sortes d'embûches sur la voie. Le chauffeur même là, la main il roulait même là. Embrayage là même là, je connais. Ça te connaît même. Ils ont quitté ce. On a quitté la Taloua. Gopla, c'est ça non? Nous là. À 10h. Vous êtes arrivés là-bas à 2h du matin. Ils sont arrivés le lendemain à Soubré à 2h du matin. 2h du matin. Or, en principe, c'était 4 heures de route. Donc, le véhicule qu'on avait loué, le gars nous a fait croire que le véhicule était en état. Or, son car était en panne. Il y avait constamment des pannes. Et c'est, si vous voulez, à route de tortue qu'ils sont arrivés à Jojo, à Soubré. Mais la galère qu'ils ont vécu sur la route, même les vélos le dépassaient. Vélo, ils sont là. Vélo l'a dépassé. Vélo même. Moto même dépassé. La bouddhiste était chaud. On carrait. Quand on garde comme ça, il n'y a pas. Parce qu'on était avec l'homme de Dieu Jacques, l'homme de Dieu Ézéchiel, puis l'homme de Dieu Salomon. Ça veut dire que pendant qu'à chaque fois qu'on avançait, soit sur notre pignon, quand pour nous on arrive un peu, on arrive à quelques kilomètres, c'est pour en même temps. Eux aussi, c'est puni. Eux aussi c'est puni. Galère après galère. On barrait. Panne après panne. Barrait. Panne sur panne. Les gars, 2h30. On est arrivé même là. Puis nous a chicoté tout ça. On est arrivé là même là. On s'est dit qu'on va dormir d'abord pour commencer. C'est arrivé là. C'est où tu as dormi. 3h du matin, 4h. C'est là que nous sommes arrivés. Et on s'est installé. On s'est reposé, partant le lendemain. Bien que nous sommes arrivés là, on n'avait même pas encore commencé les hostilités. On n'a pas commencé le travail, mais les gens venaient de partout. Vous dites non, je suis venu, je viens depuis longtemps. Bon, quand je suis à Yabayo, c'est pourquoi je suis venu ici. Quand je suis à Tan, c'est pourquoi je suis venu ici. Quand je suis à Meagui, c'est pourquoi je suis venu ici. Et pendant ce temps-là, on n'a pas encore commencé, on était dans le repos. Mais malgré ça, on allait baptiser les gens. On baptisait les gens, on n'a pas commencé, hein. Mais baptême là, on baptisait seulement. On baptisait. En tout cas, vraiment, le Seigneur a fait les choses extraordinaires. Moi, quand je suis arrivé, j'avais constaté que l'endroit où il baptisait, c'était pas commode. Il y avait comme des objets profondants, du fer, et l'endroit n'était pas propre. Donc je leur ai dit, comme c'est le lac Bandama, non? Comme c'est le fleuve Bandama, pardon. C'est le Nawa, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Voilà. Le fleuve s'appelle là-bas la Nawa. Je leur ai dit, permettez que je claire l'endroit. Je vais chercher un endroit beaucoup plus commode pour baptiser. Mais c'est comme ça qu'avec quelques jeunes appelés, on a contourné le fleuve. Et puis on a vu un endroit agréable à baptiser. Donc je leur ai dit, attendez-moi là, je vais chercher les baptisés. Et tout le détachement revient. Et donc j'ai pris un raccourci. Juste au niveau du fleuve, là où il y a le baptême, il y a un pont. Et il s'avère qu'il y a des garde-fous, comme tout autour de chaque pont. Il y a des garde-fous qui protègent les gens pour ne pas qu'ils tombent de par le pont. Et puis, il y avait un garde-fou un peu comme le bout de la table que vous voyez ici, de la chaise que vous voyez ici. Mais c'était caché par les fleurs. Et donc, moi, je voulais tourner et puis prendre la route pour aller en ville. Or, il y avait le bout d'un garde-fou qui était caché par les fleurs. Dès que j'ai pris la droite, ça déchirait ma portière, côté passager. Ça déchirait la portière même du véhicule, parce que je suis allé un peu en plein. Et malgré ça, on allait prendre les baptisés. Quand l'homme de Dieu a vu la voiture, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à ta voiture? Je lui ai dit, c'est rien, c'est un gars de fou qui a déchiré la portière côté passager. Alléluia. Et donc, on a fini le baptême. J'ai béni le nom du Seigneur parce que si c'était mon côté, peut-être que ça allait me blesser parce que ça a fondu la portière en deux. Amen. Et c'est comme ça que je vais aller voir un collier à la fin du baptême.
lui-même, il va faire pire même que l'accident. C'est-à-dire qu'il va prendre un marteau, taper la tonnerie là. Oh! Moi-même, je suis assis, mon cœur saigne. Alléluia. Et la sang décalée, coupée. Et puis la voiture, on a continué l'œuvre. Gloire à Jésus. Et puis, quelqu'un nous a dit, mais homme de Dieu, ici là, il y a un esprit qui contrôle la ville. On a dit, c'est très esprit, nous a dit, c'est la Nawa. Déjà, même le premier jour, quand on est arrivé à l'entrée de la ville, comme on a, ça, on vous a pas dit. À chaque fois qu'on est arrivé dans la ville, dans une ville, le Seigneur nous disait de nous mettre à l'entrée de la ville pour un point stratégique et puis de faire des prières de proclamation. Et c'est comme ça que quand on est arrivé à Soubré, à l'entrée de Soubré, on a eu à faire des prières de proclamation. Alléluia. Et on a vu que les écoles, les magasins, les supermarchés portaient le nom de l'Anawa. Et la même nuit où on a fait la proclamation, le Seigneur m'amène un démon, une femme. Il me dit, voici l'esprit qui domine la ville de Soubré. C'est un esprit de mort et un esprit de publicité. Et c'est pourquoi tu vas voir qu'ici, il y a un fort esprit de publicité. Et financièrement, matériellement, spirituellement, tout est mort à Soubré. Alléluia. Quand on va se renseigner, les gens vont nous confirmer cela. Et les gens vont nous dire, l'esprit s'appelle l'Anawa. Et à Soubré, il y a des chutes, il y a une cascade, très belle cascade, qui en principe aurait pu servir pour méditer, prier, pour chercher la face du Seigneur. L'endroit est devenu un endroit d'idolâtrie. Amen. Et il est dit de la Nawa que c'est un esprit qui rend fécond et qui rend prospère. Donc les gens viennent de partout pour faire les sacrifices et les rituels à la Nawa. Donc le premier jour, j'ai dit aux hommes de Dieu, alors j'ai un coup d'œil. On a observé, on a regardé, on a vu le lieu où le rituel se fait. C'est 3 km de chute. Et sur ces 3 km de forêt et de rochers, les gens ne font que adorer l'esprit de la Nawa. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, prochainement quand on vient, on vient avec une bombe. On va acheter de l'essence, on va brûler tout ça. On va tout détruire. Et c'est comme ça que, 2 jours avant notre départ, le samedi, j'ai demandé aux hommes de Dieu de se préparer. Et comme vous voyez la vidéo, on était tous habillés comme des soldats. Alléluia. Et on est arrivé dans la zone de l'hôtel de Nawa. Il y avait défini la suite. Ce que Gédéon a fait devant les statues de Baal et d'Astarté, c'est la même chose que nous avons fait. On a tout détruit. Tout détruit. Tout. Il n'est pas resté quelque chose. Tout a été détruit. Alléluia. On a tout détruit. Quand tout a été détruit, et lorsque nous sommes rentrés à la maison, il y a l'homme de Dieu de Soubré qui s'appelle Paul Ezeze. Effectivement. Il a eu une vision. Non, son voisin, non? Oui, son voisin. Son voisin. Oui. A eu une vision. Alléluia. Et il a vu comme des gens sortis de prison. Des gens, une foule de gens sortis de prison. Parce que quand vous arrivez là-bas, à Nawa là-bas, les gens attachent des pétales, des petits pains blancs. Vous voyez? Les mêmes cultures qu'on voit au nord, à Korogo, les mêmes choses là se retrouvent aussi là-bas. Absolument. Alléluia. Ils attachent un pain blanc à l'arbre ou bien à une branche et ils font des prières et tous ces détails, ils laissent là-bas. Alléluia. Alors on allait, on a coupé toutes ces choses et on allait brûler. Et quand on a fini, le bien-aimé est venu pour dire que ah, son voisin a eu un songe. Et il a dit que il y a des gens qui sont allés là-bas. Attends, et prier. Oui. Il a d'abord dit au pasteur, à l'apôtre Paul, oui. J'ai eu un songe dans lequel je t'ai vu avec des pasteurs. Et ces pasteurs-là, derrière eux, il y avait des anges, de grands anges. Et vous êtes allés détruire la Nawa. Et les âmes sont sortis de prison. Et quand les âmes sortaient de prison, tout le monde se regardait comme ça en disant, mais je fais quoi ici? Je fais quoi ici? Et la vie, c'était des milliers d'âmes qui étaient sortis de la Nawa. Alors, évangélisation, destruction des hôtels. Destruction des hôtels. Et le Seigneur établit l'église de Soubré. Dans l'église de Soubré se trouvent les intercesseuses et la libérienne fait partie des intercesseuses. Alléluia. Parce que la bien-aimée Naomi, quand on a demandé au Saint-Esprit de choisir ses serviteurs, le Seigneur aussi l'a choisi, a choisi comme étant prophétesse et Alléluia. Elle est venue là. Alléluia. Ex-constituée avant qu'elle ne rencontre le Christ, aujourd'hui prophétesse de l'Éternel. Intercesseuse. Alléluia. Je l'ai dit, du Seigneur Jésus. Amen. Et juste après Soubré, nous sommes allés à Saint-Pépo et à Grand Bérédé. Amen. Là-bas, nous sommes allés échanger avec les hommes de Dieu, renforcer les capacités matérielles de l'église de Soubré. Amen. Rétablir certaines choses, mais aussi l'église de Poitiers. Amen. Alléluia. Amen. Et juste après, nous avons fait un mouvement sur Jacques-Ville. Amen. Jacques-Ville, nous avons fait un mois là-bas. Amen. Amen. J'avais demandé aux hommes de Dieu, comme on était très fatigués, de se reposer pendant une semaine. Et après, pendant 3 semaines, on a commencé à pacifier le village de Jem, le village
Bon, le village là, c'est un peu difficile. Hein. Après, Sasapo, alléluia. Et donc, nous sommes allés jusqu'à chaque ville. Amen. Évidemment, comme les hommes de Dieu ont dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on arrive dans une ville ou dans un village, le Seigneur nous inspirait de changer les stratégies. Quelquefois, vous allez voir, quand on arrive dans un marché, on commence par prêcher les bénédictions femmes. Parce que si tu commences par la doctrine, elles vont faire elles vont se braquer. Donc on dit, maman, tu es bénie. Et puis dis amen, et puis tout le monde amen. Maman, tu es prospère. Maman, le Seigneur va t'élever, son promesse va marcher. Et évidemment, quand on finit ça, et que les oreilles sont attentives, on commence par donner la doctrine. Alléluia. Et c'est comme ça que plusieurs femmes, je prends le cas de Souré, où nous sommes allés évangéliser deux fois au marché de Souré, grand marché de Souré. Et les femmes qui étaient catholiques, qui étaient au Salé, qui étaient dans les églises de la bonne âge, sont sorties de là-bas et sont venues à Christ. Et ont accepté de se dépouiller, de passer par les eaux du baptême. Alléluia. Entre Zéroula et Soubré, il y a des. Non, Zéroula, Taloua et Soubré, il y a des jeunes voleurs qui. Je prends le cas de Taloua. À Taloua, le lieu où on évangélisait, c'était un terrain qui était proche des boîtes de nuit et des maquis à Taloua. À Taloua, ils faisaient une rue comme c'est un peu comme la rue Princesse. Et c'était juste à côté qu'on évangélisait. Et il y a Abraham, le jeune Abraham. Soubré, tu as oublié l'invitation de l'église. Ah, j'avais oublié. Le premier samedi, lorsqu'on allait évangéliser au grand marché de Soubré, il y a une jeune dame et ses enfants qui passaient, qui ont entendu la louange des chants. La louange l'a tellement touchée qu'elle a demandé à nous rencontrer. Et lorsqu'elle nous a rencontrés, elle a dit les hommes de Dieu, vraiment la louange m'a inspiré. Je suis depuis mon père. Vraiment, je veux aujourd'hui là, on est séminaire chez la jeunesse. C'est ça, moi je crois, un séminaire pour les jeunes. Et donc, je veux que vous veniez et que vous veniez avec les chants. Vous allez donner le message, elles vont louer. Et là, nous qu'on n'hésite jamais, nous qu'on refuse d'inviter, nous quand on ferme les portes, on nous invite. Ah, rapidement, je dis les gars, les péchés vont la carte d'évangélisation. On est à 17h, il y a un mouvement d'une église. Alléluia. Donc, vers 16h, quand on finit, on a le temps de prendre un truc, on se lave et puis rapidement, on a l'église. On a ouvert les portes de l'église. On était là. Avant ceux qui nous ont invités. Et donc, quand ils ont dit qui? Vous êtes à l'heure? Ah, toi aussi, ça, on ne sera pas à l'heure. Amen. Et c'est comme ça qu'on fait des sommes de matériel, on branche tout et tout ça. Une heure plus tard, la maman Pacha arrive, les chantres de leur église, en polant, en mini-jupe, sans le voile, avec de longs cheveux, les hommes en plaqué, tout ça, ça commence à rendre gloire à leur Dieu. Et l'homme de Dieu était là, l'évangéliste Jean de Yopoum était là. L'apôtre me disait, est-ce que j'ai des études là? Moi, je n'étais pas là. Amen. En tout cas, les jeunes serviteurs, on était tous à l'hôtel. Avant d'être assis là. D'abord, moi, on ne savait même pas que l'église était pour maman pasteur. Et puis, à un moment, on voit une dame en blanc, avec des mèches, plein de bijoux, fardés, tout ça, qui vient se mettre au milieu de nous. D'abord, là, on était assis. Je regarde sous la chair, je vois les talons. Je vois les talons sous la chair. Regarde l'homme de Dieu, il dit, aïe. Ah, quel talon ça? Ça fait quoi ici? Il dit, il faut y aller, tu vas voir. Et la dame vient, ah, les papas, maman m'a dit beaucoup de choses de Dieu de vous, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, on se met bien, on nous a dit qui c'est que les aides au marché là. En tout cas, vraiment, on compte sur vous. Et puis demain là, venez demain encore là. Et dit, mais la dame n'a pas encore entendu le message, elle nous invite pour demain. Pourquoi? Comme on est venu avec la solo, on est venu avec beaucoup d'hommes, ouais, c'est une bonne rente. Ça va augmenter son chiffre d'affaires. Et donc, comme nous on est ces commerciaux, il m'a encore revenu, il n'y a pas de problème. Et mon cœur dit, prends la peine d'écouter le message avant de tenter de nous inviter. Maintenant, je dis à l'homme de Dieu, si c'est moi qui n'ai pas besoin de vous donner. L'homme de Dieu, il dit non, toi donne. Il dit d'accord, on va faire comme le Saint-Esprit nous va nous enseigner. Comme c'est une église de la voie large, on ne va pas d'abord enseigner le dépouillement du corps. On va d'abord enseigner sur les péchés du cœur. Donc quand je donne un enseignement sur les péchés du cœur, il dit yes, oh, prêche la vie. Oh yes, oh yes, elle est assise comme ça. Quand ça touche, et oh yes, oh vérité, oh t'as dit demain encore, et bien attends, oh yes, quand je donne le message, oh yes, quand on a fini les péchés du cœur, on est rentré sur les déprimants du corps, hein? La maman pasteur, vous la voyez dans la vidéo, elle se lève, elle va discuter avec ses gars, qui a dit cela, vous n'avez pas donné le message qui peut s'en faire des églises, bon,
qu'une autre cliente. Mais qui l'a invité? Comment ça se fait? Et elle est gênée, elle se lève, elle sort, elle transpire. À un moment, elle a mis son voile, elle n'a pas le voile. Hein. Elle a demandé, quand je suis rentré dans la doctrine du voile, elle a mis un voile. Les chantes là, elles étaient toutes en petite robe plaquée. Quand j'ai commencé à parler de la doctrine du vêtement, chacune a mis un pain pour cacher ses cuisses. Ça a commencé un peu. À la fin, je demande à toute la santé. Vous êtes touché par la vérité. Ils sont venus te poser un papier positivement. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. Il faut faire vite, Jacques Jésus. Alléluia. Ah, il était à peine 7 heures. Il faut faire vite, c'est 20 minutes. Demain, là, c'est un culte. On doit venir faire culte. Il faut faire vite. Maintenant, je demande à l'assemblée, après la prédication que le Seigneur m'a donnée, m'inspirer. Est-ce que vous avez été touché? Ils m'ont dit oui. Et dit, dans ce cas, si vous êtes touché, commencez à vous dépier de tous les dieux étrangers que vous avez sur vous. Et quand on va rentrer dans la prière, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Je regarde, je vois que tout le monde regarde la maman pasteur. Elle est mal à l'aise. André a le feu dans son siège. Il dit, mais maman Dosso, mais déjà, dépêche-toi. Comment ça, t'es dépêché? Elle dit, mais t'as lequel pasteur ça? Elle dit, mais enlève tes bijoux là, on va commencer à prier. Elle fait ça. Elle fait comme ça. Maintenant, je m'approche un peu. Je baisse ma tête et je dis, tu vois, non. C'est pas la vision qu'on nous a donnée. Depuis qu'on m'a dit, je ne pas d'abord le prier. On va venir la vie parler de ça. Mais non, la vision, c'est pas celle. C'est parce que la vision, mais c'est pas la vision qu'on a donnée. Rapidement, j'ai dit aux hommes de Dieu, si elle, qui est la mère de Dieu, elle ne peut pas se déplier, on ne peut rien faire. Puisque Dieu n'est pas dans le désordre. Vous n'allez pas avoir vos artifices de Jézabel, vos deux étrangers vont prier, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, j'ai fait ma part, je me lave les mains. Au moins aujourd'hui, vous connaissez la vérité. Et vous ne direz pas qu'on ne vous avait jamais enseigné la doctrine de Christ. Et c'est comme ça qu'on a béni le nom du Seigneur, on est parti. La jeune fille qui a écouté, là, elle a écouté le problème. Elle est son mari. Cette jeune fille qui a dit, je vous invite là, mais elle a eu tous les problèmes. Oh. Maintenant, la jeune fille dit, mais maman pasteur a crié, yes, yes, yes. Maintenant, quand il s'agissait maintenant de ce prier, maintenant, elle ne crie pas yes. Mais au début, elle disait que c'était la vérité. Yes, mais là, dit, à la fin, là, quand elle est arrivée, la jeune fille a eu tous les problèmes là-bas. Quand on appelle la jeune fille, elle dit, hé, hey, homme de Dieu, après mon passage, ils m'ont bien lavé, ils m'ont bien insulté. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes arrivés à Soubré. Et le Seigneur aussi a permis là-bas. Et puis même, en plus même, le Seigneur a fait qu'on croit le chef du village de Soubré. Alléluia. Le quatrième, on était le chef du village. D'abord même, ce n'était pas le chef du village. Il nous a envoyé une copie du chef du village. Alléluia. Il y a un chef du village qu'on a suivi nos sangs. Vous savez, c'est une stratégie, c'est une sagesse que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Quand vous partez voir une autorité du village, ne partez pas les bras, les mains vides. Allez-y avec quelque chose. Amen. Donc après un petit sanglier avec une, et puis on allait. Donc allez voir le chef. Nous on a cru que c'était lui le chef. Oh, c'était pas le chef. C'était pas le chef du village. Et il a pris notre cadeau. Il a pris notre cadeau et il a fini de prendre. Maintenant, on a fait le programme le lundi, le mardi. On devait faire le programme sur une semaine là-bas. Alors, il y a une église qui vient nous voir. Ils disent qu'ils avaient déjà demandé à laisser une note au chef. On dit, mais nous, on a déjà le chef dans notre main. On a donné ça guéri, on a donné une. Donc, lui, là, si on s'en va quelque part, là, il va dire oui. Alléluia. Donc, on arrive. C'est le chef. C'est même pas le chef à qui on a donné lui, là. On arrive chez un autre chef. C'est le vrai chef. C'est le vrai chef. Maintenant, arrivé là-bas, le chef dit, étranger à gros yeux, mais il ne voit pas clair. Alléluia. Et donc j'ai compris en même temps pour dire que non, en réalité c'est là, mais le vrai chef là c'est moi. Donc maintenant, il dit, ah, attendez-vous, comme l'église a déjà demandé l'autorisation avant vous, donc cédez. Nous on avait déjà semé la doctrine. Donc l'église m'a dit, on a semé la doctrine. Le Seigneur a opéré des miracles, délivrance, guérison, restauration. C'est vrai, ça se plaît dans les maisons, mais donc mèche quoi. Donc mèche, mais c'est qu'est-ce qui s'est rentré. Donc notre église qui est venue là, et ils disent que non, on peut porter mes choses, on plus de repentir. On peut pécher, il n'y a plus de repentance. On peut pécher, il n'y a plus de repentance à faire. Le salut est garanti. Le salut c'est Jésus. Jésus a déjà fait le prix. Donc si tu meurs, tu vas au ciel. Donc tout ce qu'on est venu s'aimer là, ils sont venus enlever toutes ces choses. Donc il y a des femmes
qui était dans notre église, qui avait ces gens de doctrine-là. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont entendu, parce qu'ils ont mis la femme du pasteur porter les mèches et tous ces détails. Alors, quand les hommes là, c'est-à-dire premier jour, il y a eu du monde. Deuxième jour, personne. Troisième jour là, c'est entre eux-mêmes qui ont fait le culte. Et puis ils sont retournés à la maison. Alors, la femme du chef, parce qu'elle a entendu que, à travers nous, le Seigneur Jésus-Christ a opéré des miracles. Alors, elle envoie des personnes venir appeler les hommes de Dieu pour venir voir le chef. Alors, nous, on va voir le chef. Donc, on allait voir le chef. Et le chef qui était malade, qui était allé à l'hôpital plusieurs fois et il n'a pas obtenu la guérison, ce jour-là, le Seigneur le délivre. Alléluia. Et le chef obtient la guérison. La guérison. Mais comme bien aimé, c'est une autorité, on ne pouvait pas se permettre de filmer. Amen. Alléluia. On ne pouvait pas se permettre de filmer et faire une vidéo sur le chef. Alléluia. Donc on n'a pas filmé pour le chef, mais le Seigneur a fait une délivrance. Et le chef s'est retrouvé. Lui-même encore, comme il a vu la guérison, il avait un neveu qui était à l'hôpital. Alors on a dit au chef, le chef là, tu dois abandonner tes traditions et accepter Jésus-Christ. Le chef dit, va réfléchir. Parce que vous savez que dans les traditions, ils sont obligés de faire des libations, aller des sacrifices. Des sacrifices et tous ces détails. C'est les alliances avec les alliances et toutes ces choses. Alors le chef ne supportait pas ces choses-là. Alors mais il a vu en nous quelque chose de puissant. Alors, bien aimé, il a voulu qu'on vienne aussi prier pour son enfant, son neveu qui était à l'hôpital. Mais on n'avait même plus pratiquement pas le temps. Et le Seigneur a permis que l'église de Soubré aussi soit aussi établie. Alléluia. Amen. Donc l'église de Soubré aussi est établie. Alléluia. Donc si vous avez des parents qui vivent à Soubré, vous pouvez les indiquer là-bas. Alléluia. Et ils vont aller aussi prier à l'église de Soubré. Alléluia. Juste après ça, le Seigneur a permis que nous convergeons vers Jacques-Ville. Amen. Bien-aimés, c'est là-bas que nous avons eu à faire notre pied. Amen. Là-bas, les faits vont nous marquer. Je fais allusion au premier fait. Celui de la PME. On a une PME qui a eu un accident de moto. Amen. Comment elle s'appelle? La bien-aimée qui a eu l'accident de moto. Qui a eu la jambe hachée. Hachée. Baptisée. Recrute. Alléluia. En venant de faire notre prière série de baptême. Et puis l'homme de Dieu Paul, Emmanuel de Brédi, comme c'est eux, ils sont du village, de ce village qui s'appelle Abrédi, c'est là-bas qu'on a fait tous les baptêmes. Va le saluer leur cousine. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber sur la jeune demoiselle qui avait le pied fondu comme ça. Alléluia. Et elle va nous expliquer que elle allait un samedi avec son ami rendre visite à quelqu'un. Ils étaient quatre sur la moto. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, celui qui était au volant a regardé derrière lui. Et c'est comme ça que la moto a dérapé et s'est entrée en bouche. Il y a un qui est mort devant elle. Alléluia, elle a eu des douleurs partout. Et puis, la plante des pieds fondue en deux. Et donc, elle était couchée en souffrance. Et je lui ai dit, est-ce que j'ai la foi que Jésus peut te guérir? Elle dit, elle a la foi. Et elle va nous avouer que pendant qu'elle était dans cette souffrance-là, le Seigneur Jésus s'est révélé à elle. Il va lui dire, prie beaucoup. Et va dans mon église. Écoutez-moi bien. Il dit, prie beaucoup et va dans mon église. Et elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas, elle m'a dit, mais bon, priez beaucoup. Mais dans son église, dans quelle église? Et puis je ne peux pas marcher. Et à chaque fois que le Seigneur venait la visiter, c'est ce qu'il disait. Prie beaucoup, va dans mon église. Jusqu'à ce qu'on la rencontre. Et quel est donc ce témoignage-là? Donc, séance tenante, on va lui demander d'enlever sa boucle d'oreille. Elle avait du vernis. Elle qui avait le pied fondu, elle avait vernis, six pieds qui est en train de pourrir là. Vous voyez un peu le diable? Et c'est comme ça qu'elle va se répentir de ses péchés. Et juste après, on va prier pour elle. Et dans la prière, le Seigneur va la visiter. Va la guérir. Il va ouvrir mes yeux. Il va me montrer une confrérie de femme. Une confrérie de sorcière. Dont une femme est à la tête. Le jour-là, en principe, c'est elle qui devait mourir. Mais regardez la chose. La chose, c'est que Naomi est chante de l'Éternel. Et elle est intercesseuse. Elle ne le savait pas. Et comme tu avais un plan de bonheur pour elle, comme il y avait cette alliance-là, avant même la fondation du monde, elle, entre le Seigneur et elle, il va permettre qu'un Égyptien meure à sa place. Il va permettre que quelqu'un d'autre meure pour elle. Alléluia. Afin qu'elle voit ce jour de gloire. Et elle va recevoir la guérison. Séance tenante, quand on finit de prier pour elle, le pied qui est fondu en Dieu, on lui dit tape le sol. Elle tape et fait chi. Mais en vrai, il y a un truc qui se passe le plus souvent quand on prie pour les malades, pour les blessés. C'est que la personne cherche le mal ailleurs. C'est ici que le pied est fondu.
Mais elle tape les pieds droit pour voir. Si le mal ne s'est pas dépassé, alléluia, elle commence à marcher, à sauter. Elle qui est bénie le nom du Seigneur. Le pied est fendu, mais guéri. Alléluia. Amen. Et pour bénir le nom du Seigneur, regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a marché dans tout le village. Elle m'a dit, regardez, vous avez vu ma mort, non? Et Jésus m'a guéri. Amen. Et juste après, comme la santé du monde, on l'a menée dans un hôpital, elle a fait des points de suture, mais une bande et tout ça. Et le lendemain, puisqu'elle avait fait un vœu au Seigneur en disant que si le Seigneur la guérissait, elle allait faire son œuvre. Le lendemain, on la baptise. Amen. Et le surlendemain, le même jour de son baptême, elle commence, dès qu'elle sort de l'eau, elle commence par rendre grâce au Seigneur en l'adorant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et dans la foulée, elle a vu la puissance de Dieu. Son copain, elle dit, mon frère, viens, tu vas entendre parler de la bonne nouvelle. Et son copain qui s'appelle Matthieu, baptisé Sorcène, je crois, baptisé Sorcène, lui aussi va donner sa vie à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On a eu un autre cas qui nous a marqué. C'est cette jeune demoiselle qui avait mis un implant dans son bras. Elle avait mis deux implants dans son bras. Voilà. Et elle va nous avouer que le jour où ils ont mis l'implant dans son bras, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme une puissance qui l'a menée à se débaucher. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus refuser les hommes. Jeune, vieux, pauvre, riche, tout le monde passait. Alléluia. Et même quand elle voulait s'arrêter, ça ne s'arrêtait pas. Alléluia. C'est quand on lui a retiré les implants et qu'on a prié pour elle, qu'elle était libérée de l'esprit de débauche. Alléluia. Elle aussi chante de l'éternel. Alléluia, homme de Dieu. Excuse-moi. Quand elle était assoupée. Le plus grand. Oui, mais je veux parler du cas de la maladie, ce qui a envoyé Marie à l'hôpital. D'accord. Quand elle était assoupée, Marie de Magdala, Marie du Congo, c'est comme ça on appelle. Alléluia. Marie du Congo a eu un malaise. Et on l'a envoyé urgentement à l'hôpital. Alléluia. Marie est tombée dans les vapes. Bien aimé, quand on dit vapes là, ce n'est pas ce qu'on voit, et puis après on dit 2 minutes. Marie, ça n'allait pas. Marie est tombée dans la vape. Il y a la fatigue qui s'est accumulée, et tout cet état-là, tout mélangé, et ça a créé un bobo. Et puis Marie est tombée. Marie ne respirait plus. Marie ne bougeait plus. On envoie Marie à l'hôpital. Marie est sur l'hôpital, elle est suffoque. Il y a eu, comment on appelle, Estelle et Yahou. Il y a Elie Stéphane. Et Anda Dabobo. Et Anda Bobo. Et puis Daniel de Séguéla. Et puis les servants de Dieu qui partaient maintenant. Elle se réveillait. Si une a dormi là-bas matin, le soir, va dormir là-bas. Amen. Et dans ça, là encore, plus là-bas, elle a eu son bras qui a été fracturé. Le fauteuil dans lequel on a fait asseoir, on l'a mené dans sa chambre. Le pouce est rentré dans les rayons du fauteuil roulant. Oui. Et pendant que le fumier poussait, le pouce là s'est cassé. C'est cassé dans les rayons. Alléluia. Et tous ces détails. Et il y avait un sérieux problème. Bien aimé, c'est pourquoi vous avez vu une photo. Ce n'était pas une photo bien top modèle pour me montrer aux gens. Mais c'est parce qu'il y avait un problème. Elle n'arrivait pas à respirer. Et elle n'arrivait pas à respirer. Et on avait branché Marie un appareil. Amen. Et elle souffrait. Qui lui donnait de l'oxygène. Qui lui donnait de l'oxygène. C'est là même que j'ai mis les bonbons d'oxygène là-bas. Et Marie était là-bas. À chaque fois que Marie se réveille, quand on lui dit qu'elle va rentrer à la maison, automatiquement, le mal ressurgit. On donne de gaz. Encore. Alors, intercession à la maison, Seigneur, fais quelque chose. Ne permets pas que Marie reste. Mais permets que Marie revienne à la maison. Et jusqu'à ce que le Seigneur a permis que Marie soit en bonne santé. Alléluia. Et Marie revienne. Et que Marie est là où elle est. Marie, tu es comme. Amen, aujourd'hui. Et maintenant, le bras droit. Alléluia, le bras droit. Tout est établi. Et Marie, c'est elle qui s'occupait de nous concernant la médecine. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si ça existe. Mais en 7 ou en 6 jours, j'ai fait 6 injections. Et c'est elle qui lui faisait les injections. Et c'est elle qui faisait les injections. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Il y a 6 injections là. Bien aimé, vous savez, quand on finit de faire la délivrance, et qu'on transpire, et qu'on finit de transpirer, quand
Le vent commence à te taper, tu commences à avoir froid. Tu es épuisé, tu as froid. Et ça, on était dedans. Tout et Marie. Et après Marie, quand Marie a eu le bobo, en même temps, il y a Emmanuel le guerrier qui est là. Alléluia, qui a pris le réel. Et c'est lui aussi qui s'occupait de nous. Alléluia. En même temps que il est le pasteur, il est le serviteur de Dieu, il est le docteur. Et il s'occupe de nous en même temps. Amen. Alléluia. Et il nous faisait les injections. Alléluia. Et en plus de cela encore, il prêchait la parole. Arrivé un moment, on était fatigué. Très fatigué. Bien aimé, l'œuvre du Seigneur, si tu sabotes, si tu sabotes l'œuvre du Seigneur, tu n'as pas affaire à un homme, mais tu as affaire à Jésus. Malheur à toi. Quand tu sabotes l'œuvre du Seigneur, tu n'as pas affaire à un homme, mais tu as affaire à Jésus. Si l'homme qui est fait pendant toutes ces vies qui sont faites et que cet homme n'est pas un homme, l'œuvre-là, tu as affaire à Jésus. Quand Corée t'attend à Biram parlait, et quand il parlait contre Moïse, le Seigneur a dit, ce n'est pas de toi qu'il parle, mais c'est de moi, Jésus, qui sont préparés. L'œuvre du Seigneur, bien aimé, il ne faut pas jouer avec ça. Alors, on est fatigué. Il n'y a plus de force. Parce que quand tu fais feu, hier, je suis arrivé ici, je me suis assis là, et papa Pierre rendant le témoignage, dit qu'il a eu un souci là. Il a eu des crampes à l'estomac et il a commencé à vomir ici. Je lui ai dit, papa Pierre, c'est ce qu'on a vécu, ça on est fatigué. Que soit fatigué. Alors, Paul, Emmanuel, le guerrier et Jean, vous savez bien, aimé, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas facile. Parce qu'on est dans un autre système, sur un autre terrain de guerre. Donc là-bas, la manière de faire ici est différente. Là-bas, là, il faut une foi extrême. Là-bas, là, il n'y a pas à faire de dire, il n'a pas gêné. Il n'y a pas à faire de dire, il n'est pas disposé. Il n'y a pas à faire de dire, non, on te met d'abord l'entretenir. Là-bas, là, c'est de là à là. C'est clair. Là-bas, le rythme, je ne sais pas si tu vas appeler ça, c'est multiplié par 100 ou bien par 1000. Là-bas, il n'y a plus, de repos. Une fois que on commence à dire au bien-aimé, tous ceux qui veulent faire la paix avec Jésus, venez. Tous les servants de Dieu, si tu as du servant, si tu as ciseaux, tonteuse, cotonnette, toutes ces choses, tu dois te mettre en même temps de toi les pieds. En même temps qu'ils sont en train de faire les pieds. En même temps, les hommes de Dieu sont en train de les encourager à laisser nettoyer les pieds, à se laisser nettoyer les pieds, à se laisser nettoyer les pieds. Lorsqu'ils finissent, il faut qu'on attende la prière maintenant. Et quand la prière commence, et qu'il y a le mouvement du Saint-Esprit, on ne s'arrête plus. On fait du one by one. On ne s'arrête plus. On parce fait que, one by one. Au départ, c'était épuisant. Si tu dois prier pour une personne, et que tout le monde doit venir, on a dit, bien aimé, n'ayez plus peur. Allez-y, un à un. Alléluia. Dans l'armée, le Seigneur dit, dans l'armée, je ne suis pas militaire, mais quand un soldat désert, le camp, on le met au poteau pour le fusil. Bien sûr. On le met au poteau pour le fusil. Et le Seigneur, quand il t'établit sur une mission, quand il t'établit, quand il t'appelle sur le champ de mission, tu ne dois pas déserter. Au grand champ. On était fatigués. On n'avait plus de force. On avait besoin de ressources. On avait besoin d'un son nouveau. On avait besoin d'un son nouveau pour nous réveiller. De renfort. De renfort. On avait besoin de ce renfort. On avait besoin de renfort. Mais l'ego, l'orgueil, bloquait l'œuvre du Seigneur. On avait besoin de renfort. Les jeunes qui sont venus, ils sont là. Mais là, le manque d'expérience, c'est arrivé sur le terrain. Ce n'est pas senti. C'est arrivé sur le troublet. Tu ne sais plus comment faire. Et c'est tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas une affaire de temps ou les jours. C'est une affaire de toujours. Non, bien aimé. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Bon, moi, je ne sais pas. Je vais vous donner un témoignage. Le témoignage là, je partais évangéliser. Je vous ai dit comment est-ce que Ézéchiel, je l'ai croisé.
Ézéchiel aujourd'hui n'est plus. Quand j'ai croisé, je n'ai pas croisé Ézéchiel d'abord. Il y a un bien-aimé qui vit actuellement à Kindo. Et Jérémie de Poitiers, il est là. Jérémie de Poitiers, il est là. Le bien-aimé là, il s'appelle comment? Lui qui est maintenant à Kindo, qui est venu nous trouver afin de qu'il t'a donné le téléphone. Comment il s'appelle? Pardon? Il s'appelle Daniel. Alors, le jour avant de croiser Ézéchiel, j'étais en pharmacie famille. Vous qui habitez comme aussi, vous allez connaître pharmacie famille. C'est la base d'évangélisation, on a pris, on a mis là et on a commencé à évangéliser. Et Daniel, à la pharmacie famille, il y a des escaliers. Il y a des petits escaliers là. Et Daniel est venu s'asseoir à côté. Mais quand c'est moi, je parlais, donc Daniel attendait à ce que je finisse de parler et puis fait échanger avec moi. Alors Daniel est venu échanger. Quand Daniel est venu, il a dit, ah, homme de Dieu, ce que tu as dit, ça m'a beaucoup touché. Je vais donner ma vie au Seigneur Jésus. Alors, je lui ai dit, ah, allons, tu vas connaître le lieu où on prie. Et Daniel, il est monté dans la voiture. C'est arrivé devant la porte d'église là, que Ézéchiel, aujourd'hui qui n'est plus avec nous, vous connaissez, comment on appelle, j'ai vu le vêtement comme ça, avec Daniel, prophète Daniel. Et Daniel, comment il s'appelle? On a un terme qu'on utilise quand on était sur le champ de bataille. Daniel, adorateur. Daniel, adorateur. Il a un vêtement qu'il porte. Qu'il a porté aujourd'hui ce matin. Ça m'a rappelé et ça m'a amené l'image. On met le chapeau comme ça. Et Ézéchiel avait mis le chapeau comme ça. Et voilà où Ézéchiel, on l'a croisé. Ézéchiel est venu dire que quand il était assis, il a entendu une voix qui lui a dit, Daniel, vers nous. Et Ézéchiel est venu. Et il est venu vers nous. Et le Seigneur a permis que Ézéchiel vienne. Mais Dieu a envoyé Ézéchiel. Pourquoi? Dieu a envoyé Ézéchiel. Pourquoi? Pour que le Seigneur permette qu'on croise la porte d'Abraham. Parce qu'en nous, on cherchait quelque chose. Mais on était bloqué. C'est comme s'il y avait un mur. J'ai aussi, quand j'étais dans le bus, un jour je prêchais et il y a une jeune fille qui est tombée. Je ne sais pas comment faire délivrance. Je ne sais pas comment prier pour un malade. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que dans l'église où j'étais, on ne m'a rien appris. Je ne connais pas. Moi-même, j'ai eu peur. Et les gens, puis c'est en train de rouler. Et on crie, pasteur, viens. Mais pasteur va venir faire quoi? Pasteur va venir faire quoi? Il n'a jamais vu son pasteur faire ça. Il n'a jamais vu son prophète faire ça. Les docteurs, il n'a jamais vu quelqu'un faire ça. Il va venir faire quoi? Il est novice. Mais Dieu était là-bas. Quand je lisais Actes des Apôtres, et que je disais, Seigneur, mais pourquoi ce qui est écrit dans Actes des Apôtres là? Ça ne se vit pas. Alors le Seigneur, mais il me disait, tranquille. Mais tranquille, il va créer une situation pour que le Seigneur m'envoie maintenant, pour que je puisse faire son œuvre aussi. Alors, le Seigneur envoie Ézéchiel. Ézéchiel, maintenant, dans l'église où il est parti, les Bibles rouges, là. Les Bibles rouges qu'on donne ici à l'évangélisation, là. C'est ce que le pasteur a donné à Ézéchiel. Il n'a pas prié pour lui. Il a donné Bible rouge à Ézéchiel. Ézéchiel a été baptisé. Daniel aussi a été baptisé le même jour. Un lundi. Mais Ézéchiel dit que le vieux, ma situation n'a pas changé. Il devait mourir le 2 janvier 2002. J'ai 2000 combien, je ne sais plus. 2021. Il devait mourir le 2 janvier 2021. Et il y avait une malédiction sur nous. Et on était dans le mois de novembre, c'est-à-dire à 4 mois maintenant, vers sa mort. Et le Saint-Esprit maintenant, ce jour-là, quand il a fini de me parler cela, je n'ai pas de solution. On n'a pas d'idée. On ne sait pas comment on va faire. Alors, j'avais des passes internet. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Internet, et j'avais souscrit. Mais il y a un délai. Tu dois épuiser cela. Si tu ne puises pas, on coupe. Dans ce jour-là, j'ai dit que je ne dors pas. Donc, je vais regarder une vidéo. Donc, je partais sur YouTube. Je partais sur YouTube. Et je suis tombé sur le témoignage de Marie Magdala. Raïssa. Et quand je suis tombé sur le témoignage de Raïssa, en réalité, l'esprit dans lequel je regardais ce témoignage, quand je partais évangéliser, les jeunes musulmans de Bam venaient nous fatiguer. Et venaient poser, c'est-à-dire, faisaient des coques à l'âne.
et qui n'avait pas. Donc, ça mélangeait le travail. Alors, moi, l'esprit dans lequel je partais sur le témoignage, j'ai dit en fait une ex-musulmane doit avoir besoin les doigts sur le Coran et je vais utiliser ça et noter ça. Donc, j'ai pris mon cahier et puis j'ai pris mon billet et je suis assis devant la télé. Mais depuis que je suis le témoignage là, ça n'a rien à voir avec l'esprit dans lequel je suis maintenant. Et à la fin, dans le témoignage va sortir que voici un homme de Dieu qui a prié pour moi et qui a eu la délivrance. Alors, un numéro de téléphone qui figure en bas, et je copie le numéro de téléphone. Mais à la fin, j'ai pris, au lieu de deux, j'ai mis cinq. Et quand j'ai appelé, c'est un vieux musulman qui a décroché. Il dit voilà. Vous voyez, sur Internet, les gens sont là pour gagner de l'argent, donc ils mentent et ils fabriquent toutes ces choses. Alors, quand je suis allé au boulot, arrivé au boulot, c'est là maintenant. Je regarde maintenant la vidéo normalement et je découvre que au lieu de 5, au lieu de 2, j'ai mis 5. Donc, j'ai dit cette fois-ci là, je ne vais pas l'appeler. Je ne l'appelle pas. Ce jour-là, c'était un mardi. J'ai dit à ma femme, je vais à Bassam. Elle dit, tu vas faire quoi là-bas? J'ai dit, je vais à Bassam. Et j'ai pris voiture là et je suis venu à Bassam. C'est arrivé à Bassam que maintenant, je ne connaissais même pas celui. J'ai appelé maintenant apôtre Abraham. J'ai dit, oh, homme de Dieu, bonjour. Il dit, mon bien-aimé, comment tu vas? Et on a commencé à échanger avec une voix douce. Et quand il a fini d'échanger avec moi, il m'a dit, ah! Quand il tout à l'heure, il vient de quitter, il est à Gonzague. Quand il vient de quitter Bassam, il est à Gonzague. Je lui ai dit, oh, monsieur, moi-même j'habite Gonzague. Mais quelque chose me disait de reculer. J'ai dit, non, je ne recule pas, je vais l'attendre. Alors, je suis arrivé à 9h. C'est le même jour là que maman Debo de Dabou aussi est arrivée. Maman de Dabou aussi cherchait la porte à Abraham. Elle cherchait où il habitait. Là, il habitait au conteneur, orange. Alors, quand je suis arrivé, j'étais assis. Maman de Dabou est arrivée avec une jeune fille qui était à l'église de Choquet-Rocher. Elle était à l'église de Choquet-Rocher. Et le jour de sa délivrance, c'est là que j'ai compris que même le démon, un pasteur qui n'enseigne pas la sainte doctrine, peut posséder quelqu'un. Et voilà comment est-ce que j'ai croisé. Quand j'ai fini d'échanger avec l'homme de Dieu, quand j'étais chez lui, et c'est à même jour-là que Moïse, le jeune Moïse, comme il s'appelle, Moïse, lui qu'on a fait sa délivrance sur les réseaux, Moïse, lui qu'on a fait sa délivrance sur les réseaux sociaux, alléluia, il est venu aussi. Et on allait, premier culte que j'ai fait, je suis allé où maman Christiane priait. Et c'est là-bas en même temps que la police est venue. C'était devant moi que la police est venue pour dire que on dit que vous faites du bruit, vous dérangez les gens. On priait sur goudron. Et c'est ce jour-là que j'ai échangé avec l'apôtre et je lui ai dit, ah homme de Dieu, il y a un de mes petits qui était brouteur. Qui était brouteur. Mais il doit mourir tant. L'homme de Dieu m'a dit. Faut l'envoyer. Faut lui dire de faire jeûne 3 jours. Et puis il faut venir avec lui. Donc moi j'étais tout heureux. Je suis allé là-bas et j'ai dit à Ézéchiel, jeune, il s'appelait David en ce temps. David avait donné un nom de pouvoir quelque chose. Alors il dit David, merci. Il avait donné ce nom-là. Et puis il dit, est-ce que tu peux jeûner? Il dit, le père, moi je dois mourir. Donc si c'est pour jeûner, mais plus de 2 jours, 3 jours, ça c'est pas un problème. Je lui dis, je vais t'aider dans le jeûne. Alléluia. Alors, le jour, on va venir au bureau, ce n'était pas ici. Les anciens connaissent le lieu où on faisait la délivrance, c'était à la chaudière là-bas. Le premier jour, on va arriver, moi je m'assois aussi à la table de réception. Et je suis assis. Et là, monsieur m'a dit, non, toi tu ne vois pas t'asseoir, viens voir. C'est ce que le Seigneur va faire. Alors, quand vous rentrez à la chaudière, ceux qui se rappellent, il y avait une salle qui était vitrée. Lui, il est au milieu. Il est derrière la secrétaire. La salle est derrière juste la secrétaire. Donc, quand vous arrivez à la réception, la salle qui est derrière vitrée, là, c'est là-bas et Ézéchiel est rentré. Quand Ézéchiel est rentré là-bas, quand que l'homme de Dieu a dit le nom de Jésus, il est tombé. Bien aimé,
Les églises de la voie large créent des incrédules. Les églises de la voie large créent des incrédules et des personnes qui ne vont pas croire à la parole, à la manifestation du Saint-Esprit. Alors quand ils voient la manifestation du Saint-Esprit, ils appellent cela, c'est du montage, c'est un mensonge. Bien aimé, si j'étais parti là-bas et que je n'étais pas parti avec quelqu'un, j'allais dire que le gars là, il s'est accordé à son petit et ils ont fait film et ils sont en train de faire film et tout ça, la problématique et tous ces détails. Mais c'est moi-même, je suis parti à mon client. Il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu comme il est. Il n'a jamais vu. Et par là, le Saint-Esprit se manifeste et le petit est délivré. Le petit qui fumait les chassés et tous ces détails, le petit arrive à la maison, lui m'appelle pour dire le père, je n'arrive plus à fumer, je n'arrive plus à boire. Quand quelqu'un fume, il boit, j'ai la nausée, je ne supporte pas cela. J'ai crié Alléluia. Alors, moi je dis, j'ai trouvé l'église. J'ai trouvé une église qui va former moi mes pasteurs. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais aller informer tous mes pasteurs de ne pas venir après auprès de lui. Ou bien, qui n'a jamais pensé ça? C'est pas comme ça que d'autres ont pensé. Tu as vu quelque chose de meilleur chez quelqu'un que les autres n'ont pas. Alors, allez-y auprès de lui, vous allez prendre la délivrance. Vous allez prendre et écouter la parole de Dieu. Quand je suis arrivé, le pasteur a dit qu'il connaissait ça. Et je lui ai posé la question, mais tu connaissais plus, tu n'as pas fait la délivrance du petit. Il ne pouvait pas dire que c'était un montage. Je lui ai dit que le petit aujourd'hui il a été délivré. Et même encore en plus de cela, il est un don. Pour le moment aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il est un don. Et le Seigneur le délivre. Le Seigneur le guérit. Et le Seigneur nous envoie, nous suscite à venir auprès de l'apôtre. Bien-aimé, le Seigneur nous envoie pour apprendre auprès de lui, pour l'aider dans la mission, pour apprendre auprès de lui. Comme Moïse, avec les 70, comme Moïse, avec le peuple d'Israël, comme Moïse, avec le peuple d'Israël, quand il était allé 40 jours à Gagnoua. C'est là encore le Seigneur dit, comme Moïse, pour vous préparer, pour que vous partiez au ciel. Bien-aimé, tu es venu ici là pour te faire préparer. Tu es venu ici là pour que le Seigneur te prépare pour aller au ciel. Bien-aimé, cette porte large là, si tu franchis cela, tu ne peux pas aller au ciel. Alors le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, on vienne aujourd'hui. Toutes ces choses que vous voyez faire, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais par le cœur, par le bien de qui? Par la bénédiction de l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Avec lequel nous avons eu à faire ce pays pendant 6 mois. Tu vas venir donner ton témoignage. Assurément, tu as vécu une anecdote, quelque chose que tu veux partager. Alléluia, on va prendre à peine 6 personnes. Juste après ça, nous allons faire la prière de la fin et partager la gâteau ensemble. Amen. 6 personnes, rapidement. Amen. Tu as vécu quelque chose d'extraordinaire pendant ces 6 mois de croisade et tu veux le partager au corps du Christ. Tu veux le partager à l'ensemble de l'Église. Nous t'invitons. Alléluia. Amen. Quelqu'un a vécu quelque chose d'extraordinaire pendant ces 6 mois. Et veut le partager à l'Assemblée. Amen. Je viens, je te présente. Et tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi pendant ces 6 mois. Est-ce que tu as fait
Mais bon, comme elle est déjà, elle va prendre le micro. Amen. Donnez-lui un micro. Une ou deux intercesseurs derrière. Amen. On a oublié de dire. On a. C'est ceci. Vraiment, on était dans l'ignorance totale. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a enlevé plus loin. Amen. Alléluia. Mon témoignage est très long, mais je n'ai pas rentré ici. Alléluia. Je vais attendre. Quand le Seigneur va donner le jour, je vais rendre tout en même temps. Amen. Mais ce qu'il est d'abord, là, je vais rendre ça. Amen. Vraiment, comme je le dis, il m'a enlevé de loin. Alléluia. Avant que les papas n'arrivent vraiment chez nous là-bas. À Gonfla. À Gonfla. Vraiment. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Mon mari, lui, il était déjà sur une église de la voie large. Et il y avait trop de choses là-bas. Et nous-mêmes, les difficultés, vraiment, ça nous avait envahis. Et on cherchait vraiment la vérité. On cherchait la vérité. On cherchait vraiment la vérité. On avait soif de la vérité. Et à chaque jour, c'est un jour, mon mari est tombé sur la page du papa. Et il a vu ça. Il est venu m'a montré. Je dis, ah, vraiment, c'est que nous aussi, on va suivre. Et c'est à partir de là, nous aussi, on a commencé à se dépouiller. On a commencé à se dépouiller, on a commencé à enlever tout ça sur nous. Et on a commencé à enseigner ça aux autres aussi. Que vraiment, le Seigneur est bon. Nous qui avons soif de Jésus, là, voilà la vérité, voilà la vraie voie. Voilà au ciel, là. Voilà ce que le Seigneur nous envoie. Et on a commencé à suivre. Souvent, mon mari met la vidéo même à l'église. Pour les projections, on regarde. Et au fur et à mesure, en tout cas, le Seigneur touchait le cœur. Et vraiment, tout le monde était libéré, dépouillé et autres. Alléluia. Vraiment, c'est alléluia. Je veux vraiment dire merci au Seigneur. Amen. Un grand merci au Seigneur. Amen. Je ne veux pas tout le monde dire. Un grand merci au Seigneur. Parce qu'il m'a enlevé de loin. Il m'a enlevé de loin. Amen. Il m'a enlevé de loin. Tout ça, c'est tout ce que je fais. Il lui dit merci. Il m'a enlevé aussi des églises de la voie large aussi. De m'avoir enlevé vraiment dans tout ce qui n'était pas bon. Amen. Je me prostituais pour de l'argent, pour rien. Alléluia. Vraiment. Je dis merci au Seigneur. Alléluia. De m'avoir délivré de tout cela. Amen. De m'avoir délivré de toutes ces choses-là. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Pour la suite, là, ça vient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vraiment, je dis merci au Seigneur Jésus parce que je ne savais pas que j'allais partir à la mission. Et puis faire au moins 5 mois là-bas. Parce que bien avant de partir, bien vrai que j'avais des soucis à la maison. J'avais des soucis parce qu'on n'a pas l'habitude de dire qu'il m'a mis à l'école. Il a permis que je parte à l'école jusqu'à faire la licence. Et puis je ne fais rien, je suis assise là. Donc tous les jours, il me persécutait, il parlait. Il dit, depuis combien de temps tu as arrêté d'aller à l'école, il faut faire, tu vas m'honorer. Tous les jours, il disait ça. Et vraiment, ça me faisait très mal parce que je déposais les papiers un peu partout et il n'y avait rien. Donc, j'étais assise en train de penser à mon travail. Et puis, je vais à l'église, on me dit que vraiment, on demande que des personnes partent à la mission. Que vraiment, les hommes de Dieu ont besoin des personnes. Et j'ai dit, ah, moi, je travaille des... avant de partir à la mission. Donc, je commençais à parler comme ça, je murmurais. Et l'homme de Dieu a dit que tu veux partir à la mission. Et vraiment... sur le coup, j'ai levé ma main d'un coup. Et je n'ai même pas pensé, je n'ai pas réfléchi à ce que mes parents allaient dire ou bien quoi que ce soit. J'ai levé ma main et j'ai donné mon nom. Et c'est là que je suis partie à la mission. Et arrivé à la mission de Pala, lorsque nous sommes partis à la montagne, mon papa était sur Facebook et puis il a vu l'image où on était en train d'escorter un truc là. On était sur la montagne et il a fait capture. Il est venu dire à mes frères que, au lieu d'aller sur le travail, elle fait une montagne. Tu vas grimper à la montagne. Et si une montagne, elle va monter. Donc, mes frères m'ont rien dit. J'étais là jusqu'à arriver à Dalois.
J'avais ça à cœur, ça me faisait mal parce que je disais au Seigneur que vraiment je dois honorer mon papa. Si je n'ai pas honoré mon papa, il va continuer de parler. Puis les paroles là, ça va créer des malédictions dans ma vie. Donc j'étais toujours là en train de parler de ça, en train de parler de ça. Et quand je suis arrivée à Galois, il m'a envoyé une vidéo où l'homme de Dieu est en train de dire d'honorer ses parents. Et j'ai montré la vidéo à l'homme de Dieu, à Apôtre Élisée. Et c'est lui qui a commencé à me parler. Il dit, travaille à ça. Tu vas voir que vraiment, il faut laisser ton papa. Présentement, il ne sait pas. Mais travaille, tu vas voir. Il m'a laissé remonter le moral. Et j'ai dit, j'ai compris. J'ai compris, mais je n'arrivais même plus à parler à mon papa. Parce que quand je l'appelle au téléphone, il a parlé. Il me fait comprendre que tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école et puis faire rien. Donc tous les jours, il essayait de me mettre ça à l'esprit tous les jours. Il a fait un concours, ça n'a pas marché. Donc quand je suis arrivée à la mission, qu'on sortait tous les jours, on sortait, il était avec des frères, donc j'ai essayé d'oublier un peu ce côté. Et le Seigneur a fait grâce. Moi-même, j'ai commencé à avoir confiance en moi-même. Parce qu'au moment où je partais, j'avais même pas confiance en moi. Parce qu'il me dit que c'est parce que je suis pas bonne à quelque chose, à cause de ça, depuis je dépose mes papiers, personne ne m'appelle, je passe concours, ça ne passe, ça ne prend pas, tout, rien ne va. Donc vraiment, c'est ce que je me disais. Mais quand on est parti à la mission, au départ, même pour prier, pour une âme, je pensais d'abord à moi. J'ai dit, ah, avec la situation que je traverse, est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Et vraiment, arrivé à un certain moment, les hommes de Dieu vraiment nous motivaient. Quand il y a une âme qui vient, va prier, va prier. Et c'est là que j'ai commencé à faire feu sur les gens. Et puis les gens aussi étaient en train de vomir leurs semences. Donc moi-même, j'étais étonné, j'ai dit, eh, donc moi, j'ai fait délivrer quelqu'un. Et vraiment, c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je tenais vraiment à dire merci au Seigneur pour la vie de ses serviteurs, de ses servantes. Et la vie aussi de mes petites soeurs que j'ai eues là-bas. Parce qu'il faut dire que pendant que je suis à la maison, mes petites soeurs ne sont pas dépouillées. Et toujours quand je prends ma Bible, elles se moquent souvent. Je dis, hey, maman Marie, hey. C'est comme ça qu'elle m'appelle, elle commence à se moquer de moi. Et quand je suis venue à la mission, j'ai eu des petites soeurs. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Le Seigneur m'a donné de nouvelles sœurs, de nouveaux frères. Je dis merci au Seigneur Jésus. Vraiment, c'était mon témoignage. Je lui dis merci parce que c'est que ce qu'il a commencé, il va terminer. Donc, merci. Alléluia. Si avant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Et je déclare qu'à l'instant même, tu es béni dans la ville. Et tu seras béni dans la campagne. Et je déclare aussi que tu es béni dans la campagne. Tu as dit que jusqu'à présent, rien ne te souillait. Les portes étaient fermées. Oui, parce que tu as consacré ton temps, ton énergie, ta jeunesse à servir l'Éternel. Malgré les tumultes, malgré les mépris, les méchancetés, je déclare une fata sur ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare une fata sur ta vie. Au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, le Seigneur ouvre une porte en propre. Au nom de Jésus. Je déclare sur la page de ma tête physique qui dit que tout ce que je dirai sur la terre sera lié dans les cieux. Maintenant même, c'est en toi ta terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Il s'attache à ton esprit. Cet emploi s'attache à ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Témoigner de ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On attend pour le témoignage. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Témoignage. Comment tu vas laisser la vie, Dieu, tu vas rester dans la douceur et dans la fête. C'est que ce n'est pas Dieu que tu as laissé la vie. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, comment vous, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous salue dans le beau nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Mon témoignage, je peux dire que c'est un remerciement. Amen. C'est vrai, depuis quand ils ont lancé l'appel, l'appel pour la mission, je me suis dit, ah, moi aussi, où je suis là, actuellement, je ne travaille pas puisque j'ai un problème de main. Je n'arrive pas à saisir le but du travail, j'ai arrêté. Donc,
pas ne pas aussi aller me faire inscrire. Je suis partie, il y a quelqu'un qui me dit que ah, là-bas, là, on travaille dur. Hein. Je dis, c'est pas grave. Que si je vais, ce que je peux faire là, Dieu va permettre à ce que je puisse faire. Alléluia. C'est comme ça que j'ai mûri dans ma pensée. Donc, le moment est arrivé, quand la servante de Dieu, Sarah, m'a appelé pour dire que ah, on dit tu vas à Daloa. J'ai dit, oh Seigneur, je bénis ton nom. Amen. Ah, donc je m'en vais à Daloa. Ce qui est sûr, Dieu va faire le reste. C'est comme ça que je suis partie. Moi-même, je ne savais pas que le petit effort que j'ai fourni là-bas, là, je pouvais le faire. Mais Dieu s'est manifesté, s'est glorifié. Alléluia. C'est pourquoi je dis merci encore à Dieu. Amen. Papa. Oui. Bien sûr, bien sûr. Maman y'a bien, maman y'a bien, maman y'a bien, nous sommes à haut. Et maman y'a bien, 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 Alléluia. Donc quand arrivé à Daloa, habituellement quand je suis ici, deux fois je vais dans les hôpitaux au CHU, souvent c'est au CHU. Je vais, je prie pour des gens. Mais je ne sais pas si Dieu fait quelque chose ou bien il ne fait pas. Mais Dieu merci, c'est à Daloa. Quand je suis partie à l'hôpital de Daloa, nous sommes rentrés. Je suis partie, j'ai trouvé le vieux couché, sa petite famille à côté. Et la voix me dit, dis au vieux qu'il ne va pas mourir. C'est comme ça que je me suis approchée. Quand j'ai salué, la maman en question a répondu en parlant. J'ai dit, ah Dieu merci. Après je pensais là, ça a quitté là aujourd'hui. J'ai commencé à les signer en même temps. Et j'ai dit, maman, papa là, il faut lui dire qu'il ne va pas mourir. Le vieux était dans le coma. Un des jours, ça fait 3 jours, on est là. Je l'ai regardé, j'ai dit, papa, il ne va pas mourir. Et je l'ai imposé la main. Et j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit à maman, d'ici 3 jours, ils vont vous demander de rentrer à la maison. Elle me dit, yo, ma vie, ce que tu as dit là, que Dieu entend ça. J'ai dit, Dieu a déjà entendu. Il va retourner. Et la maman m'a attendu un billet de 1000 francs. Elle dit, ma fille, faut boire l'eau. J'ai dit, maman, vous qui êtes venue à l'hôpital, là, c'est moi qui dois vous donner. Elle dit, faut prendre. J'ai dit, d'accord. Cet argent-là, je vais rendre ça à la maison comme un témoignage aussi pour dire que je suis venue, Dieu a fait quelque chose. Voilà ce que j'ai vu. C'est comme ça, je suis arrivée à la maison et j'ai parlé. Et ce jour, j'ai prié pour 3 personnes. Et ces 3 personnes, très tôt le lendemain, très tôt le matin, il y a un encore qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait un problème de suffisant rénal. Et quand j'ai prié, il m'a dit, ah, si réellement Dieu me guérit là, je vais le servir. J'ai dit, mais c'est ta parole qui va démontrer que tu es guéri. C'est comme ça. Le lendemain, quand ils m'ont appelé, les 3 personnes m'ont appelé. Vraiment, j'étais dans la joie et j'ai béni encore Dieu. Alléluia. Je lui ai rendu toute la gloire. Que Dieu bénisse tout ce qu'on fait. Shalom, shalom, bébé. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur parce que au moment des croisades à Daloa, en tout cas, je vivais, mais mon esprit n'était pas en moi. Vraiment, ils ont enchaîné mon esprit dans les eaux. Maintenant, le Seigneur m'a permis, pendant les croisades de Daloa, en tout cas, mon esprit est revenu en moi. Vraiment, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi.
Je ne peux pas l'oublier, tu m'as Shalom. Pour mon témoin, c'est un témoin de remerciement. Je vais dire un grand merci à Jésus. Parce que quand on est arrivé à Kororo, une semaine après qu'on est arrivé à Kororo, un jour il était à la cuisine et mon téléphone était dans la chambre. Je suis allée trouver des appels en absence de ma petite soeur. Donc quand je suis arrivée dans la chambre, il est rappelé. Elle m'a dit, ah grande soeur, maman est en train de mourir. Et aujourd'hui là-bas, elle allait au champ, mais elle a eu un mot de pronton, elle est tombée là-bas. C'est quelqu'un qui l'a vu et qui l'a ramené à la maison, qui actuellement ça ne va même pas. Et j'ai appelé maman. Mes mamans les a interdit de me dire parce qu'elle les a dit non, je suis en mission. Qu'il ne faut pas qu'elles vont me dire. Et moi j'ai appelé maman. Quand elle a fini, il est venu échanger avec elle, il a appelé maman. Elle dit, ah maman, ma belle-sœur m'a dit, elle m'a appelé, elle m'a dit non, tu ne sens pas bien. Elle dit non, il n'y a rien, il ne va pas très bien. Elle dit, ok, Dieu merci. Ça n'a pas duré, ma grand-sœur m'appelle encore, elle dit, ah, petite sœur, maman est en train de mourir. Et si tu ne fais pas quelque chose, elle va mourir. Parce qu'en 2021, elle avait piqué qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital, ils ont dit c'est cancer d'estomac. Puis on devait l'opérer. Mais ils ont fait les médicaments, ils l'ont donné quelques médicaments, ils ont dit non. Ils l'ont interdit de manger certaines choses. Et le médecin a dit, si ça revient encore là, ils vont l'opérer. L'opération a coûté 600 000, sans compter les médicaments qu'on va acheter encore. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit, ah c'est même cancer d'estomac qui est revenu, donc on va opérer maman. Et à ce moment, je n'ai pas d'argent. Et elle a dit, mais viens d'échanger avec elle, elle a dit, il n'y a rien. Elle dit, elle nous a interdit de te dire parce que tu es en mission. Ne pas que tu laisses la mission pour venir à Dieu. Donc elle nous a dit, je n'ai rien te dire. Et moi j'ai rappelé maman, elle m'a dit, maman, pardon, faut me dire la vérité, tu as quoi? Elle dit, ma fille, je suis en train de mourir. Et fais quelque chose, sinon je vais mourir. Et j'ai coupé le téléphone parce que j'étais dépassée. J'ai coupé le téléphone et j'ai commencé à pleurer, Seigneur. Non, maman va mourir, quoi. J'ai commencé à pleurer, Je suis allée voir maman qui s'est dit, ah, maman. Que voici ce que ma petite soeur m'a dit. On dit, maman, je ne sens pas bien. Elle a dit, aïe. Mais toi, j'ai eu seulement les genoux. Va prier pour ta maman. Et je suis allée rappeler maman encore. J'ai dit, maman, tu as porté où tu es allée à mettre sur ta tête. Elle dit, je suis en train de mourir, c'est le mec qui parle. Je sais, tu me demandes si elle met sur ma tête. Que vous priez pour moi. Donc, il a prié pour elle. En fait, il a dit de faire sa récompense. Elle a fini. Donc, j'ai prié pour elle. Quand elle est venue prier pour elle, elle m'a dit, et elle a demandé si elle sentait comment. Elle m'a dit, avant que je ne prie pour elle, elle avait vraiment froid. Qu'elle cherchait un drap même pour se couvrir tout ça. Mais quand elle a commencé à prier, c'est comme si ils étaient en train d'allumer feu dans sa chambre. Et quand elle est venue de prier pour elle, c'est comme s'il y avait du feu dans sa chambre. Quand elle a commencé à transpirer, juste elle avait s'asseoir dehors. Parce qu'elle avait tellement chaud. Et après ça, j'ai prié à cause parce que j'étais vers les 22h. Donc le lendemain, je l'ai appelé. En fait, elle m'a dit non, ça allait un peu, mais quand elle mange là, elle n'arrive pas à manger parce qu'elle mange là, ça recommence encore. Donc je l'ai dit, il a dit d'aller prendre comme un verre d'eau. Elle a pris l'eau et moi j'ai prié. Il a dit l'eau que tu es en train de boire, c'est pas de l'eau, mais c'est le sang de Jésus que tu bois. Qu'il faut boire et tu vas pouvoir manger. Elle a pu le boire. Après ça, le soir, il a appelé, elle a dit ah. Je peux manger un peu, il arrive à manger un peu sans douleur. Elle dit, ah, gloire à Jésus. Le lendemain encore, je l'appelle, elle dit, ah, ça va un peu. Donc, quelques jours après, elle allait en ville, elle allait voir mes petites soeurs. Donc, elle arrivait là-bas, elle a piqué crise encore, donc elle avait froid. Elle allait à l'hôpital. Et quand elle est arrivée là-bas, le même monsieur qui l'a dit, non, elle avait cancer d'estomac, qu'elle devait être opérée de 600 000. Le monsieur l'a regardé jusqu'à le monsieur m'a dit, ah, il me l'a dit. Mais tu n'as rien, c'est pas lui que tu as, mais pourquoi je vais nous fatiguer? Parce qu'avant ça, quand Mokizan m'a dit d'aller prier pour maman, elle a dit aïe. Mokizan m'a dit aïe, mais tu es venu à Kororo, c'est pas l'œuvre de Dieu. Elle dit si. Elle dit mais va prier pour ta maman. Donc elle prie avant de prier, elle dit mais je suis mis en lui, Seigneur. Moi, quand il était à Yaoura, il n'est pas dit qu'il veut venir à Kororo. C'est toi qui m'envoies à Kororo. Et si tu me connais comme ta servante, qu'est-ce que le réveil international, c'est si c'est vraiment toi qui nous dirige, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu guéris, maman, là? Je vais témoigner, je vais dire au monde entier que toi, tu es Dieu, que tu es le médecin par excellence. Et il m'a prouvé qu'il est le médecin par excellence. Et je lui ai dit, c'est pourquoi je
devant vous ce matin pour dire merci à Jésus qui a guéri ma maman. Au lieu d'opération de 600, plus de 600 000, aujourd'hui maman se porte très bien et elle n'a rien. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu pas partir, tu pas attendre un peu. Ah, tu vas attendre un peu. Alléluia. Alléluia. Quand quelque chose est bon, faut dire c'est bon. Alléluia. Où est la servante de Dieu? Est-ce que c'est une grande, une véritable servante de Dieu? Alléluia. Une brave femme. Alléluia. Bien-aimée. Une guerrière de l'éternel. Elle fait délivrance. Elle fait cuisine. Elle fait tout. C'est elle qui s'occupe de nous. Qui s'est occupée de nous depuis Korogo jusqu'à Jacques. Acclame le roi de roi. Alléluia. Et la bénédiction attachée à là qu'elle a posé. Que le Seigneur l'a béni sérieusement. Alléluia. Elle n'est pas la seule. Alléluia. Mais comme c'est elle qui s'est mise devant, c'est pourquoi on, comme on appelle, je parle de cela. Alléluia. Il y en a plusieurs. Mais est-ce que le Seigneur Jésus te bénisse? Alléluia. Acclame le roi de roi. C'est mon âme. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, mon témoignage, c'est un remerciement pour vous remercier, Seigneur. Parce que le béni de mon goût aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ce n'était pas vraiment évident que je sois vivant de la mission. Franchement, vous avez tellement vu les images que papa a postées, mais ceux qui étaient sur le terrain, vraiment, ils étaient au cœur même de la chose. Et aujourd'hui, le béni là en chair et en os, c'est tout un témoignage. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai commencé la mission à Belloa. Je me rappelle lorsque papa m'a dit de venir. C'était seulement pour 2 semaines. Et il m'a dit si tu te comportes bien, si Dieu permet, tu vas chérir avec nous. Mais il faut dire qu'au cours de la mission, puisque je souffre de l'as. Et lorsque la pluie me tape, vraiment je fais des crises. Donc, je me rappelle, nous sommes allés un soir à l'évangélisation et alors, de ça, il a plu. Sur une forte pluie ce jour-là, on était tous trempés. Bien avant ça, ma passage, j'avais signalé à papa que vraiment je souffrais de l'asthme. Et j'avais déjà informé de mon état de santé. Et quand nous sommes arrivés à la mission à Daloa ce jour-là, il a tellement plu. On était tellement trempés, il devait être au jour de minuit par là. J'ai commencé à crier, puis je dis à papa que je sois. J'ai du mal à respirer. Il m'a dit, d'accord, on va te prendre une pompe à côté. Mais je n'avais pas besoin d'une goutte disponible parce que Élie Stéphane et les autres convergents déjà vers la maison pour chercher à déposer le lien aimé avec les appareils. Et là, j'ai commencé à faire la crise ce jour-là, vraiment, ça a commencé. Et ils ont dû appeler un taxi, m'emmener à une pharmacie de poche chercher une ventoline. Et par la grâce de Dieu, le pic n'est pas arrivé. Mais je dis par la suite, c'est à chaque fois que on sort et que la pluie me tape, vraiment c'est pénible. Et on a prié comme ça par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à souper. C'est là-bas que vraiment le diable a réuni sa queue. Mais Jésus est Dieu, il n'a pas permis que le pire arrive. Il m'a dit qu'un soir, lorsque nous avons fini la prière du soir, bien avant ça, même dans la journée, j'avais des palpitations. Et quand c'est comme ça, je fais le bonheur où je dis je bois parce que la ventoline ne me soulage pas. Donc, je payais même la boîte de bonheur rouge et puis j'ai bu. Pensais que ça allait me soulager, mais vraiment le mal a persisté. Et après, le début du soir à la maison, il était déjà minuit. Ça n'allait pas. J'ai dit, ah papa, vraiment, je me sens mal. J'ai mal au cœur. Il dit, bon, tu veux qu'on tombe à l'hôpital? J'ai dit, non, papa, c'est pas nécessaire. Puisque j'ai déjà eu une ordonnance sur moi d'une pompe, comme on avait prescrit à ma salle ici, quand je suis à l'hôpital. Il m'a dit d'accord, on va, je pars avec Daniel, le bien-aimé qui est là. Il est arrivé au cœur de la voiture, il était minuit. Et Daniel a pris le véhicule. Nous sommes allés chercher une pharmacie de gaz. La première pharmacie qu'on a trouvée n'était pas de gaz. Et déjà dans le véhicule, j'ai commencé à suffoquer. Je n'arrivais plus même à respirer dans le véhicule. Il y avait un homme de Dieu, une maison de Sucre-Voix qui était là. Et on était trois dans le véhicule. Donc, la deuxième pharmacie qu'on a trouvée, quand elle est descendue, il a dit, bon, je prends l'ordonnance, je pars acheter le médicament, je reviens.
Je suis allé à la pharmacie, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas la pompe que je voulais, mais c'est la botonie qu'il y avait. Dans le temps, la chèvre, la botonie pour le chez les gens, je peux dire que j'avais déjà perdu connaissance dans le véhicule. Je n'arrivais plus à respirer. Lui aussi, pour une panique, il est venu. Je ne savais pas dans quel état j'étais. Il a payé seulement la même botonie que j'ai dans mon sac, qui ne me soulage pas. Ils ont essayé de me tromper la botonie jusqu'à à se renseigner pour qu'on trouve l'hôpital général de Soubré. Et là, ce moment, j'étais inconscient, puis on m'a venu à l'hôpital. Donc, j'ai arrivé à l'hôpital, puisque j'étais déjà une heure. Les infirmiers pris de panique, ils m'ont mis dans le fauteuil roulant. Et ils n'ont pas pris le soin de mettre mes mains, ils ont laissé balancer mes mains. C'est comme ça, mon pouce est rentré dans le rayon du pneu. Et en roulant, ça a cassé mon gros pouce. Donc, ça dit, je mercredi nuit, aujourd'hui nuit, en espace de, je dirais, un jour, on m'a déjà fait presque 20 injections. Sans compter quelques sirops. Vraiment, c'est pénible. J'arrivais plus à respirer, vraiment, c'est pénible. Donc, le matin, quand je me suis retrouvée, que j'ai constaté que mon poignet était enflé. Et la douleur arrivait jusqu'à mon épaule droite. Je savais pas les filles, elle me dit vraiment, j'ai mal. Je n'arrivais pas à bouger mes mains. Elle m'a dit non. Puisque ton état était tellement critique, tellement fait l'élection, en voulant trouver le nez qui est sur le bras, on a dit que piquer un peu partout sur les mains, c'est ce qui a fait que tu as le poignet enflé. Je lui ai dit non, je n'arrive pas à bouger les mains. Je pense qu'il a trouvé que l'os s'est cassé. Et quand le médecin est venu, il m'a dit bon, tu vas aller voir le chirurgien. Mais quand il dit qu'on a fait 3 jours à l'hôpital, qu'on parle pas, il a signifié tout à l'heure. Dans la journée, ça va un peu. Mais jusqu'au soir, je rechute. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu des médicaments qu'ils ont prescrits, pour faire tromper. Et ils ont mis pas d'injections qu'on ne devait pas me faire. Je crois que le deuxième jour après, ça m'a fait la radio de mes poumons et de ma main. Je veux même taper ma main à la suite de ça. Donc, les jeunes infirmiers qui sont venus, qui étaient déjà ce jour-là, ont comparé les médicaments, ils ont vu qu'il y avait des ampoules injectables qu'on ne devait pas me faire à cause de l'état gaz. Ils devaient même me conduire à la mort. Ils ont trouvé avec ma chérie qui est partie. J'ai dit oui. On dit, mais normalement, on ne va pas se piquer ces injections-là. Mais pourquoi ils ont fait? Bon, mais je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis le mari qu'ils ont mis. Vraiment, le pire n'est pas arrivé. Et le Seigneur a retiré ces 2 ampoules de mes médicaments. Et vraiment, le Seigneur a permis que je sorte. Mais il faut dire que pendant que j'étais là-bas, pendant que je souffrais, il y avait même des soirs, je ne pouvais pas dormir. J'avais à la fois l'envie de me lever, à la fois l'envie de m'asseoir, à la fois l'envie de me coucher. Je sentais ces 3 sensations à la fois. Je ne sentais pas que je devenais folle. Vraiment, c'était pénible. Il y avait Daniel, tous les gens étaient vraiment qui venaient m'assister, vraiment, c'était pénible. Et papa, à chaque fois, papa avait venu me voir, vraiment, c'était pénible. Mais le Seigneur, j'ai dit que Dieu a permis que je sois de là, vraiment vivante. Donc vraiment, je vais seulement dire merci au Seigneur. Et pour ma main, le père a été mis sur 3 semaines, après que 1 mois. Le Seigneur a pris dans le lit de ma main, vraiment, et en voit le pas. Je dis, Dieu, je remplis ma main au Seigneur, je dis. Qui a permis que je puisse assister également à l'évangélisation. Je sais que maman Sarah m'avait encouragée. Et je dis, maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller à l'évangélisation, c'est intéressant. Hein? Je dis, oui, maman, j'arrive. Et au moment où j'ai décidé d'aller, voilà ce que le diable va faire. Il m'a donné un marché. Je dis, ah, maintenant j'ai eu un marché. J'ai tellement prié pour ce marché. Maintenant, c'est arrivé, il y a l'évangélisation. Bon, je vais attendre quand ils vont venir à Jacques-Ville. Maintenant, la nuit, le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, ma fille, laisse tout ça là. Va à l'évangélisation. Si c'est pour tes enfants, je vais prendre soin. Laisse tout et va.
Donc, comme le Seigneur s'est révélé, il m'a pratiquement chassé. Donc, je suis partie, j'ai tout laissé, puis je suis partie. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup à l'évangélisation. Ici, à Bassam, je ne faisais pas la délivrance. Mais arrivé là-bas, il fallait mettre la main à la pâte. Mais quand je suis revenue de l'évangélisation, aussi, le Seigneur dit, retourne à Bassam, va à Bassam mercredi, il faut garder ce feu. Je ne pouvais pas rester. Donc mercredi, encore, j'ai couru encore pour venir à Bassam pour être à la délivrance. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est à l'évangélisation que j'étais plus proche de maman chrétienne. Ici à Abidjan, on s'est salué, mais à l'évangélisation, on dormait ensemble. Et j'ai vu en elle une femme simple. J'ai dit, waouh! C'est-à-dire qu'il faut approcher les gens pour pouvoir les connaître. Et également, papa Abraham, à l'évangélisation, vraiment, j'ai trouvé un homme simple. Papa Elie, tout ça. Papa Elie, tout le temps en train de m'encourager. Je dis, waouh. À Abidjan, j'étais loin d'eux, mais à l'évangélisation, voilà. Je l'ai côtoyé et j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que j'ai appris beaucoup. Et en plus, j'ai appelé tout le monde. On était une famille. Il y avait de l'amour. Je sentais l'amour qui dégageait de tout le monde. Et l'amour également du Seigneur de l'œuvre. Je voyais les gens en chaleur vraiment. En rage, ils veulent arracher les âmes pour le Seigneur. Et ça, ça m'a beaucoup encouragée. Je pense que c'est pourquoi le Seigneur m'a chassé pratiquement d'Abidjan. Va voir. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Bon, chacun a ses émotions. Et moi, j'ai été très touchée par cette évangélisation. Parce que avant même de venir à la nouvelle doctrine, à cette église, à la sainte doctrine, je ne croyais pas trop. Avec ce que j'ai vu avec les églises là, je ne croyais pas trop que vraiment je trouverais quelque chose de différent. Mais quand je suis arrivée au début, je tout aboutis, et puis je commençais à croire. Et quand j'ai vu cette évangélisation, pour moi, c'était comme une évangélisation des églises larges. C'est la même chose. On s'en va, on parle aux gens, on revient. Mais quand sur la vidéo, j'ai vu une œuvre en profondeur, jusqu'à détruire les œuvres des ténèbres en profondeur, j'ai commencé à croire un peu. Et finalement, j'ai commencé à être convaincue. Surtout quand je fais ma délivrance, j'ai commencé à croire. Et mon émotion est très grande. Je ne pouvais pas, c'est vrai que je ne suis pas parmi les 6 personnes qui devaient rendre témoignage, mais je suis tellement émue que je voulais présenter un chant pour toute cette situation qui m'a vraiment confiée. Voilà. C'est pour ça que je chante. Je chante aussi parce que le Seigneur a longtemps souffert pour trouver un homme ou bien des hommes qui peuvent accomplir la seule doctrine. Il a été déçu, il n'a pas trouvé. Et il allait chercher là où il fallait, il a trouvé. Et pour ça aussi, vraiment, il faut louer non seulement Dieu, mais le serviteur idéal et les hommes de Dieu qui le soutiennent dans cette œuvre. C'est pour ça que mon émotion est grande, je veux chanter. Parce que Dieu, je l'ai découvert réellement ici. Et quand tu as découvert quelqu'un, tu ne voudras jamais le remplacer. Donc c'est ma chanson. Et c'est parce que le groupe musical connaît ce chant. Vous pouvez me soutenir parce que je dis un peu les paroles. Bon, je ne sais pas, mais je vais expliquer. Même je peux. Si un ange venait m'appeler. Voilà. Si un ange venait m'annoncer quelqu'un d'autre, un autre Jésus-Christ, je vais de celui qui fut cloué
parmi les soldats qui devaient se rendre un peu partout en Côte d'Ivoire pour libérer les prisonniers, pour libérer les captifs. Et pendant l'évangélisation, avant même qu'on arrive à cela, un jour j'étais avec mon père et je lui demandais, mais comment on doit faire? Il me disait toujours que lorsque tu peux gérer, tu peux prier, tu peux gérer, tu peux prier, mais si tu ne sors pas, si tu ne sors pas pour évangéliser, si tu ne sors pas pour parler du Seigneur, le Seigneur pourra manifester sa gloire au travers de toi. Parce que l'onction n'est pas statique. L'onction est en gestation, en mouvement. Donc plus tu es en mouvement, plus tu te déplaces avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi travaille avec toi. Et c'est en cela que il m'a dit une parole. Il dit, lorsque vous êtes à Bassan, vous faites la délivrance, vous chassez les démons, vous imposez les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Vous pouvez faire les choses, mais ces choses-là peuvent prendre encore du temps. Mais lorsque vous sortez, vous vous retrouvez dans une ville, dans un village, dans un hameau, dans un campement, l'onction se manifeste en deux ou se multiplie par deux. Et bien aimé, pendant la période d'évangélisation, comme ça m'est arrivé à Corongo, on te voit quand tu pries un peu pour un cas, vraiment, on voit que l'esprit se manifeste là. Ça dure un peu. Ça va durer un peu. Mais pour, quand nous sommes arrivés à Corongo, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, mon frère, faut jeûner 3 jours. Faut jeûner 1 semaine. Non, 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 non. La personne vient à son problème, une fois que la personne ne lui parle assez d'autrui, la personne adhère assez d'autrui, automatiquement quand tu prends l'autorité, l'esprit se manifeste. 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 Et tu dis, waouh. Donc j'ai compris que le problème là, c'était pas en réalité les âmes, c'était pas en réalité la vraie vie, mais c'est nous. C'est en réalité nous-mêmes. J'ai compris que tu n'as pas besoin de dire que je vais gérer 3 jours. Parce que c'est toi qui es le ministre, c'est toi qui es le serviteur de Dieu. Tu dois vivre une vie de consécration. Une vie qui est mise à part. Tant que tu es mise à part, tant que tu es consacré, tant que tu es consacré dans le jeûne et dans la prière, peu importe ta situation, que tu sois devant quelqu'un qui a gêné, que ce soit quelqu'un qui n'a pas gêné, lorsque tu vas prendre l'autorité, l'esprit va se manifester. Et quand les gens venaient, on ne disait plus, va gérer 3 jours. Quand ils venaient, on dit, mon frère, fais repentance et puis on commence en même temps. Fais repentance, on commence en même temps. Fais repentance, on commence à vivre en même temps. Et le Seigneur a commencé à se manifester. Et pendant ces moments, on était submergé, on était fatigué. Mais à cause de l'amour, parce qu'il y avait des personnes qui étaient malades au milieu de nous. Mais quand on disait, bon, 2 semaines arrivées, la liste est arrêtée, bien que même les gens étaient fatigués, mais les gens ne voulaient pas entrer. Bien que les gens même étaient fatigués, ils ne voulaient pas entrer. Parce que les gens avaient soif. Les gens voulaient servir Jésus. Les gens voulaient manifester Jésus. Les gens voulaient ressembler à Christ. Quand ils disent cela, les gens sont cachés. Ils disent non, ah, moi, je parle de Christ, je ne parle pas d'esclave à Jacques-Philippe. Et c'est en cela que le Seigneur, 2 semaines tu passes, tu partais, d'autres venaient. 2 semaines tu partais, d'autres venaient. Et pendant ce moment, bien que il y avait la maladie, parce que je suis tombé pendant. Pendant les 5 mois, pendant les 6 mois, je suis tombé 3 fois. Malade, c'était pas lui, fatigué, tout ça. Bien qu'on était fatigué, bien qu'on était fatigué, on ne savait même pas comment on allait faire. Mais bien aimé, on te jette, on te met piqûre, on te met ballon. Et puis quand tu es assis comme ça, il y a car, tes bras, c'est là. Et bien, tu es malade, hein, ils t'ont mis sur l'homme. Et puis tu es dans ça encore. Tu as oublié que tu es malade.
C'est quand tu vis des aspects là. Maladie là, mais ça va arriver une fois même. Oh, j'ai envie de faire ce. Et c'est comme ça. On était déjà. Et ça nous donne encore plus d'expérience de pouvoir nous consacrer davantage, de pouvoir nous mettre à part encore. Parce qu'on a vu que, avec le peu qu'on avait fait là, combien de fois le Seigneur s'était montré. Et si on prenait encore la résolution d'aller plus haut encore le Seigneur, peut-être même là, c'était une résolution des morts. C'était des miracles passés par là. Et la deuxième chose qui m'a marqué, pendant à chaque fois qu'on finissait une mission, on était toujours confronté à un berger et à des troupes. Tous les temps qu'on a fini à Pororo, qu'on partait sur Touba, on a croisé toujours un berger. Homme de Dieu, excuse-moi. En fait, c'était toujours le signe pour dire que la mission était finie. À chaque fois qu'on en sortait d'une ville, c'est comme si un berger rentrait maintenant avec le bétail, déposait le bétail. Et l'homme de Dieu disait, on disait que la mission est finie. Le Seigneur Jésus a récupéré ses bébés. À chaque village, à chaque fois qu'on en sortait, le Seigneur nous donnait ce message-là par le berger qui devait sortir. Et puis, vous allez voir même que souvent même là, devant des énormes bêtes, mais c'était un petit garçon, un enfant de 10 ans, 12 ans, qui contrôlait toutes ces choses. 10 ans, 12 ans. 10 ans, 12 ans. Et souvent en pleine forêt. C'est ce qui m'a marqué le plus. Alléluia. Je me rappelle à la sortie de Fala. Gloire à Jésus. À la sortie de Fala. Évidemment, comme les hommes de Dieu l'ont dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on sortait d'un village ou d'une ville, on voyait le tout petit berger avec des bons des moutons. À chaque fois. Ce qui m'a sidéré, c'est quand on est sorti de Fala. On avait un gamin de 10 ans qui avait une quarantaine de bœufs avec lui et qui rentrait dans la brousse. Je crois que maman Christiane se rappelle et certaines personnes. Et c'était le symbole. Le Seigneur nous disait par là, voilà, vous avez gagné les bébés, regardez, elles sont en train de rentrer dans ma bergerie. Vous avez moissonné des âmes pour moi. Regardez, et c'était l'image, c'était la symbolique. À chaque fois qu'on finissait de gagner les âmes dans les villes, dans les villages, pour le Seigneur nous dit. Bien-aimé, ce qui m'a profondément touché, ce n'était pas le berger qui était devant. Mais c'était les bergers qui conduisaient le troupeau, c'était des jeunes. Les enfants. Ça veut dire, l'âge variait entre 10 ans et 12 ans. Mais le berger qui était devant, il s'arrangeait de telle sorte à cadrer le troupeau pour ne pas que le troupeau puisse se disperser. Il savait même quand il y avait des voitures, quand il y avait des motos même qui venaient, il s'arrangeait tout le temps pour que le troupeau puisse marcher dans la même direction. Et quand je voyais cela, il dit, ah! Le Seigneur Jésus n'a pas besoin que tu sois vieux pour t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu sois sorti pour t'utiliser. La seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ayons la volonté et l'amour de faire son œuvre. Parce que cet enfant, bien il conduisait le troupeau, mais il était jeune, 12 ans. Il pouvait se confronter peut-être à une bête, à un serpent, face au troupeau. Mais il n'a pas regardé à son âge. Mais il a regardé par l'amour et la passion qu'il aimait de conduire le troupeau. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te fasse la police pour faire l'œuvre du Seigneur, non. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, viens mercredi, viens vendredi, viens dimanche, viens mardi, va évangéliser. Mais quand tu as l'amour du Seigneur en toi, l'amour du Seigneur te pousse à faire son œuvre avec une ferme résolution et détermination. Ça m'a tellement marqué. J'étais assis derrière la voiture de lui. L'homme de Dieu debout. Et je disais que, ah, ce que j'ai envie de voir là, quand j'ai fini la mission, afin de Jésus là, je dois doubler encore de fond. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps.
Bien-aimé, c'est une chose qui m'a marqué. C'est une chose qui m'a marqué. Et ce qui m'a plus marqué, je disais, je parlais avec un de mes frères. Quand nous sommes arrivés à Taloua, quand nous sommes arrivés à Taloua, l'homme de Dieu Pierre de Benjamin, certainement vous ne connaissez pas celui-là, mais moi je connais celui-là. Mais où il est là, en tout cas, vraiment c'est un bon cas. Mais je vous dis en vérité, quand il est arrivé à Taloua avec nous, là où on tombait là, c'était comme un duplex, Donc on tombait un peu en haut, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place dans la chambre, on était nombreux. Hein. On voit plus de 12 personnes. Donc, ça veut dire que quand vous rentrez là, quand tu vois ta position pour dormir là, c'est ta position en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place même. Donc là, on se coincé jusqu'à. Il y avait encore des matelas géants. D'abord, des matelas géants. Ça veut dire qu'il est rentré là. Mais quand il pleut comme ça, nous, nous avons à boutir dans la chambre. Donc on a cherché un sachet pour placer. Donc quand il pleut comme ça là, la pluie tape. Mais je vous dis, l'homme de Dieu, il a fait quelque chose qui m'a marqué. Quand il est arrivé, on dit non, ouais, matelas va pas. Il dit non. Que lui, matelas, il ne veut pas. Il allait dormir dehors. Il allait se coucher dehors, dormir dehors. Il n'a pas contesté pour dire qu'il n'a pas eu de place. Il n'a pas contesté pour dire qu'il n'a pas bien dormi. Il n'a pas contesté pour dire qu'il n'a pas eu de place. Il a eu un petit morceau de paille là-bas. Il s'est mis quelque part là-bas, il a commencé à dormir. Le reste, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Donc, au travers de tout ce qui s'est passé, j'ai compris que le Seigneur, ça c'était une croyance d'évangélisation. Mais le Seigneur aussi voulait nous éduquer. Pour nous montrer que peu importe ton rang, peu importe ce que tu as, il faudrait que l'humilité soit ton partage. Il faudrait que l'humilité soit ton partage. Il ne faudrait pas que tu puisses. Tu as plus grand que l'autre, tu as plus supérieur que l'autre. Ça fait que maintenant, même, quand on a l'âge de nous là même là, personne ne se plaignait des conditions où il dormait. Quand je te pose, tu dors, l'essentiel. Quand tu arrives, Mathieu, ça s'est levé en temps au champ. Le rang, ça, c'est pas un problème. On se prenait pas pour dire non. Moustique nous piquait. On avait arrêté tout ça parce qu'on a vu que quelqu'un même qui se met dans le confort, quelqu'un qui se met dans le confort, il n'a pas regardé ça. Il a pris son temps, il s'est mis quelque part. Et il a dormi jusqu'à matin là. Il est tout souriant. Il ne même pas dans sa voiture. Il dit, la gars, on se réveille. Et quand il s'est réveillé, maintenant, quand il y a eu couvert, il dit, il ne nous a rien dit. Il dit, les gars, allons-y. C'est comme ça. Donc, depuis lors, on va quelque part. Tu as Moustico. Il n'y a pas Moustico. Il y a Moustico. Il n'y a pas Moustico. On doit aller. Parce qu'on a compris que c'était aussi une formation. Parce qu'il y avait des choses aussi que Jésus voulait briser en nous. Amen. Donc, il fallait passer par cette étape-là. Pour que le Saint-Esprit puisse briser le caractère qui était mauvais en nous. Pour ne pas qu'on puisse être des panneaux indicateurs pour le ciel, mais que nous puissions pas remplir. Ça pour dire à quelqu'un, bien-aimé, souvent là, cherche à acquérir des expériences, cherche à avoir des expériences avec le Saint-Esprit, c'est bon. L'argent, c'est bon. Ta maison, tes enfants, mais toi-même. Est-ce que tu es un avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es un théorie avec le Saint-Esprit? Sur quoi tu vas t'appuyer un jour pour dire à tel frère, à telle soeur, que vraiment, il y a 6 mois de croisade. Les douleurs, le mal, maladie, tout ça, fatigue, mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué. Et ce qui dans ma pousse ne sont pas touchés, lorsque nous sommes arrivés à Corogo, le Père nous a dit bon, très tôt le matin, on va à la montagne. Mais bien aimé, imaginons, on marche, on a marché, marché, pour monter même là, la montagne là. C'était tellement difficile.
Mais je vous dis que tous ceux qui étaient partis, personne ne voulait rester derrière. Bien qu'on était fatigué, certaines personnes attrapaient les mains des autres pour pousser les autres à monter dans le but que nous puissions arriver au sommet. Alléluia. Puis je vais te dire quelque chose. Dans la marche chrétienne, il y a persécution de temps, il y a tribulation de temps, il y a pleurs de temps, il y a angoisse de temps, il y a diffamation de temps, il y a calomnie de temps, il y a rejet de temps, il y a humiliation de temps. Mais ça qui va te séparer de l'amour de Dieu. On pouvait dire qu'on était fatigué. On est fatigué. Mais quand on a commencé à marcher, personne n'a voulu faire comme la femme de l'autre. Personne n'a voulu rien gagner. On était fatigué, crispé. Le moment où on était fatigué, on a attrapé les mains. On a attrapé les mains les plus faibles. Nous qui étions plus forts, on les soutenait. On les soutenait. Dans le but, dans l'objectif, d'arriver au sommet. Bien aimé. Ça a aussi l'image de la marche chrétienne. Toi qui es fort, toi qui es grand, toi qui peux faire 21 jours, toi qui peux faire 40 jours, quand quelqu'un n'arrive pas à gérer 2 jours, il ne faut pas le vilipender. Quand quelqu'un n'arrive pas à prier, il ne faut pas le pointer du doigt. Mais toi qui es fort, il faudrait que tu puisses soutenir celui qui est faible. Amen. Pour que celui qui est faible soit fort comme toi. Afin que nous puissions tous partir. Lorsque Jésus-Christ viendra nous chercher. Parce que c'est l'objectif de là. Donc bien aimé, que le Seigneur te donne cette capacité d'avoir une expérience aussi avec lui. Parce que l'expérience produit la persévérance en toi. La persévérance produit la victoire. Et la victoire produit aussi des témoignages dans ta vie. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as donné ton temps au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as soutenu la parole d'évangélisation avec tes pieds, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as soutenu la parole d'évangélisation dans la prière, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as intercédé jour et nuit pour nous, pour ne pas que l'ennemi puisse faire notre vie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce abonde dans ta vie. Que la grâce abonde tous tes enfants. Que la grâce abonde dans ton travail. Que ta marche, que ta vie spirituelle puisse croître encore davantage. Que le Seigneur Jésus te bénisse.